On a envie de parler de One Piece, mais on est trop fatigué pour le faire. Ah du ouais, coup, on fou. va vous laisser faire. On va, on va inviter des intervenants et vous allez faire le live à temps de place, d'accord Allez, ce soir c'est vous qui faites le live. Je... Ouais, parce on a envie à envie à la fois. Ouais. Voilà. <laughs> en fait, on a trop de choses à dire et à la fois, pas grand-chose, mais on s'est dit, on va quand même faire un live. Et, euh, et du coup, bah, on s'est lancé. Donc on Exactement. espère que vous allez bien. Eh ben, moi ça va, merci, vu que tu demandes, vu que tu demandes pas, ça alors, va, vraiment, très est-ce que soir, toi ça va ce live, ça va être une... <laughs> Vraiment, je vous annonce, je vous promets, hein, on ça, ça est 34, dans le coltar. Hein. genre vraiment, c'est même a pas un où on habite, pour je pense là. que <laughs> ça s'entend à nos voix, que on est là, on dirait vraiment qu'on est à l'ouest. <laughs> non mais bah attendez, le live, il a commencé depuis combien de temps, il y a déjà quelqu'un <laughs> qui est en train décrire le contraire de Teach, mais ça, attendez, il y a déjà une conversation <laughs> qui s'est faite, sans que... Le non mais oui, alors... En fait, pour vous expliquer, mmh. euh, bah moi, du coup, ça va. Moi, j'ai parlé, j'ai fait ma petite review et tout, tranquille. Mais la Ninette, du coup, voulait faire elle. voulait parler quand même du chapitre, ce qui est normal. Euh, parce qu'il était quand même vraiment cool. Et mais sans avoir forcément le temps de faire une review. Du coup, le live, c'est toujours un peu le bon compromis. Ouais. Mais du coup, bon, un live, c'est quand même... Un live, c'est pas plus compliqué à faire qu'une review, mais c'est différent à gérer. Ça quand demande même. de l'énergie. Ouais, c'est beaucoup d'énergie pour l'instant... <laughs> Ouais. Genre vraiment je suis explosée. Alors on va quand même essayer de, de dynamiser ça. Hein Il va être très chill, chill ce, ce live. On va, parler, oh ouais, euh, on va parler, on va parler du baller, chapitre. On va, parler, on va on, mm -hmm. va, on va rigoler un peu et, euh, et voilà. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Merci à Gouji de m'accompagner ce soir comme toujours euh, dans bon, les lives. Bah, ouais. Il a été adorable alors qu'il n'a pas soir. dormi. Donc euh, ce soir on s'est dit petit live. <laughs> Et euh, vraiment chill. Donc on espère déjà que vous allez bien en tout cas. Et oh ça oui. vous fait plaisir ah, de faire bien. un live. Je suis désolée pour ceux qui s'attendaient à une review euh, vidéo. Euh, C'est beaucoup trop physique <laughs> pour moi. Et du coup ouais. malheureusement, euh, je, je n'y arriverai pas. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai préféré faire un live. Je vous ai quand même préparé un bon truc. Hein. J'ai travaillé pendant trois jours. Hein. Euh, j'ai fait un truc sur... Euh, comment on appelle ce... C'est ce vrai, ça. PowerPoint. Je vous ai fait sur PowerPoint. Alors, c'est sûr, c'est pas les, les vidéos d'habitude. Mais ça le fera quand même. Parce que euh, vous allez voir, il y a des choses intéressantes que j'ai notées. Et, euh, et voilà. Voilà. Parfait. <laughs> Let's go. Pourquoi on n'est pas sur Twitch euh, Parce que j'ai pas... En fait, j'ai Twitch... Mais euh, juste pour aller euh, soutenir Goji euh, quand il fait Mais ses lives, go. parce que sinon, euh, je, suis, je sais pas utiliser ce truc, c'est trop compliqué, et en plus de ça, ouais, euh, généralement, ouais. je déjà j'ai je galéré à, à lancer le live, il euh, y a des trucs qui fonctionnaient pas et tout, et sur Twitch, ça va être pire. Donc euh, je pense que YouTube, c'est bien, moi, pour mon format, euh, et puis un jour, peut-être... Hum, je migrerai sur Twitch euh, <laughs> dans quelques années si j'y arrive. Je ferai appel à Bovino, c'est lui qui s'y connaît là-dedans. Bah merci. Non mais je veux dire, lui c'est vraiment ouais, un. Ouais, non, je, je... non mais toi aussi tu galères pas sur Twitch, ouais, t'es une vrai, quiche maintenant. Ouais, oh, c'est horrible et vraiment, je, je vous rendez pas compte peut-être parce que vous avez jamais. Euh... En fait, vous n'avez peut-être jamais été directement euh, dans les paramètres de... de... Même, même ne serait-ce que poster une vidéo YouTube. Vous consommez beaucoup de YouTube sans forcément voir mmh. comment on met en ligne une vidéo, etc. Et, euh, et quand tu ne t'y connais pas, c'est déjà un monde. Mais alors, genre Twitch, c'est frustrant parce que tu t'y connais dans ce monde-là. Moi, je m'y connaissais en plus de ouf, allez, avant euh, il y a de ça, 7 ans. Mais là, maintenant, c'est une usine à gaz. Mon ref, c'est... Moi, je n'ai jamais rien compris ni avant, ni ah pendant, bah là, ni après. Oui, je... Mais moi, d'un côté, je pique. suis bien content que Nina se mette pas à Twitch parce que du coup, je vais devoir essayer de recomprendre ce qui se passe dessus. Je dois, non, ça va être trop compliqué. C'est bon. Moi, je, je suis. Du ouais, père. Es bien. Toi, t'es bien. Ouais, es bien je suis bien sur, YouTube, sur mes là. petits lives YouTube ouais, et tout. ouais, euh... ouais, très bien. J'ai ma communauté, voilà. je connais un petit peu, je peux vous écrire pendant le chat, pendant le live, je peux vous parler. C'est bon, ça fonctionne. Moi, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Donc, on va rester sur YouTube. Voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, avant j'aimerais faire comme toujours les bêta tests de son. Est-ce que vous nous entendez bien euh, Parce que d'habitude je suis quand même plus proche de mon micro. Mais là comme je l'ai dit, je suis un peu en mode euh, potétose. <laughs> je suis posée comme une patate. Du coup, du coup si, euh, si vous m'entendez mal, je me rapprocherai de mon micro. Sinon, euh, je reste en mode patate. Et euh, est-ce que Goji aussi vous l'entendez bien Super, parfait. Et Goji aussi vous l'entendez nickel oui allô bonsoir est-ce que vous m'entendez nickel allô allô pouit pouit yep yep Ouais, c'est bon et bah top et ben bah, on va pouvoir ouais, commencer si ce très long. ouais ouais et Dinal va commencer surtout Nina va parler hein Nina va faire son petit euh, sa petite présentation PowerPoint alors, hein j'y ai mis du cœur dans cette présentation. J'ai essayé de vous faire un, un joli petit truc et tout. Euh... Mais C'est pour ça que dès à présent, vous pouvez lâcher votre meilleur like. <laughs> vous <rire> pouvez vous. liker abonnez-vous. <laughs> ça va commencer le truc. Si, si, likez, likez, ne <laughs> vous inquiétez pas. Sûr, ouais, si, si, allez-y, allez-y. Euh, on sait jamais. <laughs> bon, en tout cas, j'espère que euh, vous avez aimé le chapitre. Euh, toi, Goji, tu l'as quand même bien apprécié. Oui. Alors, moi, vraiment, côté, côté baggy, là, ça a été... Euh ça a été moi je sais pas, ça a été un coup de cœur pour du côté de Baggy là. ouais j'aime vraiment Baggy c'est vraiment un ah perso ouais. que j'apprécie de plus en plus c'est ça c'est moi c'est un peu la, le, le le comment on appelle c'est un peu le, la réflexion que je me suis faite c'est que c'est un personnage plus il apparaît plus il est attachant et mm. plus on on l'aime plus là ce capital de sympathie qui qui augmente donc vraiment moi je trouve ça je trouve que qu qu Baggy c'est un personnage qui gère trop bien tu mm. vois on a on a déjà eu son arc à lui, on a eu après il est revenu quasiment à chacun des arcs d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que en plus je crois c'est le personnage ouais. préféré d'Oda, si je dis pas de bêtises. Normalement oui. Ouais. Non très très agréable. Moi j'ai adoré bagui dans ce chapitre vraiment. Je sais pas ce que vous êtes. Avez... Avez... J'ai pas fait de vote ce mois. Je euh, ce... suis fatiguée. Cette semaine je n'ai pas fait de vote pour savoir si vous avez apprécié les chapitres. T'en as fait Moi, un ai sur ai ta fait, communauté. Vas-y. Ouais. Vas euh, bah, déjà globalement sur 5000 votes, euh, 65% de 5 étoiles. Ouais. Donc, euh, très, pour l'instant, très bien noté. Oui, oui, non, ça. Je pense que ça va. J'ai vu un peu des gens qui, qui taillaient un peu Baggy. J'avoue que j'avais envie de mettre des grosses claques de daron. Mais... Ah ouais Ouais, ouais des gens baguie, qui disaient que ça... en, gros, il, il était, que en gros, il était, euh, il était euh, pitoyable. Je ah crois que c'était le terme utilisé. Ah parce que, ouais, et moi je vois pas en quoi Baggy est pitoyable, au contraire. Il est incroyable. Parce que malgré tout, de partout où il est passé, il a encore la motivation. Même là, dans l'état actuel où il était dans ce chapitre, il arrive encore à avoir cette motivation de de clamer son désir du One Piece. C'est vraiment. En fait, je trouve que Baggy, il a jamais été autant incroyable, même, je trouve. Je trouve qu'il a une part d'Usopp et il a une part de Luffy. C'est-à-dire ouais. qu'il a tout d'un Luffy, mais il a la peur d'Usopp, tu vois. Et justement, de ouais. le voir... Oh, je ne sais pas si on se rend bien compte, il se tenait devant Mihawk et Crocodile. <laughs> et Franchement, je ne vais pas dire le terme, mais il a eu des, des, ouais, des coronesses, mais de malades. Moi, j'ai kiffé Baggy dans ce moment, c'était exceptionnel. Et même la manière dont il a fait avec Shanks, le fait qu'il ait, il ait mis en retrait son propre rêve pour... <laughs> euh, pour pour voir justement Chant, en on que croit des pirates, rien que pour Parce ça, que déjà, que le mec sentait je pas capable, mm. bah, moi, est Moi, euh, c'est... Comme je l'ai dit dans ma review, je trouve que ça a été... Le, euh, ça a été rarement un chapitre destiné à un personnage que celui-ci pour Baggy, tu vois. Ce chapitre était vraiment, mais fait pour Baggy. Ouais, et j'ai eu l'impression que en, en très peu de temps, Oda, il a réussi à nous balancer toutes les facettes de Baggy qu'on connaissait, cette facette de, de... à la fois opportuniste, à la fois... Euh, très chanceux à la fois toujours euh, vénéré hein, faible par physiquement, les gens aussi que... voilà faible physiquement parce qu'il n'arrive <laughs> pas non plus à, à être sur la même puissance <laughs> longueur d'onde au niveau de la puissance que ses camarades ou enfin, c'est Nakama là ouais, parfaitement je pense, <laughs> euh, même faible au niveau du, psycho, du psychologique parce que du coup on voyait que quand il était plus jeune il avait carrément abandonné son rêve et, mais d'un côté, bah, tu as vu tout l'inverse où il y avait aussi, bah, il était, était devenu hyper fort parce que malgré, dans la, malgré la situation dans laquelle il était, il n'a il, il, il pas abandonné. Au contraire, mm -hmm. il, a, il a tenu tête à qui et, et Crocodile. A... Mm -hmm. Non, je trouve, en fait, j'ai trouvé que était, ça a rarement été un chapitre pour un personnage dans One Piece que le 1082 l'a été pour euh, Baggy. Baggy. Ouais, je suis parfaitement d'accord. C'était ouais. hyper intense pour un personnage comme lui. Tu vois, d'avoir autant, mettre autant la couverture sur lui. Je sais pas si on se rend bien compte, mais dans ce chapitre, on est censé apprendre que sabot est en vie. Bon, ça surprend pas, mais pour certains, ça peut surprendre. Mais c'est quand même pas rien, la fin de chapitre. C'est sabot qui réapparaît, qui, dé, qui débarque chez les révolutionnaires et qui ouais. va pour, qui va quand même leur annoncer une dinguerie sur il et le trône vacant. Mm -hmm. Et pourtant, les trois ouais, quarts moi, du chapitre sont bien dédiés ouais. à Baggy. Alors qu'il aurait pu inverser Oda et tu vois et, et consacrer plus à, à Sabo son retour. Ah ben bah moi très clairement je, <coughs> je, je moi j'aurais été peut-être encore plus hypé si la fin du chapitre avait été euh, en mode Baggy qui lance justement sa parole du ouais. euh, go pour le one piece tu vois. Ouais. Ça aurait peut-être été encore plus percutant parce que là bah, ce qui arrive au niveau de Sabo bah c'est trop bien tu vois ça laisse, ça présager, envisager plein de choses, de euh, bah, toute façon tu vas en parler, mais le fait que Dragon, il, app, il, il apprenne soit l'existence de mmh. Him, soit qu'il qu dise déjà mmh. à connaître, et que ce soit à l'origine de son mouvement révolutionnaire, bref, il y a 48 trucs à, à théoriser là-dessus, mais en fait, ce, ce, ce qui se passe avec il, il, Sabo et Dragon et Révolutionnaire, on s'y attendait, alors que moi, je trouve que, enfin, perso, je m'attendais pas à ce que Baggy, là, sans que je trouve ça... Euh, euh, mastermind, je m'attendais pas à ce que Baggy là maintenant il, il claim le One Piece devant tout le monde et vouloir devenir roi des pirates comme ça. Mm. Enfin, tu vois, genre c'est pour ça qu'en gros j'ai été, euh, j'ai trouvé que c'était plus surpris. percutant. Voilà, ouais, c'était ouais. le plus le truc plus percutant. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord là dessus De toute façon, on y reviendra. gâché le chapitre, mais oui, oui, oui vas-y, ouais, on, on reviendra sur Baggy de long en large et, et surtout au sujet du titre que j'ai mis. Vous allez voir, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, je vais juste remercier Poticha, Ticha, qui nous fait un petit don. Coucou Nina, encore bravo pour les 100 k abonnés. Et bon courage pour le live. Merci beaucoup Chat. C'est euh, un abonné merci. en plus que vraiment j'apprécie. Euh, vous comprendrez, euh, je pense, dans les prochains mois pourquoi euh, cet abonné en question, il est extraordinaire parce qu'il a une voix de dingue. Et euh, il va participer à, à l'une de mes vidéos euh, dans les prochains mois que vous verrez. Euh, bah dans les prochains mois. <laughs> C'est con ce que je viens de dire. Et euh, vraiment euh, incroyable. Donc euh, hâte que vous découvriez euh, tout ça. Et Cho qui nous fait... Attends Parce que Cho aussi du coup, qui a participé au projet et qui nous fait encore un don. Coucou Nina, petit soutien comme à chaque live. Merci beaucoup ma petite Chou. Et même comme toujours, elle est toujours là pour nous soutenir. C'est une abonnée incroyable et que je remercie énormément. Je te fais de gros bisous. Et euh, détends-toi bien sur le live. Voilà, et c'est bon, là je peux, je peux commencer à, à débrief mon petit PowerPoint. Alors attends. Euh, comment on fait comme ça Attendez, hein, parce que moi je suis pas. Euh, c'est pas le pro-truc euh, pro que je vais vous sortir. Mais si quand même, regarde, c'est beau C'est bon, est-ce que vous voyez le PowerPoint Normalement il va apparaître dans quelques secondes. Alors, euh. Attends, attends, Non, pour l'instant, toujours pas. Non C'est pas apparu Vous ah. voyez pas Baggy avec ah, review non. 1082 Oui, 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 oui. Non, c'est bon. Ah, ok, c'est moi, du... moi qui ai du Actualise alors, moi. du coup. Vas-y, essaye d'actualiser. C'est bon, bon Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, on commence donc cette review du chapitre 1082. Allons-nous, allons. -nous. allons. <laughs> allons... J'arrive pas à le dire. Allons, allons-nous? Allons nous en emparer. Allons-nous nous en Allons-nous? Allons nous en emparer. allons un... Un... Ouais, t'as compris. <laughs> Bref. Moi, bah, bon, je l'ai fait. Vas-y, c'est bon. Allons nous en emparer. Allons-nous nous, nous emparer. Allons-nous. <laughs> Bref, trois petits chats. Donc, le premier sujet euh, avec ce chapitre qu'on débute, c'est la marine, puisqu'on apprend du coup la mort de Tibonne euh, qui était un vice-amiral euh, qu'on a découvert dans l'arc... Euh... Attends, c'était le bateau de Agnes Tom, Lobby. là. Le truc, ouais, Agnès Lobby euh, sur, le, sur le Tom.. Euh, putain, je sais plus le truc. Comment ça s'appelait le, le train de Tom Le train des mères Le Puffin -tom. tom. voilà. On l'avait découvert là-dedans. Je crois qu'il avait affronté Zoro, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et donc, on apprend la mort de ce dernier, qui a été assassiné donc par un habitant du royaume de Pépé. Euh, sous ordre entre guillemets de, de la Cross Guild, puisqu'elle a mis une prime euh, sur ce mec, et donc du coup, ouais, c'est voilà, pas vraiment un ordre, c'est plus oui. euh, suite, Su à, le, suite voilà, à la prime euh, qui avait été mise sur sa tête. Euh, du coup, un habitant du royaume de Pépé l'a exécuté. Alors, la grande question qu'il faut se poser, forcément, c'est est-il vraiment mort Est-ce qu'on peut croire à sa mort Et pourquoi la marine ne veut pas révéler les détails de sa, de, des conditions de sa mort. Et au passage, il est mort à 53 ans. Donc, est-ce que tu penses... Oui, c'est un détail bête, mais c'est très bien de mettre l'âge de, de, des morts parce que ça te permet de faire une chronologie dans One Piece. C'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mise. Donc, pour toi, est-ce que Tibonne est mort ou pas Donc, avant de répondre, je te laisse lire la description de Tibonne qu'on a. Excepté la phrase en rouge. Euh, excepté la phrase en jaune. Alors attends, parce que là, pour l'instant, moi, j'ai toujours rien. Attends. Et dans le chat, vous pouvez dire si pour vous, tibone est bel et bien mort ou c'est une fake mort à la à la Pound, ou des trucs comme ça. Est-ce que pour vous, tibone est bien mort ou hors note Alors oui, ok, c'est bon. Euh, tu veux que je lise quoi la, 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 la le description en jaune, de ça ouais non en jaune. non non justement tu lis pas ce qui est en jaune à tout. Sous la description, ça des à partir du rouge jusqu'au rouge, en jusqu'au rouge. Alors, sous-amiral de la marine, c'était pas vice-amiral, ouais, c'est pas vice-amiral, ouais, ouais. <laughs> il me semblait. Ouais. Ouais. Surnommé le coupeur de navire, il était le numéro 5 dans le wagon et était un ancien chevalier royal. D'après sa vive sa gentillesse et son dévouement envers les gens sont inégalés parmi les marines, car il est même prêt à donner sa vie pour les autres. Sa devise est de faire 100 bonnes actions chaque jour il est végétarien, probablement, car il se sent mal de tuer des animaux pour manger. Et on l'avait revu durant la réveille avec Akainu au, au sujet de Fujitora. Exactement, chapitre 905. Donc, comment un homme si juste et si fort a pu être vaincu par un random Parce que c'est clairement un random qui est l'a bouté. Comment il a pu mourir Le... Moi, de mon côté, en tout cas, la seule bonne raison qui aurait fait qu'il soit mort... C'est euh, qu'il voulait faire une dernière bonne action. Comme ils l'ont dit d'ailleurs dans sa vive card, il faisait 100, 100 bonnes actions par jour. Mmh, du coup, mmh. je vois que offrir sa vie à cette famille euh, qui était dans le besoin et qui, du coup, grâce à sa prime, ça pouvait les nourrir et qui s'est sacrifié. Je vois que ça parce que je vois pas comment un mec qui est appelé le coupeur de navire et qui était un ancien chevalier royal et tout, il a quand même. C'est pas un faible non plus, Tibone. Donc je vois pas trop comment il a pu se faire buter aussi facilement par un random. Donc, excepté le fait qu'il puisse se sacrifier pour, euh, pour, une, pour un peuple, un pays euh, comme, euh, mm -hmm. comme le royaume de Pépé, je vois pas d'autres raisons qui auraient pu euh, faire qu'il soit mort. Ah bah là, très clairement, il euh, y a Anguille-Souroche, parce que soit, soit il s'est vraiment fait euh, fumer, mais de façon euh, improbable... Euh, en ayant mais non mais même en fait j'arrive même pas à imaginer un monde où un vice amiral ou du moins un amiral aussi enfin un, un, un marine aussi euh, élevé en rang et en puissance puisse se faire avoir mmh. par quelqu'un qui n'est pas même pas dans ses pleines euh, capacités d'ailleurs aussi parce que euh, affamé euh... Bah. T'as ran Random Name qui dit un coup dans le dos, et t'as Eric qui dit un sous-amiral aurait tout à fait pu subvenir aux besoins d'une famille pauvre sans se sacrifier. Ouais, mais de l'autre côté, c'est vraiment la, la description de t qui compte. Le fait qu'il ouais. est prêt à donner sa vie pour les autres. C'est particulièrement lui qui est mort et pas un autre. Voilà, c'est sa est personnalité. Celui qui est, qui fait ça. Genre, c'est étonnamment le plus bon des marines. Celui que d'ailleurs, le, le moins de. Enfin, les gens ont moins de raisons de tuer en vraie limite. C'est ça. Parce que. Bon, ok, il y a la prime, mais. Mais bah, ils le dire, disent, hein. Il le dit. Euh, il dit, bien que la mort. En exercice du vice-amiral Thibon, euh, un officier apprécié par bon nombre de ses pairs et concitoyens. C'est-à-dire que le mec était apprécié tout court. C'était vraiment pas le marine à exécuter. C'était, s'il y en avait bien un à pas tuer, c'était bien lui en fait, parce que il était vraiment proche de des gens qui protégeaient. Donc il n'y avait pas vraiment de raison de l'assassiner. Et c'est pour ça que je me dis la seule bonne raison qui aurait pu le tuer, bah, c'est le fait qu'il ait sacrifié sa vie. Tu vois qu'il se retrouve devant le devant le random et qui lui disent, bah si ma vie euh, peut faire que ta famille soit soit à l'abri, tu vois, et que je connais ce pays, tu vois, il connaissait le royaume de Pépé et euh, mmh. il savait les conditions qu'il y avait dans ce, dans ce, dans, sur cette île. Donc je pense vraiment que j'y vois en tout cas qu'un sacrifice qui l'aurait poussé à, à mourir. Je vois pas d'autre chose. En plus, euh, non, il n'est pas samouraï lui. Je sais pas trop s'il si est samouraï. Bah, je sais pas non. Non mais c'était pour voir par rapport à ça des gains tu vois, avec mmh. les c'est machin, le, le sens du sacrifice, le sens de l'honneur, ça aurait pu non, jouer... Bah, ap après, c'est un chevalier royal, si c'est le cas, c'est qu'il avait vraiment, ben, c'est pas la, on va dire, c'est enfin, quand même une sacrée dévotion dans le... Mmh. Ils sont, ils sont, Il y a les chevaliers, ils sont, ils sont prêts d'ailleurs à se donner pour leur roi, pour... Oui, j'avoue je... que je suis pas assez calé sur le sujet, mais... A... Ah, très clairement, Thibaud. Hein. Bah, il y en a certains qui disent comme Benjamin. Il dit moi je pense le random l'a empoisonné et que Thibaud avait une confusion aveugle au civile. Ce mmh. que j'ai je... un doute sur le l'empoisonnement parce que en fait ça aurait pas de sens du pourquoi ici la marine a caché les détails de sa mort. Je trouve que ce serait plus logique que la marine veuille cacher euh, les raisons de sa mort de par le fait qu'il s'est sacrifié pour. Euh, le civil en question. Plutôt qu'un empoisonnement, bah, il est mort par empoisonnement, ou il est mort assassiné, il est mort poignardé dans le dos, j'en sais rien. Ça aurait, été... Ça aurait pas été honteux, tu vois, pour la marine euh, de cacher ce type d'information. Or là, le, le sous-entendu avec la marine demeure silencieux sur les causes de son décès, tu vois, c'est vraiment les causes mmh. que moi je me dis, cette cause en question doit mettre à mal la marine. Et donc la seule chose que j'y vois, c'est vraiment un sacrifice, et ça se justifie surtout ouais, et ouais. en partie par le fait que c'est écrit dans sa vif card qu'il est prêt à donner sa vie pour les autres. Et là, on est dans le parfait contexte de donner sa vie, quoi. Mais ah moi, bah, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ah, ouais. Mais le journal est fake, on le sait depuis la dernière fois avec Morgan. Oui, mais alors on n'aurait pas du coup euh, pu voir le mec qui se rendait euh, à la Cross Guild et qui aurait... En fait, on n'aurait pas eu la suite. Tu vois, la suite, elle aurait été différente si ça avait été le cas. Comme avec Vivi ou autre. Après, on a vu qu'elle se tenait avec Morgane, etc. Là, on a clairement le random qui se rend à la Cross Guild et qui semble être au bout de sa vie d'avoir tué quelqu'un. Après, est-ce que Oda l'a vraiment tué Ça, on va savoir. Peut-être qu'il est porté... En fait, il s'est fait porter mort et Moi, il a quitté qu il a la marine. Un... C'est une possibilité. Je pense qu'il y a quand même un bail de... Enfin, la cross-guide va forcément chercher une, une preuve, une justification à la mort d'un marine, tu vois. Mm, mm. Dans Donc, tu... Euh... dans tous les cas, pour moi, je pense que t était conscient de ce qu'il faisait. Qu'il soit mort ou qu'il soit pas vraiment mort, mais qu'il se fasse passer pour mort, je pense dans tous les cas qu'il euh, s'est mis d'accord avec le civil. Mais le fait que le civil chiale comme ça, tu vois, en mode traumatisé, je comprendrais pas pourquoi... Euh... Il aurait... enfin t -bon aurait fait croire à sa mort. Je pense vraiment que le mec croit vraiment qu'il l'a buté, tu vois. Mm -hmm. C'est comme ça que je le ressens. Bah faudra voir, faudra voir. J'avoue que c'est euh... quand même un peu inattendu finalement de, mm. de voir déjà un marine se faire tuer par les civils. Ça m'a un peu... Bah, ça, ça jette un petit froid quand même. c'est viol... violent, c'est hyper bah ouais, violent ouais, ouais, pour... Euh, pour du One Piece. Déjà c'est assez inattendu. Mm. C'est pour ça qu'on peut toujours quand même douter de sa mort, hein, parce que c'est tellement inattendu dans One Piece que... Voilà. Mais, euh... ouais, moi, je pense que je te rejoins pas mal là-dessus. On a à peu près la même idée, de toute façon. Bah, On verra ce que ça donne, mais... Euh... T'as Martin Angister. Te... Moi, je vais dire Martin. Je pense pas qu'il soit mort, notamment à cause du ressort comique. Il ressemble déjà à un mort et il suffirait qu'il dorme par terre pour qu'on s'imagine des choses. Et justement, ça rebondit à ce qui avait été dit sur le SBS 48 par Oda. Il y avait un... <coughs> Pardon. Il y avait un fan qui lui avait posé la question. Il lui dit, Monsieur Oda, le général Thibon, est-ce que c'est un général zombie ou bien un parent de Brooke Et Oda avait répondu, Très bonne question, procédons par élimination, c'est pas un zombie sauvage, c'est pas un zombie surprise, ce n'est pas non plus un soldat zombie, car ceci ne porte, euh, ceci ne porte pas d'armes. Il ne reste donc plus qu'une seule possibilité, c'est un général zombie. Sauf qu'en vérité, c'est un homme bien vivant. Donc, est-ce que... Il est bien vivant, bah là semble-t-il bah que non, <laughs> bah non. La blagounette. Et euh, est-ce que c'est un général zombie Ça pourrait être intéressant, tu vois, que ce qui, ce que ce que dit Oda, c'est vraiment que c'est un général zombie. C'est le coup, c'est vraiment le coup. C'est et, et du coup, bah forcément, il est pas tout à fait mort. Si on part sur un général zombie, bien évidemment. Ah, oui, mais un général. Bah, bah si c'est un zombie, il t'a beau le tuer, excepté avec non, le mais... sel, tu peux pas, tu peux pas un zombie normalement. Attends, là, je suis sur Thriller Bark, là. Je suis avec les zombies de Thriller Bark. Il n'a pas pu être je... machiné par, euh, par Moria. Bah, en fait, euh, je ne pense pas, non. En tout cas, c'est intéressant, euh... cette, cette manière de penser qui puisse être un général zombie. Si c'est vraiment le cas, en tout cas, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il est vraiment mort bah, Si c'est un zombie, pas bah, tout à fait, tu vois. Je ne pense ouais, pas ouais, ouais. qu'il en soit un, mais de par ce, ce détail du SBS 48 quelque chose qu'on peut mettre de côté, et qu'on peut prendre en compte, tu vois. Même si pour moi, je pense vraiment qu'il s'est sacrifié et que soit il s'est sacrifié en mourant véritablement, soit il s'est sacrifié et a fait croire à sa mort, se retirant de la marine et, euh, et en vivant après sa vie, tu vois, en faisant croire oui, à sa ça. mort. Euh... Court. Mais en tout cas, euh, moi, c'est les deux hypothèses que, que j'émettrais à son sujet. Si c'est un zombie, le soleil l'aurait tué. Le soleil l'aurait tué. Ouais, peut-être c'est un zombie spécial. C'est peut-être pas le... Non, oui. mais, non mais quand euh... je dis ça, c'est dans le sens où c'est peut-être pas un, un zombie euh, comme, euh, comme l'était euh, les zombies de Moria, tu vois Ouais, je vois ce que tu veux et dire. le soleil les touchait ou autre. On sait pas. Peut-être qu'il a mangé le fruit du zombie. On sait pas, d'ailleurs. Parce que normalement, il n'a pas de fruit du démon euh, tibone. Et c'est cool, peut-être qu'il a mangé un fruit spécial. Je sais pas, je dis, je dis, je dis des choses au pif. Hein. Mais, euh, mais voilà. Ça fait partie d'un de de, du, nouveau mystère, ça y est. Voilà. qu'il est vraiment mort ou, ou, ou vraiment... Euh, c'est un peu un, ça qui est un peu chiant avec Oda. C'est que du coup, même les morts, tu sais vraiment pas trop comment les prendre si c'est si le cas et si... Euh, voilà. Donc, c'était l'aperçu de Tibone. Du coup, on apprend quand même plusieurs choses euh, grâce à la mort de Tibone. C'est le fameux royaume de Pépé. Alors, je me, je me suis arrêté là-dessus. J'ai voulu le mettre dans ma review parce que j'ai trouvé ça quand même... Euh, je vais pas dire intéressant, mais faut s'intéresser à ce sujet. Euh, qui, euh, qui est prépondérant dans One Piece. Et euh, d'un, on ne sait pas où se trouve le royaume de Pépé. C'est-à-dire que c'est pas précisé là dans le chapitre, si c'est dans le Nouveau Monde ou dans le, dans le Paradis euh, ou si c'est même sur les, les quatre mers, on n'en sait pas du tout. Donc ce royaume est très intéressant parce que comme il disait, un millier de personnes meurent de faim chaque, chaque année dans ce royaume. Sauf que moi, ça m'a rappelé plusieurs choses. Ça m'a rappelé, bien évidemment, tout ce qu'on avait vu au niveau de la famine, euh, de la. de. de, de, de comment ça s'appelle Pas de la malnutrition, mais. bon, euh, bref. Vous famille. avez compris, la famine en bref. Et du coup, on avait vu ça avec Otama, avec Ebisu, ou avec le Grey Terminal quand il euh, y avait eu euh, le flashback de Ace, Sabo et euh, Luffy, mais surtout, on avait eu ce passage avec euh, Baby Five dans son flashback où euh, justement, elle avait été euh, dégagée par sa famille parce que bah, se nourrir coûtait trop cher et du coup, pour garder une gamine, ça, ça revenait trop cher. Et j'ai trouvé vraiment ce, ce passage euh, dans ce chapitre qu'encore une fois, Oda euh, appuie là-dessus, montre encore une fois que euh, c'est vraiment conséquent dans son œuvre la, la famine, la malnutrition, etc. J'ai trouvé ce point super intéressant parce que forcément ça me pousse moi à étudier un peu plus notre monde à nous. Et, euh, et quand j'ai lu les chiffres euh, dans notre monde, j'avoue que j'étais un peu choquée parce que je ne m'attendais pas à autant de personnes. Donc je voulais vous, juste vous dire ces chiffres. Les personnes touchées par la faim dans le monde, c'est 828 millions de personnes en 2021. Chaque jour, ces 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, qui meurent de faim et de causes associées, soit plus de 9 millions de personnes par an. C'est les sources de l'ONU. Et juste ça, je me suis dit, c'est <coughs> vraiment intéressant que quand on lit neuf comme One Piece, eh ben, il faut aller aussi faire ses recherches de l'autre côté et se rendre compte de l'importance qu'elle a aussi dans notre monde. Et euh, en live comme ça, je peux pas je peux pas vraiment développer davantage parce que ça serait trop long. Mais euh, c'était juste pour vous donner ces chiffres qui sont... Ça paraît que des chiffres. Et pourtant, faut se dire que derrière, il y a vraiment des êtres humains. 828 millions, quand presque 1 milliard, qui, 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 qui sont touchés par la faim. Et euh, j'ai trouvé des, ces chiffres vraiment euh, faramineux. C est, c est, ça m'a choqué. Et, euh, et je voulais du coup vous, vous, les, vous les donner. Euh, et comment vous les retenez un peu, et, et voilà. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet, hein. c'était juste à titre informatif, et, et je trouvais ça intéressant pour, euh, pour ce passage du royaume de Pépé. Et, et surtout dans One Piece, c'est un sujet prépondérant, comme je vous l'ai montré, avec euh, Ebisu, avec Otama, avec Baby Five, et même avec Luffy qui est au cœur de tout ça. Ouais, c'est vraiment revenu sur <coughs> Wano, surtout. C'est ça. En tout cas, pour, euh, dans la trame principale, c'est revenu sur Wano. Quoi. Mmh. Donc voilà! C'était peut-être un peu l'ambiance là, je suis désolée, mais je voulais vraiment que vous, vous ayez conscience de ces chiffres, euh, je, je voulais vraiment en parler là-dessus. Voilà, on passe à la suite. Euh, C'est sur les primes de Sengoku et Tsuru. Donc on apprend bien que Tsuru et Sengoku ont également euh, des primes sur leur tête. Tu vois, je pensais vraiment que la cross guild s'était limitée juste peut-être aux au, au vice-amiraux, tu vois, au, au, un peu plus random, genre type Kobe, etc. Mais je pensais pas du tout sur, sur des gottes pareilles. Et du coup, je me suis dit, oh là là, je veux trop connaître les primes de, de, de ces gottes, t'imagines Et ouais. sans compter Garp, et mmh. sans compter euh, surtout, euh, surtout Akainu, vu que c'est le chef, ami euh, chef des amiraux, les amiraux aussi, on les connaît pas. Du coup, vraiment, j'ai très 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 hâte euh, de connaître les primes de chacun. Et ça m'a emmené, du coup, à me demander, est-ce que le Gorosei ont eux aussi une prime Et est-ce que, si c'est le cas, est-ce qu'ils vont aussi en mettre une à Im si on découvrait qu'elle est son existence Tu vois, si par exemple dans le journal on apprenait qu'il y a Im euh, qui existe, et bien, bah du coup imagine que la Cross Guild, elle, elle apprend ça, elle se dit ah ouais, je veux une prime là-dessus, et je trouverais ça dingue. En fait, c'est après c'est que <coughs> serait un montant démesuré, on parle quand même du roi du monde, tu vois. Oui, mais regarde Jebek, il avait une prime, et surtout, euh... on la connaît pas. oui, on la connaît pas, mais il a, il a... enfin potentiellement une prime, vu que son équipage en avait une à l'époque. Donc, quand tu sais que Goldie Roger, le roi des pirates, en avait une, je me dis que de l'autre côté, si les marines ouais. ont des primes, il se peut tout à fait que le Goth, à l'image des rois des pirates, là, on a un roi du monde sur la marine, qui est Im, et du coup, obtienne aussi sa prime. Et là, ce serait dingue. Là, vraiment, ce serait ouf. Je me demande quelle prime, euh, prime Im aurait. Bon, en tout cas, ça me hype vraiment. Je vous jure, la Cross Guild avec les primes, je trouve vraiment que c'est des génies. Je trouve qu'ils sont trop intelligents. Ils ont retourné le game. Ils ont dit, ah ouais, nous on est des pirates. Vous mettez des primes sur bah notre ouais. tête, pas de souci. On va faire de même. Je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est, je trouve cet équipage, il est trop cheaté, Il est trop extraordinaire. Il est trop intelligent. Il est trop drôle. Il est je trop les kiffe. Inattendu. Ouais, il est trop inattendu, c'est le mot. Mais je sais pas si ça vous hype autant vous de voir les primes euh, des marines. Si vous aussi vous posez la question, quelle prime aurait euh, Garp ou Sengoku ou même euh, Tsuru et surtout Akainu pour le coup <coughs> La cross en fait, ne trouvera en jamais l'argent. En fait, c'est que ça. Enfin, moi, je pense que ça doit avoir des montants tellement colossaux, démesurés. Parce que déjà que tu vois rien que Kobe, il vaut 500 millions. Euh, donc 5 étoiles. Attends. Euh... Oui, mais, mais soyons en fait, sincères. n'aurait jamais, jamais les, les fonds pour ça. Tu vois. Oui, mais soyons sincères. Tu crois vraiment que le gouvernement... Enfin, déjà, d'un, tu crois vraiment que quelqu'un aurait réussi à capturer Goldie Roger, à l'époque Et de deux, que le gouvernement aurait réussi à payer 5 milliards de Berry Plus de 5 milliards Oh là là, quand ils ont vu Roger taper à leur porte, porte à 8h du mat', quand il s'est rendu, ils se sont dit... Oh Let's go, on n'aura pas, pas à donner les 5 milliards 600 millions de... Bah oui, tu vois ce que je veux dire C'est pour dire, oh là ça. C'est vraiment tellement d'économie. D'ailleurs, tiens, je me demande un truc. Vu que Roger s'est rendu à la marine de, de son plein gré, est-ce que finalement, la marine n'aurait pas dû donner sa prime, l'argent de la prime à son fils, techniquement bon, 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 il s'est rendu de son plein gré. C'est comme si. C'est comme si. Bon. Un, il non, est non, un non, pirate ouais. qui s'est auto-déposé. Mais il a techniquement déposé un pirate à la marine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oh non, enfin, bah, moi, pour moi, ça, ça me paraît pas logique. Mais après. Euh... Ça aurait été drôle. Ah, c'est juste que. C'est juste que lui, il s'est rendu. La marine a fait bon, ben. Allez, let's go. Ça, la prime, on la gèle. Hop, on va pas à y lâcher euh, le PIB de marie Oui, <laughs> c'est vrai. Et je suis assez d'accord avec Fofo. Euh. Toujours tout ton message. En vrai, le côté prime des pirates n'est pas exploité finalement. Le seul chasseur que l'on connaît, c'est Zoro. C'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de chasseurs de prime hein, dans One Piece. Ce côté-là, il a totalement été abandonné au profit du coup de, bah, des, des chasseurs de marine avec Mio qui est la Cross Guild. Mais pour le coup, c'est vrai que les chasseurs de pirates, en réalité, le seul vrai chasseur de pirates, vous savez, c'est qui Tu sais qui c'est euh, Attends, vas-y, je vais essayer de, de voir <laughs> quel chasseur de pirates. J'aurais. Euh, moi j'aurais dit Barbe Noire. Et bah ouais. C'est lui le Got. En fait c'est vraiment lui. Hein. Lui il est vraiment chasseur de pirates. Il est partout. Il, est partout. il chasse les, les pirates, il va leur récupérer leurs fruits du démon, il ramène Ace à la marine. C'est vraiment un goth. Donc euh, fou furieux, lui. Barbe Noire ouais pour ça euh, c'est vraiment un fou. Mais c'est étonnant qu'on n'en connaisse pas plus tu vois sur euh, le côté chasseur mmh. de primes euh, pour les pirates. C'est dommage, c'est vrai que c'est un côté que j'aime beaucoup moi. Ouais, ouais. ouais. Oui. Je pense surtout de dame, je pense surtout que le fait de mettre des primes des deux côtés mènera à l'abolition du système des primes qui semble déjà un peu désué. Ouais, après ça, après ça. ça, ça a son un... charme, je trouve. Oui, ça a un sens, ça a un charme aussi. Ouais. Moi, je pense pas que, je pense pas parce que c'est un niveau de dangerosité, tu vois, quand même à mettre en compte. Parce que là, nous, on voit des pirates, ils sont comme ça, machin, mais. Il y a vraiment des pirates qui doivent être euh, euh, nocifs, tu vois, et dont ils, ils doivent avoir une prime pour essayer de, de, mm. de lancer le maximum de gens pour les arrêter. En fait, le problème, c'est c'est pas le c'est pas le concept des primes qui est qui est désuet, qui est obsolète ou quoi que ce soit. C'est c'est euh, ceux, ceux qui vont les chercher. C'est ceux qui vont les chercher. C'est ceux qui, en fait, c'est les chasseurs de primes eux-mêmes. Ça ou là, ouais, c'est un peu dommage. Oda il aurait dû mettre en parallèle bah, des gens. Euh, Prêt à, bah, en fait comme quand Roger est devenu roi des pirates, ils sont tous voulu se aller le choper. Et, euh, et malheureusement, bon. Ils, ils ont bah, aussi, mais... tu vois, je me demande même si finalement le l'homme à la cicatrice de feu l'homme à la brûlure mm -hmm. de feu, ce serait pas un chasseur de pirates. Tu vois, ce serait super -ce intéressant. En train de me dire aussi, mais euh, ouais. Parce que, que tu aussi, te dis il se balade en, en navire tout le temps et il fait couler des, des bateaux pirates. Donc du coup, il serait parfait pour être le chasseur de primes par excellence, tu vois. Ouais, J'aimerais beaucoup, en tout cas, qu'il soit un chasseur de primes. Ouais. <laughs> J'essaie de lire un peu en même temps. Les primes ne sont pas aussi à cause de l'influence. Parfois, si, hein, quand, tu, quand tu points, ça... quand tu vois façon, Baggy. Quand, euh... tu, quand tu vois Robin aussi, euh, c'est dangerosité, mais pas, ça n'a jamais été oui. euh, une question de puissance. Hein. C'est une question de danger qu'ils représente vis-à-vis des citoyens ou du gouvernement ou des deux. C'est ça. Oui, Whiskey Peak, oui, il y avait tous les chasseurs de primes en effet. Mais c'était un peu des randoms, on va pas se cacher. Moi, quand je veux un chasseur de primes, je vous parle vraiment d'un chasseur de primes. C'est-à-dire un goth. en fait, Miyok, c'était un chasseur de marine, lui, c'était l'inverse, mais sinon, ça aurait été un parfait chasseur de primes, Il joue solo, puissant ouais de, de ce type tu voilà, vois comme il, a fait, comme, comme il a été introduit avec incroyable mm. mais voilà donc en tout cas j'aimerais bien savoir si Oda va aussi euh, mettre des primes sur les têtes du Corossay vu que ça tourne en plus tu vois il s'est déplacé donc euh, je me dis tout est possible je me dis vraiment tout est possible mais j'ai hâte de connaître leur valeur à chacun parce que si si on remarque euh, le les, les comment il s'appelle la Cross Guild a fondé ses primes de la même manière que Flamingo l'avait fait Adresse rosa. à rosa C'est-à-dire euh, au niveau des étoiles, ça allait de 1 à 5 étoiles. Or là, s'il a mis 5 étoiles pour un petit kobe héros de la marine, alors qu'est-ce que ça doit être pour Goku et les autres, tu vois, jusqu'où ça va Donc ce serait très intéressant de savoir euh, si oui ou non, euh, les autres, enfin euh, le Gorosei pourrait avoir une prime. Et à combien ça s'élèverait voilà c'était la petite partie prime parce que c'est vraiment que c'est vraiment les primes moi j'adore regarder ça je trouve ça trop cool à étudier et euh, et voilà ensuite on passe donc toujours à Tsuru et Sengoku, vont-ils rejoindre la ruche pour aider leur petite-fille Quand je dis leur petite-fille, c'est parce que c'est le correcteur qui quand j'ai mis sa petite-fille, ça m'a mis leur. Donc c'est pour ça. Mais la petite-fille de Tsuru et par extension possiblement <laughs> celle de Sengoku puisqu'on ne connaît pas le grand-père euh, de Kujaku, je crois je ne sais pas comment ça s'appelait. Ouais, Kujaku. Ouais. Kujaku. Donc on connaît pas on ne sait pas qui était le grand-père. Donc euh, allez savoir si c'est pas euh, Sengoku finalement. Ou euh, est-ce qu'ils vont stopper le combat entre Garp et Aokiji en se rendant sur la ruche, ou vont-ils plutôt se diriger vers la cross-guide Ça, c'est un truc où moi, j'arrive pas à pré-shot euh, l'emplacement réel où ils pourraient se rendre. Parce que là, il y a trop de possibilités. Ouais. Ça peut aller de, vraiment de ouais, partout. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Hein. C'est euh, oh, compliqué là, de se prononcer entre. Euh, entre savoir s'ils vont aller plutôt vers la ruche ou plutôt même à Impel Down, parce que ça va être le bordel là-bas aussi. Faut pas oublier Doflamingo, sans compter Webel, sans compter euh, Ryokugyu qui, qui l'a amené. Bref, ça risque aussi d'être un gros bordel. Donc en clair, là, il y a trop d'endroits où, où il se passe des dingueries et j'arrive pas à me prononcer à savoir où Sengoku et Tsuru vont aller. Moi, l'endroit que je préférerais, c'est la ruche. Parce que forcément, il euh, y a Garp. Et ils euh, refonderaient un peu, tu vois, le, le, le monster trio de leur époque. Ça me plairait mmh. beaucoup. Euh, et puis surtout, j'aimerais bien qu'ils stoppent le, le combat Kidji et, et, et Garp. Parce que, tu sais, ça ferait comme à l'époque où on les avait vus. Je crois que c'était avec Zed. Je crois que c'était dans le film Zed qu'on les voit quand ils sont jeunes. Et ils y étaient tous. Je crois que c'était euh, Zed. et euh, Garp et, euh, ouais. et euh, ouais. ouais. Avec Aokiji quand il était, il était plus jeune. Il était sous le commandement ah, bon. de... Je sais c'est ah, plus dans l'épisode 0 de Strong World Ah ouais bah ouais c'est Strong World, ah, même ouais. le chapitre 0 quoi, en soi. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien voir cette ambiance, de savoir ouais. qu'il y c'est tous des anciens, qu'ils ont tous partagé ouais. des trucs et du coup, ils se retrouvent euh, entre ouais, ils guillemets se protéger ouais. quoi, ouais. que chacun en fait que chacun euh, euh, comme on a pu voir Sen Goku et Garp au final, ils, sont, ils, ont, ils, ils se connaissent depuis bah, toute leur vie mais euh, on voit que Sengoku, enfin, ils, ont... ils sont très complémentaires, on dirait un peu un vieux couple. Ouais, c'est ça. Ou euh, sur euh, Marineford, bah, euh, Sengoku, il a très bien compris que Garp, il était, dans une... il était tiraillé de fou et il comprenait aussi pourquoi. Euh, il est allé aussi euh, l'empêcher de <laughs> fumer à Kainu. Ah, c'était oui, tellement bien de, beau, de ça. voir que, euh, il, il joue un espèce de, de, de catalyseur ou de tout comme ça. Ouais, en tout cas, j'adorerais voir, euh, voir Tsuru et Sengoku à, arriver à. À la ruche de l'autre côté, c'est quand même aussi intéressant de les voir se diriger vers la cross guild. Mmh. Pourquoi la cross guild euh, Parce que, alors je sais pas si je le dis tout de suite parce que je vais le développer juste après, mais c'est plus par rapport à l'arc Wano, c'est à dire que si la cross guild, une partie du moins, se rend à Wano, là ça deviendrait très, très intéressant de voir Sengoku se rendre à Wano, tu vois. De par, euh, de par tout, tout, euh, tout son, toute sa symbolique, son fruit du démon, son, son univers rattaché au Japon comme ça, tu te dis, ça peut être hyper intéressant de voir là-bas. Mais pour l'instant, je dirais quand même, Tsuru et Sengoku, s'ils devaient aller quelque part, j'aimerais bien que ce soit la ruche. C'est pour moi euh, ce que je préférerais. Et toi, tu préférerais quoi du coup De où ils vont aller Ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas du tout parce que je me dis est-ce que vu là euh, l'état de la marine actuellement qui est dans, dans un état pitoyable, hein, t'as Kizaru qui est sur Egghead avec une, la, la majeure partie euh, de la puissance militaire qu'ils ont, mm -hmm. euh, t'as Garp qui est sur la ruche avec euh, la plupart voire l'intégralité du Sword. Enfin, après, tu vois, il reste plus grand monde mm. pour euh, ne serait-ce que protéger, par exemple, Marie-Joise, tu vois. Ouais. Il... Moi, je pense peut-être pas qu'ils vont bouger, en fait, tout simplement. Ah ouais, tu crois Ouais, ouais, ouais. Un léger doute. Hein. En fait, ça m'étonnerait pas qu'ils qu'ils bougent bouge pas, du coup, pour le coup. En fait, c'est l'inverse, moi. Ça m'étonnerait qu'ils bouge pas. Attends. Alors, moi, j'ai dit. <laughs> <C 'est... rire> ouais, t'as compris. J'ai l'impression qu'il y a une phrase a en fait, c'est toi qui as dit Je <laughs> pense pas qu'ils ouais, vont bon. bouger. Et moi, mmh. je te dis au contraire, je pense qu'ils vont bouger. C'est plus dans le sens. Oh, ouais, je clair, pense hein. qu'ils vont qu s'activer. Parce que, en fait, là, toutes les, toutes les forces se déplacent. Si même le Gorosei se déplace, je ne vois pas l'intérêt de garder euh, un, un, une Soreu et un Sangoku sans, sans activité. Je trouverais ça pas, pas logique. Parce que là, ouais, on est vraiment moi, dans une grande guerre. Hein. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je suis plus, plus peut-être dans la, 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 le côté du scénario où. Tout le Monde ne peut pas bouger non plus parce qu'il a quand même quelque chose à protéger. Euh, les marines ils sont stationnés vers Marie-Joise, c'est pas pour rien, c'est pour protéger. En plus, il ya actuellement tout le bordel avec Kuma qui est en train de remonter euh, ouais. Marie-Joise et tout. Donc, je pense que, euh... oh, mais après, tu as quand même Fujitora, t'as encore à Kainu, euh, t'as As quand même... Tu vois, Kainu, c'est bon, il doit être déprimé. Oui, mais il justement, il n'est pas passé à l'action, Bichette. Donc, il euh, faut bien qu'il se bouge au bout d'un moment. Ce qu'il doit protéger en priorité, c'est Marineford et Marie-Joise. Comme, euh, comme à l'époque où Sengoku, il était chef, euh, chef amiral, bah, oui, il oui, était amiral en chef, et bah, il protégeait, il a protégé le QG de Marineford quand euh, Barbe Blanche a débarqué. Donc, pour moi, ça me paraît plus logique. Or, là, actuellement, Sengoku, il n'est plus amiral en chef. C'est pas pour rien. Donc, euh, moi pour moi, faut il faut qu'il bouge comme Garp un peu, tu vois donc euh, à ouais, voir. Ouais, après c'est vrai que en particulier Sen lui il est plus euh, il est retiré de la marine normalement c'est devenu un instructeur donc mm. à la rigueur il pourrait peut peut-être bouger un peu plus comme il veut ouais je pense ouais, ouais, comme, ouais. Il... comme quand t'as as bien vu de toute façon à la fin de l'arc de, de Dress Rosa ils ont bougé les deux tu vois ils sont allés où il s'est passé la fin de la guerre avec Fujitora donc c'est pour ça que je me dis je vois pas pourquoi ils iraient nulle part surtout avec ce qui se passe en ce moment ce serait pas trop de sens qu'il reste pour euh, protéger Marie. Ouais, ouais, faut voir. Vous, vous en pensez quoi dans le chat Vous pouvez dire euh, Marie joie si vous pensez qu'ils vont rester euh, sans bouger, ou Marineford comme vous voulez, ou soit ils vont se rendre à la ruche, soit ils vont se rendre à la Cross Guild, soit ils vont aller ailleurs. Vous mettez ailleurs, Cross Guild, ruche ou Marineford. Voilà. Comme ça, c'est vous qui choisissez. Et comme ça, j'en profite en même temps pour lire un peu vos messages. Ouais, et moi j'en profite pour te laisser seul un instant, Ninette. Oh super. Je vais... Ouais, je vais nourrir le, le lion que j'héberge. Vas-y, vas-y. La ruche, limite ils choisissent l'hôtel. <laughs> T'imagines? La ruche, ruche, ruche. Et vas-y, Théo machin là, il a saoulé. Hop, allez hop, il se fait, il se fait ban, il se fait machiner. Il est, est trop relou. Et les refs, franchement, désolé, mais ça, ça vaut pour tous les lives. Hein. Si vous voyez qu'on vous répond pas, c'est soit parce qu'on capte pas, soit parce que si vous spammez trop, ça va pas du tout nous donner envie de dire. Et euh... Et puis, c'est qu'à un moment, vous n'êtes pas non plus les seuls à parler. Donc, voilà. Ouais, désolé. Moi, je ne peux pas répondre. Je suis désolée. J'essaye de à la fois vous débrief une review en live et à la fois répondre en commentaire. Donc, je vous avoue que généralement, ce genre de live, c'est plus. Ouais, c'est moins interactif avec le chat, c'est vrai. Mais on essaye de faire comme on peut. De toute façon, 99,9% des gens le comprennent parfaitement. C'est juste qu'il y en a, ils sont relous et. Et voilà, c'est ça. Allez, je reviens. Allez, à toutes. Ils vont pas se déplacer. Faut tuer les légendes côté marine rouge. Ailleurs, mais Saturne, s'il lui arrive quoi, ils vont tous aller là. Je pense pas. Tu vois, je pense vraiment que de toute façon, dès lors où un Gorosei se déplace avec. Euh, en plus, euh, euh, Kizaru avec lui, plus 100 navires de guerre, euh, je vois pas trop pourquoi on enverrait en, euh, euh, en, en sup euh, Tsuru et, et Sengoku. Enfin, je me dis, ils sont assez. Tandis que de l'autre côté, il y, a des, il, y a, il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer dans le monde. Je ne verrais pas trop l'intérêt d'envoyer deux forces supplémentaires aux côtés de, de, de Egghead alors qu'ils sont déjà remplis. Tandis que sur la ruche ou, ou, ou même Winner Island avec l'eau et, et Barbe Noire, c'est le gros bordel et il n'y aurait personne. Donc euh, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont aller de ce côté-là. Non, on s'en fout pas de la marine, Saïm. C'est super intéressant, la marine. C'est Certes, il y, y en a beaucoup qui critiquent la marine parce que, bah, il faut un peu de la merde, entre guillemets, mais ça reste des persos hyper forts, hyper intéressants. Rien que Gart, pour moi, le, le chapitre qu'il a fait euh, contre Aokichi, il était dingue. Moi, il m'a mis des frissons de fou. Donc, euh, moi, j'apprécie vraiment surtout les anciens comme Sengoku et Tsuru. C'est les goths de la marine. Faut pas oublier qu'ils euh, sont de l'ère de Roger et que, et que c'est pas n'importe qui, en fait. Donc, euh, non, vraiment, vraiment, j'adore parler de la marine, moi. À mon avis, même si Sengoku y va, Garp va sûrement mourir. Ah oui, alors, ça, c'est le débat que beaucoup ont eu dans mes, dans, mes, dans mes commentaires. Il y en a qui sont pro pour la mort de, de Garp face à Okiji. Et il y en a d'autres qui sont pro, pas mort de Garp, mais plutôt d'Aokiji. Donc, pour vous, je vais vous poser cette question. J'aimerais bien faire un. Attendez. Je vais essayer de faire un, un sondage pour voir, selon vous, est-ce que Garp va mourir sur la ruche, or not Salut Starkeys et salut tout le monde, à tous ceux qui arrivent euh, euh, maintenant. On, on débrief du chapitre 1082. Alors attendez, j'essaye de faire un sondage. Je vais peut-être y arriver seule, hein, vous allez voir. Oh oh, j'y arrive. Garp. Désolé pour le bruit. Va-t-il mourir sur la ruche Attendez, hop Vous me dites si ça fonctionne. Non, pas du tout. Je voulais pas mettre ça. <laughs> Je sais pas comment on annule. Merde, attendez. C'est bon. Normalement, vous allez avoir un sondage qui va pop. J'ai réussi à le faire seul. Est-ce que ça fonctionne Vous pouvez me dire oui, que je panique pas. Oui, j'ai réussi la dernière fois, faux faux. Mais là, je sais pas si ça fonctionne. Oui, ça marche! Je suis trop contente! Je l'ai fait seule! Vous avez vu, il n'y a pas Kichi, il n'y a pas Goji! C'est incroyable! Ah, oh, Je suis trop fière de moi! Ouais, les gens ils vont se dire, elle a fait un sondage sur YouTube, la meuf elle en veut fait plus! Mais je vous jure que c'est trop galère pour moi! Oui, il y aura une, une rediff, Gabrielle! Oui, oui, je rediffuse toujours les lives! Donc pour l'instant. Alors attendez, je ne sais même pas comment on regarde. Vous êtes déjà 127 à avoir voté, 133. Et la majorité dit que non. Donc je suis très heureuse parce que personnellement, euh, je pense pas du tout que Garp euh, va mourir sur la ruche. Ça me ça me paraît pas. Euh... Enfin, je suis en... oh, retenez ce que je suis en train de vous dire. Hein. Parce que si, si Garp il, il meurt sur la ruche, je vous jure que je crois que je vais, vous allez me voir, mais, mais, mais au bout de ma life dans, dans une review. Quoi. Parce que je, je, je m'y attendrai pas du tout parce que pour moi, il peut pas mourir sur la ruche. Moi aussi, j'ai pas du tout envie, chat. Vraiment. Exactement, euh, Sniper. Je vois pas pourquoi il mourrait, il est venu sauver Kobe, pas tuer BN. Exactement. Je vois pas l'intérêt à ce qu'il meure. Je l'avais déjà expliqué, d'ailleurs, dans une de mes reviews. Et euh, je, je verrai pas du tout Garp mourir sur la ruche. D'autant par les mains d'Aokiji, alors là, euh, je crois que je fais un arrêt. Oui, euh, Starkey. Là, je suis toute seule, parce que Goji, il est parti nourrir le chien. Mais il va revenir. Mais oui, je fais pas, je dis pas de bêtises, euh, promis. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai pas envie qu'il meure. Donc c'est bon, je suis rassurée. Euh, euh, ma communauté vote sur le fait. Pour l'instant, en tout cas, on domine et on dit que Garp va pas mourir. Prions, il n'est pas censé mourir. Pourtant, vous savez que mon Death Note, il est grave ouvert au niveau des morts. Hein. L'eau, Dragon, je les ai tous mis. Hein. Mais Garp, étrangement, je sais pas pourquoi. Je, je le vois pas mourir là, maintenant, tout de suite sur la ruche. Ça, pour moi, ça aurait pas d'utilité. Donc, j'aimerais d'autant plus que si ça se passe, enfin, s'il est sur le point de mourir, j'aimerais vraiment voir Tsuru et, et Sengoku débarquer pour, euh, pour arrêter ça d'une manière ou d'une autre. Exactement comme, euh, comme Sengoku avait arrêté euh, Garp quand il allait exploser à euh, Kainou. Et ben j'adorerais voir une scène similaire euh, avec un. Euh, Peut-être une Tsuru. Qui, qui, qui stoppe euh, Aokiji, je sais pas. Euh, oui, c'est Aokiji, le à la glace. Aokiji, Kuzan Kuzan, je veux dire Kusan pour pas dire de conneries. Parce que Aokiji, je crois c'est le feu, non. Kizaru. Akainu. Ouais, non, c'est bien Aokiji. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises. Donc voilà, c'était sur la partie Tsuru et Sengoku. On va donc passer. On va essayer de se dépêcher parce que c'est déjà 21h24 et ça fait bientôt une heure qu'on est en live. Et on a encore beaucoup de choses à dire sur la Cross Guild. Donc, on passe à la Cross Guild dans ce chapitre. Mais avant, je réponds à quelques questions de Sniper. Nina, est-ce que tu penses qu'on verra encore des upgrades du Haki des Oui, je pense. Mais je sais pas trop ce que c'est des upgrades. <laughs> en fait, je vous dis oui, mais en réalité, je sais même pas dans quel sens ça se dit. Donc, je pense. Et, <laughs> et je veux pas trop dire de conneries. Donc, euh... Donc j'attends Goji pour répondre à cette question. <laughs> C'était sûr j'allais dire ma bah merde, mais oui, je, je pense, si c'est bien dans le sens que je pense, alors oui, je pense. Des améliorations, bah oui, alors je pense aussi. Oui, oui, c'est bon, c'est bien ça. Non, justement, Sengoku va l'apprendre plus tard, ces personnages inutiles dans Marine, objectivement. Ah, oh, je suis pas trop d'accord, moi j'aime beaucoup Sengoku. C'est juste que, faut pas oublier, oublier pas, dans One Piece, je trouve que tous les personnages sont intéressants. C'est ça, vraiment, cette œuvre est incroyable parce qu'Oda arrive à, à, à créer des personnages ultra intéressants. Mais vraiment, tous ils sont quasi intéressants. La différence, c'est que oda peut malheureusement pas euh, développer chacun euh, dans toute l'œuvre. C'est pas possible. Déjà parce que ça fait plus de euh, 1082 chapitres qu'on suit euh, les aventures. Ah, tu m'as ah, fait peur. <rire> <rire> Et Bonsoir, oui, c'est moi. Bon. C'est. je sais plus ce que je disais, merde. Oui, je disais donc. Non, je sais plus. Oui, en clair, je, je, voulais, je voulais dire par là que euh, c'est impossible que Oda puisse consacrer du temps à chacun des personnages qu'il a créés, euh, même s'ils sont aussi intéressants qu'on qu qu puisse l'imaginer. Et pour moi, c'est exactement ça avec Sengoku, avec Garp, avec tous les gens de la marine. En fait, il peut pas développer ses personnages comme on aimerait s'attacher à eux plus. Parce que il il, c'est pas possible dans cette heure. Il y a déjà trop de chapitres, il y a déjà trop de trop pour pouvoir consacrer euh, des pages supplémentaires à ce type de personnage. Et c'est pour ça que moi je dirais toujours que la marine, elle est hyper passionnante. Moi Garp me passionne, Sengoku me passionne, Tsuru me passionne, je la, je la trouve gotesque cette meuf. Et, euh, et malheureusement on pourra jamais véritablement voir tout ça parce que bah, Oda il, il aura jamais le temps bichette. C'est pas, pas possible quoi. Quand, euh, en fait, c'est comme euh, je l'avais dit pour, je crois que c'était pour euh, quand il y avait eu la révélation euh, des parents de Zoro et tout ça. Bah, ouais. J'avais dit un truc et je trouve que c'était très vrai pour le coup, mais Oda, il a jamais dit explicitement qu'il allait ou qu'il devait dévoiler le background, d'histoire de tous les tous personnages. Tous les personnages, ouais. Ça, c'est un peu nous qui l'attendons, c'est euh, voilà, des attentes de fans, c'est aussi euh, ce qu'on s'imagine, etc., mais... Il n'y a eu aucune promesse là-dessus, Oda il fait du son histoire et puis s'il décide que telle ou telle histoire background a besoin d'être euh, dévoilée, bah, il le fera. C'est ce que j'ai expliqué un peu, c'est le fait que tous ces personnages dans One Piece sont intéressants. Et de ce fait, de facto, bah, c'est difficile pour Oda de consacrer euh, tu vois, des, tout, tout, tout plein de chapitres à ces persos en question, tu vois c'est quelque chose de très rare, ça va être rare d'avoir ce genre de truc. Et pourtant, moi, ils mériteraient tous qu'on les, qu les, qu les voit. Ouais, ouais. <laughs> Badou qui me dit, Nina2119, si ta voix égale ta beauté, alors on devra te donner le One Piece. Alors, c'est très marrant ce que tu me laisses comme commentaire. <laughs> parce que ce matin, j'ai vraiment tapé une barre de rire, <rire> sur un commentaire que j'ai lu euh, sur... Euh... Sur mon dernier live que j'avais fait pour les 100K, et j'avais dit que je voulais pas me montrer euh, parce que bah, justement c'était pas mon truc d'être de, 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 connu ou d'être reconnu dans la rue, ou, etc. Et il y a un mec qui ce matin m'a mis. Euh, comment il me l'avait dit Parce que c'était vraiment trop drôle, hein, je vous jure. Peut-être juste moche. Ouais, voilà. <laughs> il m'a mis ben, peut-être que t'es juste moche et je comprends aussi l'image. Et ça m'a fait trop rire parce que je me suis dit. Ouais, c'est une possibilité aussi, j'y avais pas pris en compte. Mais bon, <laughs> c'est vrai que c'est possible, mais non, ce, ce n'est pas le cas, c'est pas parce que je me sens moche ou autre, c'est juste parce que, bah, c'est pas, pas mon délire de montrer ma tête. Voilà. <laughs> je te remercie pour euh, ton gentil mot, mais <laughs> ça me fait penser à ça, désolée. Je, je pars toujours en live, c'est terrible. Bref, voilà. Donc, on passait à la Cross Guild. Et euh, tu veux répondre quand même à, à deux trois commentaires avant que je passe. Est-ce que vous voulez qu'on prenne 2-3 questions avant de passer à la cross-guild Parce que le, le dossier cross-guild il est assez long et euh, on va beaucoup parler, Moi, je pense. Sens, à mon sens, tu ferais mieux de. De rush. Que des... t'arrives, où Termine là. Après, on pourra parler sans avoir le, le timer euh, en se disant Ah, attention, après il faut reprendre la moitié. Moi je, je dirais après, Continue, t'es sur ta lancée, la coupe pas. Ouais, prendre... pas, mais j'allais prendre deux max, comme ça, au moins, ça, ça leur faisait une interaction, bichette. Tu vois Ça doit être chiant, aussi, de toujours écouter... Euh... Vas-y, vas-y. Et au fait, t'as rien remarqué, là, sur le live. Y'a rien qui te choque Non. Ah, non, mais... Ah, t'as fait un, un fondage Merci ah, Merci ah, ouais, ouais, Toute ouais. seule J'ai pas demandé de l'aide, j'ai fait toute seule Incroyable. Voilà, j'étais très fière. Donc allez-y, posez vos questions et j'en sélectionne une. J'en fais, fais une à chaque chaque sujet prochain. Comme ça, euh, je réponds un peu au chat et je, réponds, euh, je, je fais le live. Ça vous va Donc posez vos questions en rapide et hop, je réponds. Uh -huh. Euh, Le mon Monkey, tu me l'as mis trois fois ta, 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 ta phrase. Non, non, mais c'est pas grave si t'as pas. Si tu voulais mettre non, t'inquiète, hein, c'est pas, pas grave, t'inquiète pas. Eh, hey, merci! Bon, je vais en mettre Kuhn. Tu, tu Est-ce que. Alors, comment il se déplace sur toutes les îles Eternal Pose? Je sais pas c'est quoi. Tu penses il y aura quoi au chapitre 1100 La Grande Guerre, ce serait bien. En fait... 100, je... non, dans... ouais, après, ouais. ouais, le début de la Grande grande Guerre, tu vois. Ouais. Que tout se mette en place et que du coup, ça péta euh, à un moment décisif. Ça serait intéressant. Peut-être la découverte d'une arme antique aussi. En fait, ce qui serait intéressant pour le chapitre 1100, faudrait demander à Shump, euh, c'est notre... Euh... Un membre du staff qui parle japonais, ou peut-être à, à Warlord, je crois que c'est Warlord, 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 qui parle japonais, enfin à quelqu'un qui parle japonais, du coup, euh, la traduction en Goro de 1100. Et c'est comme ça que je pense qu'on pourrait voir euh, ce que ça signifierait. Ouais, s'il n'y a pas un double sens vrai, caché vraiment. avec ça. Ouais. Donc voilà, j'ai répondu à la question, je reprends euh, ma petite review. On passe à la cross-guild, du coup. Et on découvre le navire que euh, l'équipage de Baggy lui a construit, et on peut voir que franchement, euh, ça se ressemble vachement avec le Barto Club, vraiment. Moi, en tout cas, quand j'ai vu son effigie, j'ai vraiment cru que c'était le, le Barto Club version Baggy. Euh, donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ça va prédire une guerre entre ces deux fan clubs d'Empereur un peu tu vois comme les pro-miok <laughs> et les pro-yonko euh, pro ou je sais pas quoi là, la guerre qui se passe euh, entre les deux teams, je sais plus, je sais plus qui est quoi. Oui, ouais, bref. Bref. Oui du coup tu vois qu'il y a ouais, une guerre entre deux Ouais films. tu vois. Ouais, ça, ça serait marrant, ouais. Parce que là on est vraiment dans le même type de, de, de fan club. Je veux dire ils idolâtrent euh, Baggy. De la même manière que le, le fan club de, de Barto idolâtre, le Bartho club, ouais. ouais, le Barto club idolâtre, la fille, ce sont pour eux deux, deux, deux messies euh, qui glorifient comme des oufs. Et je me dis, imagine la guerre des deux, des deux fan clubs, je trouverais ça trop drôle. Vraiment, je trouve ça oufissime. Donc euh, j'aimerais bien, j'aimerais bien voir ça pour pour le futur. Euh, ouais. D'autant que quand tu sais que Barto, euh, il a quand même flambé le. Le, le drapeau de, de du roux, Ouais, c'est pas rien. Donc je me dis, s'il il apprend qu'il y a un autre fan club, tu vois, qui soutient pas le film mais qui soutient un autre empereur qui est Baggy, je trouve ça super intéressant, une guerre entre les deux. Voilà. C'était le petit détail, je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez, vous pouvez euh, le dire en, en chat. Hein. On passe à la suite, la réunion de la Cross Guild. Alors là, ça devient super intéressant. Parce qu'on euh, a donc Baggy, Mihawk et Crocodile qui sont en train de discuter de leur plan d'attaque. Et on découvre que. Euh, Crocod... Je crois que c'est Croco qui parle. Hein. Nous souhaitons bâtir une utopie. Et là, c'est totalement le rappel à l'opération Utopia qu'il avait lancée euh, sur Alabasta. Euh, C'était l'opération Utopia, la dernière et la plus importante de toutes les missions du Baroque Wars. Autant dire que l'erreur n'est pas permise. Malheureusement, bah. Ils ont fait une grosse erreur, ils ont perdu. Mais bref, en tout cas, il remet le couvercle avec son fameux Utopia. Et là, ça devient très intéressant parce que ils disent bien euh, qu'ils ont besoin d'une puissance militaire basée sur une nation militaire. Et ça, c'est super intéressant puisque on le sait, Pluton est une arme euh, de destruction massive et donc une arme militaire par excellence. Et je me dis peut-être que euh, Crocodile n'a pas abandonné son rêve euh, de 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 la quête du Pluton, tu vois Ouais, ah ouais, que euh, en fait, euh, derrière il est toujours un peu le... Le, le, la même forme dans le concept, dans le, dans le projet Utopia et que. Ouais, c'est ça. Et Utopia et que du coup, euh, même s'il so... veut plus s'occuper d'Alabasta maintenant, il, soit... il fasse autrement, mais qu'il veuille toujours le faire de la même manière en gros, mais autrement. Ah, enfin, je vois ce que tu veux dire. Ah, attends, vous entendez pas bien Gogi Vous voulez que je monte son son Là, je viens de le monter. Ah, c'est peut-être ma faute. Attendez, parce que j'ai. Ah non, non, redescends-le. C'est parce que j'ai changé la direction de mon micro. Est-ce que c'est mieux pour là Je vais prendre mon petit café tranquille et tout, mais apparemment, je peux pas. Super. <laughs> T'es demandé. Est-ce que vous l'entendez mmh. mieux là, normalement Non, oh, ça doit être bon là. Gomen gomen Je t'ai mis à 98. Hop. Oui, c'est bon. Oui, donc ça veut dire que Pluton reste toujours en projet, peut-être resterait-il en projet pour, euh, pour, euh, pour Crocodile. Et si c'est le cas, c'est très 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 intéressant parce que du coup, on sait désormais que Pluton se trouve bel et bien sur Wano. Et ça, euh, c'est ce que j'avais pu vous expliquer dans ma review du chapitre 1058. C'est-à-dire que je vous avais dit que la cross guide pouvait se rendre... À, à Wano pour récupérer à la fois le Rodponeglyph et à la fois Pluton qui intéressait donc à l'époque euh, euh, Crocodile. Mmh. Croco, ouais. Normalement, ça devrait marcher, on va voir. Je vous ai mis la vidéo, mais je sais pas si ça a bien fonctionné. J'ai mis l'intérêt de la cross-guide sur Wano, c'est que le projet s'appelle ut l'opération pr le, le, Utopia. Et l'Utopie, c'est justement. Euh, un terme qui se retrouvait à Wano avec la plantation utopie d'Oden, de, de, et la deuxième, le fait que quand. Euh, comment il s'appelle Momonosuke a voulu, euh, enfin, est devenu shogun à la fin de Wano, il parlait d'un paradis sur terre, le principe même de l'utopie. Et donc, ce projet utopia colle parfaitement avec Wano. Il y, y a un total rapprochement entre les deux. Sans compter qu'ils ont bien donc le ras et en plus de ça, euh, L'arme le... antique Pluton. Donc, là, pour moi, la cross-guide qui se rendrait à Wano, je trouverais ça juste vraiment banger. Et en plus, j'ai d'autres arguments Donc que je vous avais mis dans, dans cette vidéo. Tout... Alors, je sais pas si vous allez l'entendre, je sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Est-ce que j'ai été assez intelligente Hors note. Voilà. Alors, attends, fais gaffe parce que. Ok, dans Quoi Non, non, c'est bon, c'est moi. Alors, est-ce que vous allez entendre Ok. Vous me dites si c'est bon ah, On entend normalement. Ok. Je ne peux pas vous baisser le son. Donc, baissez un peu le son au cas où si c'est trop fort. Mais je vous remets juste l'extrait euh, de marie 1000, euh, 1000 euh, 1058, je crois, où je vais les arguments qui, pour moi, euh, pousseraient la Cross Guild à, à se rendre sur Wano. Et à cette époque, j'avais pensé ça, mais avec ce qui va suivre dans le, dans le chapitre, vous allez voir que ça pourrait se confirmer d'autant plus. Donc, je vous fais écouter. Poneglyph. dont l'un d'eux se trouve justement à Wano, un pays très intéressant pour notre trio, qui voyez. se relie à chacun d'eux. Est-ce que là, parce que je vois pas la vidéo bouger là. Ah si bah, ça la bouge. Vidéo marche. Aussi ah bien. si c'est bon, c'est bon. Pardon. Je vous remets. Crocodile est celui qui a introduit l'existence de l'arme antique Pluton qui, comme on le sait aujourd'hui se trouve à Wano. Mio qui est considéré comme le plus grand épéiste au monde, et quel meilleur pays que celui des samouraïs pour connaître une partie de son passé. Enfin Baggy était grandement attaché à Oden Kozuki et chaque personnage vu à travers son flashback sont revenus durant l'arc Wano. Iso, Marco ou encore Chance. C'est pourquoi voir Mio Crocodile et Baggy rejoindre cette île dans le futur serait assez fou. Par ailleurs, Oda avait illustré ses personnages au pays des Wa dans sa Color Spread. On y retrouve Crocodile, Baggy, Daz, Mr. Tree accompagné d'Ivankov. Sachant que dans ce chapitre les révolutionnaires sont à l'honneur, allons-nous voir une interaction de ces deux organisations Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis impatiente de connaître les prochaines décisions de la Cross Guild. Et que c'est l'une des alliances les plus drôles. Voilà, normalement. Ouais, je sais, j'ai mis un grand écran, mais c'est vrai que comme j'avais zoomé la page, j'ai complètement zappé. Je suis désolée. Mais bon, en bref, de toute façon, vous avez le lien, vous, pourrez, vous pouvez le regarder. C'est le 1058. Et on va le revoir juste après parce qu'il y a des choses que, qui sont confirmées dans cette théorie. Donc là, ce qui est intéressant, euh, c'est vraiment que... Il y, a trop il, y a, il y a vraiment des indices qui pourraient, penser, euh, qui pourraient laisser penser qu'il se rendrait à Wano. D'une part parce que au, euh, Baggy est allé sur Wano à l'époque d'Oden et qui sait donc qu'Yarodponeigliffe s'y trouve. Et de deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, Pluton c'est juste le truc parfait. Et ce color spread, tu vois, avec Crocodile à Wano, tu vois, avec le... Mr. Mm -hmm. Tree, etc. Mm -hmm. Je trouvais ça banger de me dire Ah, j'adorerais voir euh, Crocodile dans ce, dans ce costume, tu vois. Comme on avait vu les Mugiwara quand ils étaient déguisés sur un color spread, et ah ouais. Kodal avait remis Luffy dans ce même costume. Et je me dis C'est peut-être ça qui serait intéressant de voir Crocodile dans ce même costume, ce serait un petit rappel, tu vois. Voilà pourquoi j'aimerais ai, bien que la Cross Guild se rende euh, sur, euh, sur Wano. On passe à la suite Puisque c'est la quête des rods ponéglyphes, comme je l'ai dit, Baggy connaît l'emplacement de tous les rods ponéglyphes, à l'exception de celui des HP qui a disparu récemment, mais à l'époque en tout cas il connaissait les quatre emplacements. Il sait donc où se trouve celui de Wano, celui de Zou et l'île de Big Mom, puisqu'à l'époque de Roger, il s'est rendu sur toutes ces îles avec, euh, avec, euh, bah avec Roger. Donc techniquement, il connaît leur emplacement, comme Shanks. Donc ça c'est un détail super important et. Ça prouve encore une fois à quel point, en réalité, on pense que dans la Cross Guild, les vrais Goths, c'est euh, Crocodile et Mioc. Mais en réalité, pour moi, c'est clairement Baggy. Parce que jusque-là, il a laissé son rêve euh, de, 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 du One Piece. Euh, enfin, il a laissé en suspens son rêve d'obtenir le One Piece euh, à cause de Shanks, comme on va le voir après. Mais en réalité, le mec connaît carrément les trois emplacements des Rod Ponyglyph. Il a une avance de fou! Sur, sur Luffy euh, et, et tout le reste, tu vois, à l'époque, parce que eux ils ont dû galérer à les avoir. Or, Baggy, lui, il connaissait déjà leur emplacement. Et c'est pour ça que pour moi, Baggy, il est d'autant plus intéressant. Donc voilà, ça c'était le petit détail à prendre. Et donc forcément, on arrive à la Cross Guild, qui nous annonce qu'ils sont en quête du One Piece. Et ça je suis très heureuse de l'apprendre, puisque c'est précisément ce que j'avais dit dans ma review du chapitre 1058, où je vous disais que la Cross Guild allait donc se mettre en route pour la quête du One Piece et donc atteindre Laftel. Et j'avais donné des arguments assez intéressants, en particulier un qui était de voir Zoro et Mihawk euh, euh, faire leur fameux combat qu'on attend tous sur Laftel, et une raison particulière, j'expliquais que... Euh, Normalement, tous les rêves des Mugiwara, si on les étudie un peu, ils sont tous censés être réalisables euh, sur l'Aftel ou après l'Aftel. Par exemple, Nico Robin, son, son, son rêve de déchiffrer l'histoire du monde, bah forcément c'est le rio ponéglyphe qui l'intéresse, et les rio ponéglyphe on sait qu'ils se trouvent à l'Aftel. Si on prend Ami et dessiner toutes les cartes, logiquement, en atteignant la dernière île, elle est censée connaître toutes les cartes du monde. Euh, le, le rêve de Franky aussi, il se termine à Laftel, puisqu'il est censé euh, avoir construit un navire qui le mènera au bout du monde. Laftel est donc le bout du monde. Euh, on a qui d'autres... Euh, bref, vous avez compris que l'ensemble des rêves des Mugiwara est censé se réaliser dès lors où leur rêve du capitaine se réalise aussi. Or quand on regarde celui de Zoro, et eh ben vaincre Mioc, je, je comprenais pas le truc en me disant bah ben, Zoro c'est le seul réellement qui pourra pas réaliser son rêve en fait, enfin en même temps que les autres parce oui, que qui n'a pas, qu pas à voir avec le voyage en lui-même quoi. C'est ça parce que du coup pour que euh, pour que Zoro combatte Mioc en, en... En même temps que le Luffy réalise son rêve, il bah faudrait que Mio se trouve sur l'Aftel. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit à l'époque. Mmh. Ouais, ouais, je me rappelle, on avait eu un débat là-dessus. C'est ça. Mais ça n'a aucun sens, en fait. C'est mmh. trop bizarre. Et du coup... Trop bizarre. Et du coup, le fait que la Cross Guild veuille s'emparer du One Piece actuellement, donc les mener vers l'Aftel, c'est juste l'occasion idéale pour que ce combat ait, ait bien lieu aux portes de l'Aftel. Et ça, ce serait juste ouf. Ça, vraiment, ce serait ouf. Je vais vous faire écouter la review. Euh, je vais revenir sur euh, ce que j'avais dit à l'époque sur comment, euh, pour moi, la Cross Guild euh, partait en quête du One Piece. Si Bonjour à tous et bienvenue bien. en Grohawa. Alors, je retrouve le petit. Tu peux faire la musique d'attente en attendant euh... C'est pas ça là, la musique d'attente. C'est bon, c'est bon, laisse tomber. <laughs> je vais y mettre. <laughs> voilà, je vous mets le son. Normalement, ça devrait fonctionner. Crocodile et Tofamingo. Quant à Baggy, il souhaite obtenir tous les trésors du monde, ce qui comprend le One Piece. Alors imaginez la dinguerie que ce serait de voir Perfect. que l'objectif de cet équipage serait de rejoindre Laftel et donc de concurrencer directement celui des Mugiwara et par la même occasion Barbe Noire. D'autant que cette théorie n'est pas si folle à cause d'un seul détail extrêmement important la réalisation des rêves de chaque Mugiwara. Il y a bien longtemps, je me suis demandé comment les chapeaux de paille réussiraient. À tous réaliser leur rêve sur la dernière île. Quand j'ai étudié ça, j'ai réalisé que chacun d'eux le pouvait, à l'exception d'une personne, Zoro. Car pour réaliser son rêve sur Laftel, il faudra que Miyok s'y trouve et se devra de le vaincre pour ainsi devenir officiellement le plus grand épéiste du monde. C'est pourquoi imaginer la Cross Guild atteindre cette île au même moment que les Mugiwara serait assez fou. Et ainsi pourrait mener aux portes de cette île au grand combat que nous attendons tous Miyok versus Zoro. Mais pour ça, il leur faut. Voilà! Donc, du coup, cette théorie est bien confirmée et ça, ça, ça pourrait d'autant plus confirmer de se dire si euh, la Cross Guild atteint Laftel au même moment que les Mugiwara, du coup, Mio combattrait Zoro aux portes de Laftel. Et moi, personnellement, je peux vous le dire, j'ai trop hâte. Genre, vraiment, imaginer ce combat là-bas. Je me dis, oh la dinguerie que ce serait. Tu vois, ils y vont. Je, je, je pense pas que Mio combattrait, euh, combattrait Zoro sur Laftel. Ouais. Mais vraiment aux portes de celle-ci, tu vois, qui qui ouais, que limite, pète les euh, équipages. Fasse, que limite tout se fassent en, en quelques chapitres et que euh, tous les tous les rêves euh, s'accomplissent euh, à la suite. C'est ça. J'adorerais, j'adorerais vraiment que tous les mugiwara puissent réaliser leurs rêves au même moment que leur capitaine. Ce serait plus logique parce que clairement Nico Robin, elle va le faire au même moment que Luffy, en toute logique, puisqu'elle va découvrir le Ryoopeneglyph. Et pareil pour le bateau du Sunny. Il va atterrir euh, à l'instant où il aura posé le pied sur tel. c'est là où il aura atteint la dernière île. Donc, logiquement, j'adorerais que tous les Mugiwara réalisent leur rêve au même instant. Je trouvais ça plus, plus symbolique. Donc voilà, j'étais en tout cas très contente que cette théorie se valide, euh, parce que je pensais vraiment pas qu'elle allait se réaliser, pour tout vous dire. Je pensais vraiment que c'était un délire de ma part. Mais au final, elle s'est réalisée, donc j'étais très 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 contente. Bref, on passe à la suite avec le flashback de Shanks et Baggy. Alors du coup, euh, on a un flashback où on retrouve Shanks et Baggy qui se disputaient euh, durant la mort de Roger. Ça rappelle donc ce qu'on avait vu au chapitre 0, où on voyait euh, Shanks qui pleurait ici avec Baggy. C'est un. C'est un. Comment on appelle ça Un complément, entre guillemets. Mais ce qui était un, intéressant à noter sur le chapitre 0, c'est vraiment que tous les visages qu'on voit durant la mort de Roger, c'est exactement les gens qu'on est en train de revoir actuellement. C'est-à-dire Moria avec la ruche, Crocodile, Mioke et Baggy qui, les trois, ont reformé euh, la Cross Guild. Et il reste donc Doflamingo. Comme je vous l'ai dit, je pense vraiment euh, qu'on va pas tarder à le revoir et qu'il est possible euh, qu'il fasse une alliance avec la Cross Guild. Ce serait super intéressant. Mais en bref, on peut voir que tous ces personnages qui sont affiliés euh, à la mort de Roger, dont Shanks juste en bas, euh, normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est à revoir quand même dans dans les trucs Blue Deep et Green Deep. Et, ouais, je, et voilà, voilà ouais. les notes à bouc Normalement, ils ont tous le rêve de devenir roi des pirates. Normalement. Crocodile, on le savait. do flamingo aussi. Moria aussi. Il reste que Mio, dont je suis moins sûre, mais je crois que normalement ça avait été confirmé. Et Baggy, qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, que son vrai rêve, c'était devenir euh, le roi des pirates. Donc, de voir tous ces goths affichés côte à côte. Je me dis, imagine si finalement ils te tissent pas la cross guild sous cette, euh, sous cette image, tu vois. On a Crocodile, miokébagi et Baggy qui sont, centre, euh, qui sont centrés. Et du coup, Moria et, euh, et Doflamingo qui s'ajouteraient. Ouais, tous affichés gote à gote. <rire> <rire> Allez, <rire> bonne soirée. Bonne soirée. <laughs> Allez. Donc, je disais, euh, si normalement, je crois que vraiment faut vérifier euh, Malik, mais je crois bien que Miok. Euh, son rêve, c'était de devenir roi des pirates. Je te dis peut-être une bêtise, mais je doute de dire une bêtise. Parce que je crois bien que je l'avais lu quelque part, mais je sais plus où. Faudrait que je retrouve la source. Donc prenez-la quand même avec des pincettes, parce que j'aime pas vous valider quelque chose dont je suis pas sûre. Mais normalement, je crois que Mihawk était considéré comme. Euh... Enfin, l'un de ses rêves était de devenir roi des pirates. En tout cas, cette petit, Vraiment, ce, ce. Comment tu dis après quoi tu ors Ce 5 tu <laughs> Euh. <rire> ce. Oui, comment on dit Comment on dit à Quatuor Attends. Après Attends. Quatuor, il y a quoi Cinq tuors Non, 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 une, euh, quintet, ouais, ou une quintette, Bon, ouais, cette quinte, cette quinte flush là que vous voyez. Tueur, voilà, c'est quintuor. Voilà. Cette quinte flush que vous voyez, et eh ben je me dis, c'est peut-être le. Flush. Ouais, la quinte flush là. C oh, oui, non, mais. Je me dis. C'est peut-être un teaser pour euh, le teasing de, de la cross-guild, tu vois, des, des têtes d'affiche de la cross-guild. Moi, perso, j'adorais un hein, 5 ex-shishibukai euh, incroyable, quoi. Et donc, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai apprécié revoir dans le, dans le chapitre 0. Non, qu'un tu c'est pour les enfants. <laughs> Mais ouais, c'est quintette. On dit le thé à la fin, quintette ou quinte Juste la quinte. Fait... C'est parce qu'on dit la quinte flush, tu vois. Ouais, bref. Vous avez déjà joué Non, rien. Donc voilà, c'était le petit détail que j'ai noté et qui était très intéressant. Le second, c'est que euh, j'ai beaucoup apprécié la manière dont Baggy admirait, euh, admirait Chance, parce que j'avais la sensation qu'il l'admirait de la même manière que Zoro, tu vois, avec Luffy. Et, euh, et j'aurais adoré. Que Baggy rejoigne l'équipage de Shanks, finalement, et qu'il le voit comme son second. Que, que, que finalement, si Shanks avait, euh, avait eu le, le... avait continué son ambition d'être roi des pirates, j'aurais adoré que Baggy soit son second. Ça aurait été vraiment banger. Moi, ouais, j'ai ouais. adoré cette scène, je l'ai trouvée hyper touchante. Et, euh, et Baggy, vraiment, il m'a surprise dans cette scène. Ouais, mais je trouve que du coup, en fait, c'est... Euh, ce chapitre m'a moi, justement moins conforté dans l'idée inverse que c'est très bien en fait que ce soit comme ça parce que parce que vu l'ambition qu'il a et vu euh, à quel point les cieux sont avec lui euh, c'est comme mettre limite Roger et Luffy euh, dans ouais. le même équipage tu ouais. vois ouais. ce que je veux dire mmh. Mmh. ou euh, ou même Ace et, euh, et Sabo et Luffy euh, ensemble enfin tu vois il y a vraiment un truc qui fait que là euh, ah j'aurais euh, retrouve ça il... quand il... même stylé hein, vraiment oui je vois je vois comment faire mmh. mais... J'aimais ai bien, enfin, en tout cas, j'aime bien sa façon euh, de. La manière dont il le voyait, euh, voyait euh, Shanks. Il y a, ouais. Ça se retrouve un peu chez Usopp, je trouve. Ils ont un, ils ont un trait de caractère très, très rapproché, uh, Usopp et, et Baggy. Et j'aime beaucoup. Et bonsoir à tout le monde euh, pour tous ceux qui arrivent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sauf que bah, Baggy, il est stylé, quoi. <laughs> Dis pas ça, commence pas à. À foutre le ouais, bazar ouais, avec je, ça. Enfin, C'est bon, j'ai hein, du... pas envie de truc ouais, Donc, ouais, bref. Bref. Bon, Et attends, c'était. Bon. Je voulais juste répondre à une question. C'est pas terrible. Arrête. Bah... Voilà. voilà, tu vois, t'as fait partir Neto. Tu dis son <laughs> personnage préféré, tu veux me le mettre en rogne un par hasard. Il y a CCB qui dit Moi aussi, j'ai trop kiffé ce flashback. Je suis bien d'accord. Oui, le chapitre 0, en fait, c'est. Euh... Alors, comment je peux résumer ça C'est euh... ce qu'on a eu, en fait, euh... avant le film de Shiki. Euh... Film ouais, de en Shiki. fait, c'était un chapitre qui a permis d'introduire Chiki dans l'histoire, en le rendant canon, mm. tout en donnant un contexte à euh, la période où Roger est mort. Voilà. C'est ça. Et donc, euh, c'est can ah, ces canon, ah, hein, voilà. le. C'est canon le chapitre 0. Ah oui, oui, totalement. Et tu voulais parler, pardon Ah oui, oui, oui. Oui, oui. je disais, t'as un don. Oui, merci Thomas, ARX. C'est dommage, t'as pas laissé un petit message, mais merci beaucoup pour ton petit don, c'est adorable. Merci, 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 merci mille fois. Trop, trop adorable. J'aurais bien aimé au moins répondre à ta petite question ou quelque chose, je suis désolée. Mais merci beaucoup pour ton joli don. Qui récupère les primes des pirates Ben. La marine ah bah non, le... <laughs> je suis con. Ah, celui qui le Bah oui, celui qui le donne. <laughs> je suis trop con des fois. Parce que j'étais sur la, Elle croix est la couleur le... du cheval blanc. Bon attends, je vais continuer, donc ça c'était le flashback. Euh, il se poursuit, euh, parce qu'on voit bien qu'on euh, avait vu cette scène en fait euh, de, de Baggy et Shanks quand ils se disputent pendant la mort de Roger. En fait cette scène on l'avait déjà vue dans le chapitre 434. Euh, quand euh, Shanks euh, était parti sur le navire de Barbe Blanche pour euh, lui dire de faire attention à Barbe Noire. Et donc on avait vu un, un morceau de, de, de ce flashback et il a été complété aujourd'hui avec ce chapitre. Donc euh, j'ai bien apprécié la, la petite rêve, tu vois. Il sait, il sait où il va, jamais quand Oda fait ce genre de truc. C'est un détail tout bête, c'est pas un foreshadow ou autre, hein. c'est juste bien organiser son histoire, tu vois. C'est un petit détail ouais, ouais, débile ouais. Mais, mais que j'ai apprécié. Donc du coup, Shanks versus Baggy, euh, j'ai mis en, en parallèle ce cette ref, euh, c'était le chapitre 19, où euh, Shanks lui disait en clair, euh, euh, ce n'est pas toi qui vas m'en apprendre un. Hein. Tu veux donc dire que si nous sommes amenés... Attends, parce que je vois rien. Tu peux lire Gogi, parce que j'arrive pas, je suis trop bien. Alors... Où ça, tu ah oui, tu veux... ça, tu veux dire, ce n'est pas toi qui va m'apprendre, qui va m'en apprendre sur le sujet, c'est ça, tu veux dire, ouais, c'est ça, la partie, ouais, ouais c'est ça. Euh, tu veux donc dire que si nous sommes amenés à nous rencontrer sur mer, nous devons nous affronter, nous devrons nous affronter, tu as tout compris, ça fait partie des risques à prendre, tu es vraiment un type bizarre. En fait, c'est quoi ce trésor dont tu me parlais tout à l'heure? Ah, Un fruit du démon, voilà, ça on s'en fout, mais c'est vraiment le, le, le passage où chance dit clairement que s'ils sont amenés à se rencontrer la prochaine fois, ben. Bah... Ils seront des pirates, donc ils devront s'affronter. Et je trouve ce passage très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui va se produire. C'est-à-dire que là, on va voir deux ennemis ensemble. Vous entendez ma moto Non, vous n'avez pas entendu la moto Ta moto Incroyable. Non, la moto de dehors, de chez moi. Mmh. Bref, tout ça pour dire, j'ai trouvé très intéressant de revoir le chance du passé, tu vois. Était, on était quand même au chapitre 19, donc ça date grave. Et, et je me dis, euh, quand tu vois Baggy qui dit. C'est ce Shanks-là qui a décidé de se bouger. Alors qu'est-ce que vous attendez pour vous remuer aussi Que ce soit par chance ou par accident, je fais jeu égal avec lui désormais. Sauf que quand tu vois à l'époque comment était Baggy, quand tu sais à quel point il admirait Shanks, parce que là, ils n'avaient pas encore atteint la stèle hein, dans, dans, dans le chapitre 19 du flashback, je me dis qu est-ce est que. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Baggy versus Shanks dans le, dans le futur pour la quête du One Piece Est-ce qu'on va aller voir se croiser Est-ce qu'ils vont devoir s'affronter Comment ça va se passer Parce que Shanks, c'est clairement un goth à ce heure hein. Et sachant qu'en plus de ça, Baggy, je te le rappelle, a dans son équipage Miok. Mihawk. Mihawk qui, et je le rappelle, le l'adversaire. Le, euh, voilà. Ouais. L'adversaire primal. Prim euh, je sais plus comment. Bref, tu as compris Le... par rapport à la Chance. Et donc, ouais. je trouve que la configuration de tout ça, elle est juste extraordinaire. Et je, je me demande vraiment si la Cross Guide va affronter, euh, affronter l'équipage de Chance. Je trouve ça trop intéressant. C'est Ah pour... bah ouais, après, c'est... Ouais, Vous Oui. Ça m'a l'air un peu du coup peine perdue pour aller à la Cross Guild quand même. Mais... Mm. En vrai, Why Not mm. Attends, parce que Thomas il a refait un don. Merci beaucoup pour ton don. Et Mais il m'a mis en dessous. Je paye pour que Nina voit ma question. Mais je la vois pas, Thomas Heureusement j'aime ses vidéos. <laughs> Merci beaucoup. Mais t'avais mis où ta question Mais Je pense qu'il a... Qu a pas dû bien le faire parce que c'est. Alors attends. Euh... attends, je vais chercher ta question. Je te jure, je vais la retrouver. Attends, j'ai des trucs qui s'affichent. Ah voilà Nina, comment expliquer le fait que Baggy n'ait pas cherché le One Piece directement au début de l'aventure de Luffy Surtout quand on voit qu'il passe toujours entre les mailles du filet. Ben, Je pense que c'est clairement ce qui nous explique dans ce chapitre. C'est-à-dire que, pour lui, la quête du One Piece, il l'avait abandonné déjà depuis qu'il était jeune. Parce qu'il a vu en Shanks ce que Louis ne serait jamais. Pour lui, Shanks, c'était vraiment le goth, le, le boss, peut-être le, peut le futur Joy Boy dans sa tête. Il disait, à côté de lui, c'est mort. Or là, aujourd'hui, il a eu ce déclic. Il s'est dit, mais en fait, je peux tout à fait aller en quête du One Piece. Pourquoi mmh. attendre ouais, Il faut que j'ose, en fait, il faut que j'y aille. Il a, il a toujours douté, et là, il s'est dit, bah non, en fait, c'est en fait, juste que depuis que Luffy est arrivé dans sa vie, c'est très marrant à dire, hein. mais depuis que Luffy euh, a croisé le chemin de Baggy, mmh. en fait, tout lui sourit à Baggy. C'est ça. C'est tout à fait ça. Sauf quand il est en présence de Luffy. Le la chance de Le fils est supérieure à celle de Baggy. Elle l'annule, tu vois, c'est le ying et le yang. Quand il se rend compte, c'est mort, il lui annule sa chance. Je trouve, hein. Mais je... il est très chanceux, c'est vrai. Mais ça revient à la théorie des cartes et j'ai pas envie de reparler de ça sur la chance de Baggy. Parce que sinon, moi, c'était mon dit de trèfle. Donc j'ai le somme. Mais on reviendra, ça sur le dit de trèfle tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire euh, que oui, j'ai quand même hâte. Je sais pas si vous, vous avez hâte. Ou si vous auriez hâte. Ou si vous imaginez. <laughs> que la Cross Guild puisse affronter Chance. Euh, C'est-à-dire que là, on aurait quand même. Admettons, si on part vraiment dans l'hypothèse où la Cross Guild s'agrandit, hein, genre Doflamingo, Flamingo, euh, genre les ex avec Moria, bref, un bête d'équipage qui s'agrandit de la Cross Guild et qui affronte Shanks. Est-ce que ça vous hype ou ça vous hype pas du tout, voir Mio, voir Crocodile, un Do Flamingo par exemple et un Baggy. Qui affronterait, qui affronterait l'équipage de Chance Est-ce que toi, déjà, Goji, ça, ça aille près à un minimum Il nous a quittés. <laughs> non, 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 je réfléchis. Euh, pff, je saurais pas te dire. Patrick, il euh... dit franchement, oui, de ouf. Attends, le fait qu'ils retournent sur euh, Laftel ensemble non, 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 qui se fight. Ah, pardon, pas être interrompu. Ah ouais. Oui. Non, non. Alors j'étais sur un autre truc. Alors je pensais à un autre truc. Alors j'étais je... sur notre convoi qui se fight ensemble. Ah oui, mais du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, bah... qui se croisent en fait du, du fait que. Euh, si ouais, tu... mais du coup pour moi ça ça aurait... enfin, ça va pas. Je sens que c'est bien trop puissant pour ça, tu vois. Oui, mais ouais. oublie pas l'équipage qu'il y a derrière la cross guild aussi. On a un oui. mio crocodile, peut-être do flamingo, peut-être moria aussi et bayi. Ah mais même. Ah mais oui, mais même. Tu peux me ramener tous les shibukai. Ah à ouais, tu crois. Ah ouais, à part Mio qui a quand même ce statut de, de rival de Shanks. Euh, de rival oui, de Shanks, mais là, c'est ce que je te dis. Là, c'est comme si tu me disais euh, si Shanks, demain, l'équipage de Shanks rencontre celui des Mugiwara. Mais pour moi, quand je parle de ça, c'est Luffy à la tête qui affronte Chance, mais ça veut dire que tout le reste de l'équipage. Genre Zoro, Sanji et Tutti Quanti, pour moi, ça affronte toujours le reste de l'équipage. Donc ouais, là, ouais, dans ouais, l'équipage ouais. de Shanks, s'ils devait affronter la cross-guide, pour moi, Crocodile, Oflamingo, mm -hmm. Euh, pas Mihawk, Baggy et Tutti Quanti, pour moi, ils affronteraient le reste de l'équipage de Shanks. Et Shanks affronterait bah probablement peut-être Mihawk. Baggy, ce serait marrant, il se ferait éclater en deux spies, mais bon. Mais euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, j'aurais peur que du coup, Enfin, dans tous les cas, même, je vois. Je vois pas une suite à ça euh, bénéfique pour Baggy, tu vois, à part ouais. le fait qu que son rêve soit vraiment détruit pour le coup, pour de vrai. Euh... En fait, je sais pas, moi, je suis toujours un peu partant du, du principe que euh, Baggy et Shanks retournant sur l'Aftel ensemble, tu vois. Ouais. Ils iront ensemble, c'est un peu ce qui s'était promis, donc... Euh... Du coup, je me dis, si c'est le cas, il va peut-être pas y avoir de, de combat au préalable, tu vois. Mm. Je sais euh... pas. pas parce Après, que pour la... moi, de est... toute façon, vraiment, à part Miyok, il n'y a pas grand monde qui pourrait, euh, qui pourrait tenir tête euh, au. Ah bah là, je te dis la ouais. vérité, pour moi, le seul qui peut tenir tête à Shanks, à cette c'est que Luffy. Vraiment, c'est que Luffy. Ah oui, non, mais en termes de machin. Et, ou... euh, bah, et... Ou... non, je dirais même Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, je pense qu'il est au-dessus quand même de Shanks. À mon... de mon point de vue, je pense que vraiment il est au-dessus par euh, Noire actuellement. Mmh, Faut pas oublier qu'il a deux fruits du démon et euh... oui oui. Je... Ouais, Peut-être pas au-dessus, mais en tout cas il en est pas loin. Il en ouais. est pas loin, il en est pas loin. Donc voilà et je voulais remercier encore une fois Thomas à RX pour son don. Merci beaucoup, t'es un ange. Je te remercie beaucoup et je vais essayer... Je suis sûre que t'as dû laisser un message là tout. Je vais juste te retrouver. Voilà, tu vois. Merci les gars pour votre soutien, pour la question. Merci à toi pour tes jolis dons et merci pour tout le soutien que tu nous donnes. Et euh, oui, je pense que en fait, je pense qu'il sait pas faire la question et le don en même temps. C'est pour ça que j'arrive pas à lire ces trucs. Oui, oui, peut-être ce qu dit... peut qu'il y a un bug. Il y a peut-être peut un bug peux... aussi. En tout cas, merci à toi. Donc bref, euh, ouais, c'était la partie sur Shanks et Baggy euh... en action. Oh bah non, mais euh, Dragon, franchement, je vous le dis, pour moi, ça va être un, un banger, hein. vraiment. Euh... Si personnellement, si on connaît pas encore sa prime, c'est pour une bonne raison. Soyons clairs, son père c'est Garpe, son fils c'est Luffy. Enfin, <laughs> je veux dire, euh, rien que déjà son nom, je, j'ai pas les mots. C'est euh, Dragon, ça va être, ça va être un truc de batte, de, 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 de psychopathe. Mais après, je vois pas mmh. pourquoi Dragon, tu vois, combattrait, euh, combattrait, un Shanks. En fait, pour moi, Dragon, il est vraiment à part. Comme lui, normalement, il n'est pas censé. En fait. Dragon et les et comment on appelle ça les Révolue têtes le qui vont courir hein pour le One Piece. Lui il n'est pas censé s'en soucier en gros. Dragon lui il veut pas ni courir pour le One Piece ni combattre les pirates. C'est lui c'est Im c'est le gouvernement hein. c'est là heure-ci, c'est surtout les dragons célestes. Mais quand il va comprendre avec ce qu'on va voir à la fin de ce chapitre avec Sabo et les révélations du trône vacant euh, là c'est plus intéressant de le voir contre, un, contre une une ou un hymne et non pas euh, contre un chance, chance là je parle vraiment à la course du One Piece avec les pirates qui sont qui vont là dessus et je remercie encore Thomas pour son don et puis faire des dons ça vous aide donc ça me fait plaisir bah merci beaucoup ça nous fait trop plaisir en tout cas merci 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 mille fois t'es adorable merci beaucoup et je, je sais plus ce que je disais du coup oui, Dragon, pour moi, c'est un révolutionnaire qui est beaucoup plus lié à attaquer la marine et non pas les pirates. C'est pour ça que je ouais. le diffère. Vraiment, pour moi, Dragon, il est totalement à part. Et j'ose même pas imaginer sa prime, comment elle va, elle va exploser. C'est pour ça que ne la donne sûrement pas euh, en ce moment depuis... Même là, après la révélation des empereurs, il aurait pu la donner, il l'a jamais bah, donnée. De toute façon, là, là Oda, il, il a gardé les... Il a gardé les premiers personnages qu'il a introduits. Euh... Pour les dévoiler là maintenant parce que s'ils font partie des plus puissants quoi. Donc, oui euh, c'est ça. Là on est dans le, dans la saga finale donc euh, forcément s'il si nous a rien euh, rien montré de, de Dragon jusqu'à présent c'est que il va nous le montrer à la fin et s'il nous le montre à la fin c'est que bah, ça va enfin sa puissance devra être équivalente à à la puissance euh, d'un antagoniste ou d'un protagoniste final d'un manga donc ouais, ça va ça. forcément atteindre les, les plus, que, plus que les hautes sphères ça va être euh, mm. Voilà, il sera, il sera à l'image de, de, de son père, de son fils. Ouais, ça va être ouf. Moi, vraiment, quand Dragon Y va entrer en action, je, je, vais, je vais crier. Hein. Je vais hurler parce que c'est vraiment un personnage que j'attends de voir et, euh, et qui me hype de fou. Vraiment ouais, de fou. J'ai trop hâte de connaître son passif. J'ai trop hâte de savoir pourquoi il a laissé la fille. J'ai trop hâte de, de comprendre les traumatismes qu'il a eu et qui l'a poussé à, à vouloir se battre contre l'injustice. Euh, c'est vraiment même son passif avec euh, l'armée révolutionnaire, mais tu sais, de pacifiste, là, les pacifistes avant qu'il crée sa propre armée. Tout ça, j'ai envie d'y voir. Comment il a connu Kuma, comment il a connu Ivankov Bref, Dragon, moi, c'est vraiment un personnage que je surkiffe et, et dont j'ai trop hâte de connaître l'histoire. Donc voilà. Et on va revenir à Chance. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé C'est le fait que euh, il dit bien dans ce flashback. Je n'arrive pas à lire. Donc oh, j'ai besoin de toi, je suis désolée. Sur là-dessus. Alors attends, sur laquelle C'est que j'ai sélecte, ouais. Mais non, parce que je vois En fait, je ne je, je sais pas ce que tu montes cette sur ton écran, mais je vois pas. Celle-là. Ah, ok. Euh, alors, mais j'ai changé d'avis. Pour le moment, je n'ai plus l'intention d'y aller. Donc sur la telle. Mais je compte bien rester pirate. Ouais, tu vois. Pourquoi il a décidé d'abandonner, enfin, de mettre en suspens son rêve de devenir, euh, de d'atteindre laftel, à la mort de Roger. Tout en sachant que, avant la mort de Roger, soit un an avant environ, il a pleuré dans les bras de, de Roger quand il est revenu de la et c'était écrit. Euh, il lui a posé une question, une question. Pour ensuite finir en larmes. Et moi, je pense vraiment que c'est cette question qui lui a fait attendre de devenir, euh, d'atteindre de, Laftel. Tandis que de l'autre côté, aujourd'hui, on a justement Shanks qui, après Wano, décide de s'emparer du One Piece. Et c'est là la question de savoir pourquoi aujourd'hui il a changé d'avis. Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir s'emparer du One Piece alors que déjà à l'époque de la mort de Roger, il avait clairement Clairement mis ça en suspens, et qu'il y a une question qu'il a posée à Roger qui l'a fait chialer. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Pourquoi il a tout arrêté Personnellement, la seule chose que j'y vois, euh, c'est que, fin, du moins de ce qu'on qu sait et de ce qu'on a vu, euh, au moment où il a accepté d'aller rendre fin, de, de, de prendre le One Piece, c'est surtout parce que Nika s'était éveillé C'est le seul changement réel qu'on a pu constater à la fin d'Arquano. C'était pas pour Ryokugu, c'était pas pour tout ça, c'était vraiment. On sait aujourd'hui que euh, euh, Luffy a éveillé son fruit du démon qui est Nika. Et surtout, que Zunesha a reconnu Nika, euh, a reconnu Joy Boy en Nika. Donc, techniquement, il doit se dire, bah allez, je dois aller tester mon apprenti. Et, euh, et surtout, quand il a mis en suspens, ça, c'est parce que c'était ma première théorie à l'époque sur euh, Shanks sur de pourquoi il allait mourir. C'est parce que... Euh, il voulait trouver Joy Boy. Je pense que c'est vraiment la quête de, de Shang, c'est de trouver Joy Boy. Il sait qu'il n'était ouais, pas. Doute. Il sait que Roger ne l'était pas, et qu'il faut le trouver, celui qui sauvera le en fait, monde. Ça, moi, je trouve qu'il n'y a plus aucun doute là-dessus depuis le chapitre, mais déjà à 1017, 1018, ouais. tu vois. Mm. Là où on a appris que le Gomu -Gomu no Mi, en fait, il avait été chopé au préalable par. Tu sais, t'as as eu l'histoire autour de Nika, et mm. tout, c'est un peu dévoilé. Là, à partir de ce moment-là, je. Alors c'est peut-être trop évident et peut-être c'est autre chose qu'Oda prépare, mais je vois pas autre chose du moins depuis ce moment-là que Chance bah, euh, sait très bien que en fait il, il avait des ambitions lui aussi oui. euh, peut-être démesurées façon un peu un peu baggy, mais euh, l'aller la, et le retour de Roger sur l'after et la découverte de la véritable histoire lui a elle lui a foutu un, un coup tu vois en ouais. mode bah, non mais c'est pas en fait, même moi, j'étais pas censé y aller. Tu vois, Roger n'était mm. pas censé y aller parce que c'était trop tôt et c'était. Euh, tout ce qu'il a fait, lui, c'est. Euh, Roger, il a fait. Que, Barbe Blanche, il a fait un peu ce que Roger avait fait. C'est à ranimer la flamme pour le One Piece et, et créer l'apparition, en gros, de. Je, je, de, je, de je dirais Joy même que, en fait, pour moi, le rôle de, de. Si on devait être totalement dans le côté religieux, dans le sens où Luffy est le messie le Messie tant attendu, je dirais que Roger et Shanks sont des sortes de prophètes. C'est-à-dire que c'est eux qui vont devoir trouver l'élu pour, par leurs mots, qui vont, qu vont débloquer tout ça, tu vois, pour réussir à trouver l'élu mmh, qui euh, qu ouais, est le fils. C'est comme ça que je voyais à l'époque, et, euh, et je pense vraiment que c'est comme ça que c est, c est, ça expliquerait pourquoi euh, Shanks ne voulait pas finalement atteindre le One Piece, parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore trouvé Joy Boy. C'est comme ça que je le vois. Et oui, Joe Paris, Rayleigh avait dit qu'ils étaient arrivés 20 ans trop tôt. Non, c'est pas exactement 20 ans trop tôt, mais plutôt on est arrivé trop tôt. C'est Roger qui le dit par Rayleigh. Il dit on est arrivé trop tôt. Je suis, je suis arrivé trop tôt sur la Ftelle. En fait, c'était pas la bonne époque. Et c'est pour ça qu'il disait dans, dans, quand il est arrivé à la j'aurais aimé euh, naître à la même époque que toi, Joy Boy. Et moi, j'avais interprété dans le sens où, comme pour moi, Joy Boy était la fille, j'expliquais que. Euh, Roger aurait aimé être né à l'époque de Luffy parce que Luffy va changer le monde. Et, et par conséquent, Joy Boy va changer l'air bah ouais, euh, du monde. Voilà. Donc ça c'était la partie sur le rêve de Shanks. Elle se poursuit un peu euh, puisque c'est exactement ce que, tout ce que je veux de vous expliquer, hein, c'est muser sur Luffy. Il avait d'ailleurs dé déjà dit... Euh, à Barbe Blanche, quand il était sur son navire, euh, Barbe Blanche lui avait demandé pourquoi t'as ton bras en moins, qu'est-ce qui s'est passé, et il lui avait dit disons que j'ai fait un pari sur l'avenir. Et pour moi, cette case, elle représente exactement ce que je vous ai dit juste avant sur Luffy Joy Boy, qu'il est l'élu, et que du coup, euh, bah, c'est lui qui l'attendait, quoi. C'est celui que, que Roger attendait, qu'il a transmis à Shanks, parce que Roger allait mourir, et Shanks a perpétué la volonté de Roger de trouver finalement euh, le vrai le vrai joy boy qui est la fille c'est comme ça en tout cas que je l'interprète et, euh, et voilà et j'avais noté un truc aussi ici je me suis demandé quant il retrouver le fils sur la stèle et être le dernier rempart pour qu'il devienne le roi des pirates lui remettra t il son chapeau de paille au moment où il aura vaincu pour devenir celui que shanks attendait depuis tant d'années et le pari sur lequel il avait misé je me suis demandé si justement finalement euh, comme tout le monde là comme, comme actuellement on est totalement dans la guerre sur Laftel Parce que c'est ce qui se passe hein, Tous les pions que met Oda actuellement Se déplacent tous en direction de Laftel On se rend pas compte mais euh, Il nous a fallu plus de 24 ans pour que la fille trouve des rotponéglyphs éparpillés aux quatre coins du monde, etc. Euh, pour pour trouver la dernière île et finalement dans dans, cette, dans ce petit arc actuel euh, de de Head, parce que je vais l'appeler l'arcade Egghead entre guillemets l'arc après Wano tout le monde en ce moment euh, ou la moitié déjà ont tous eu, eu des des rotponéglyphs c'est à dire que Shanks de base il en avait zéro il se retrouve avec deux rotponéglyphs que suite Big Mom et euh, celui de Wano okay, il... gros, hein. Ouais, il n'a juste pas celui de Zou euh, et celui de. Euh, de l'idée. anciennement l'île des hommes. Ouais. Voilà, voilà exactement. Tandis que Barbe Noire, il en a chopé euh, trois d'un coup, je crois. Parce a Non, deux d'un coup aussi, puisqu'il n'a pas celui de Big Non, il a peut-être celui de Big Mom. J'ai une bêtise. Il en a peut-être trois d'un coup, euh, Barbe Noire, puisque l'eau possédait celui de Zou. Il possédait celui de Wano Donc. et possiblement Barbe Noire a pu récupérer celui de, Bar euh, de, de Big Mom, puisqu'on sait, Aokiji et, euh, et Van s'était s'étaient rendus sur Wall Cake pour aller capturer Pudding. Et je vois pas l'intérêt de me dire pourquoi Israël est sur cette île pour capturer Pudding sans capturer par ailleurs le rod ponéglyphe de Mama. Ça, ça n'aurait aucun sens, d'autant que Van Vanogur... D'autant que Van Augur se téléporte, enfin va, va hyper vite, à la vitesse supersonique. Donc c'est génial pour capturer un ponéglyphe en deux 2 sans que personne s'en aperçoive. Oh non, non, oui, il se téléporte. Hein, ouais, voilà. Donc je me dis que là, en l'espace d'un combat, le... il y a déjà deux empereurs qui ont réussi à, euh, réussi à choper des ponéglyphes que. Euh, que... J'allais dire que Gogi. <laughs> que Luffy, il a oh, mis 10 pompes pour, pour avoir les rats de ponéglyphes. Donc je serais pas surprise. Euh, que finalement euh, Oda décide que la grande guerre qui va se préparer là actuellement, et eh ben là, que qu en fait tout le monde essaye de se rendre en même temps sur l'Aftel, ce sera la course, tu vois, avec des tous les navires, tu vois, qui qui commencent à à, à partir vite pour savoir qui ira le premier sur ah, la scène. Personne en 25 ans n'y a touché et là ils arrivent Exactement. En même temps, et bah ils leur bataille navale et ouais, tout. Ouais, totalement. Ça ce serait coin. trop stylé. Tu t'imagines le navire de, de Shanks qui déploie ses, 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 avec son dracar et tout et ta barbe noire de l'autre côté que je sais pas combien de navires. là t'as le Sunny avec tous ses et tout. Qui ah a... ouais, un peu comme on a vu sur Wano, tu vois, quand tous les bateaux débarquent et tout, avec les flottes, machin. Et je me dis. Ou même la... un peu stampide aussi. Oui, stampede, aussi, je pas, totalement. Je tu sais si, pas, mais quand il si, y avait la montée et tout. Euh, bah justement pour aller récupérer bah le trésor, le, le trésor de euh... laftel Le trésor du voilà, lockpose Exactement Et bah je me dis je vois bien un truc comme ça où là c'est la, la, la dernière ligne droite où t'as ces navires là les, les navires des empereurs qui vont euh, Pouvoir en fait, ça va être, tu vois, une, un compte à rebours parce que Oda il adore mmh. mettre des comptes à rebours, vous le savez, je vous le dis souvent dans les fins d'arc, il adore faire ça. Donc, moi, je vois totalement Oda faire un compte à rebours à celui qui arrivera en premier sur la stèle, et là, ça va être les combats de fou parce que là, c tous les empereurs combattent en même temps, mais ça va être une dinguerie. Je me suis peut-être un peu excitée, je, je le sens dans ma voix là, mais c'est pour vous dire à quel point je suis hypé d'une bataille navale parce que là, enfin. Enfin, on aura une guerre de vrais pirates qui va pas se passer sur Terre parce que les pirates normalement ils combattent pas sur Terre, ils combattent davantage sur les mers. Et là, je trouverais ça fou, mais fou. Mais bref, voilà, je me suis Bien un peu enflammée. Et, et c'est vraiment un truc que j'aimerais voir. Je sais pas si ça vous hype autant que je suis hype parce que j'avoue que j'ai monté en décibels. <laughs> je sais pas si Dans ça. Une bataille sent... navale, ça serait vraiment un délire. Ah ouais. Non, ça serait... ah ouais. Entre l'un qui, qui utilise son guranomi -gura qui fait des tsunamis le euh, Luffy qui, peut, qui pourrait tout faire Ne serait-ce qu'avec son Gear 5 ouais. euh, Crocodile Non mais attends ah, non, Ce non, ça serait, ça serait dingue ça serait... Ah Ce serait la, ouais. vraiment la guerre La grande bataille navale Du, du, du One Piece Ce serait trop fou Je ne sais pas ce que vous en pensez Je crois que mon chat a bugué Moi je ne vois plus Tu vois un autre message Après celui-ci Je ne sais pas si tu vois mon écran euh, Non de mon côté Je ne vois pas non plus Je ne sais pas si j'ai bugué Tu as, as eu deux autres dons non, Ah oui euh, oh, bah Alors j'ai bugué Alors attends oui c'est bon Yannitra merci beaucoup pour ton don euh, pas de questions juste parce que j'adore ton travail que ta passion est vraiment inspirante avec Godji à tes côtés tu trouveras les one piece j'en <laughs> je suis sûre et bonsoir à Moumoun oh c'est trop adorable merci pour ton message merci pour le bonsoir à Moumoun qui me fait d'autant plus plaisir parce que je sais qu'elle regarde le live et, euh, et bonsoir en bonsoir plus... Moumoun Ouais, elle m'a dit en plus, euh, tu diras, euh, tu feras un coucou à tes abonnés et tu leur diras, j'espère qu'ils vont bien. Et j'en profite aussi euh, un court instant parce que c'est l'anniversaire de mon papounet. Et euh, je lui fais de gros gros bisous <laughs> et je lui souhaite un très 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 bel anniversaire oui. euh, parce que c'est le meilleur papa de l'univers. Voilà, j'ai fait ma petite dédicace. <laughs> ouais, bon anniversaire, bravo. Oui, gros bisous papa, gros bisous Mamoun et vous couchez pas, pas trop tard nous, cette fois-ci. Voilà, exactement. <laughs> et, et donc merci beaucoup pour ton don, ça me fait ultra plaisir euh, Nitram, vraiment adorable. Et il y a Thomas, il y a Thomas qui m'a refait un don. <laughs> merci beaucoup et il faut que je recherche du coup ta question, ou ton message parce que j'ai pas, je vois pas. Est-ce que tu es arrives à le revoir euh, Cette fois je moment crois qu'il tu... avait... a non, pas il laissé rien. de message Et eh ben merci encore une fois pour ton don T'es adorable Et Papounet ils sont tous en train de te mettre des bons anniversaires Dans le chat Et Moumoun c'est ma maman Et mes abonnés euh, la, la connaissent bien Parce qu'ils ils se mettent des petits messages entre eux <laughs> Papounina c'est trop pipou <laughs> C'est trop pipou Merci beaucoup vous êtes des amours Vraiment vous êtes trop trop des amours donc, je reprends sur le. Après ma super bataille navale, parce que je me suis un peu enflammée. On va revenir sur Baggy, roi des pirates. Ça y est, c'est officiel, il veut devenir le roi des pirates. Et moi, je trouve qu'il a un flow exceptionnel pour devenir roi des pirates, Baggy. Je, moi, j'ai toujours dit, me hype de fou ce perso. Je pensais pas à l'époque. Euh, moi, je pense pas qu'il va devenir roi des pirates, mais davantage roi du monde. Euh, je l'avais expliqué d'ailleurs dans, dans un autre live, je vous en avais parlé. Mais euh, vraiment Baggy roi des pirates extraordinaires. Extraordinaire, extraordinaire euh, c'est il a en fait, il a tout d'un personnage qui serait un roi. Je sais pas si tu si tu confirmes, infirme. Ah oui, oui, oui. Moi, pour moi, là vraiment pas euh... bah, Moi, je le verrais trop roi des rois du monde mmh. tout ça. Ce serait ouf. Ce serait, serait dingue, ça serait dingue, dingue. Attends, je vais juste répondre à Thomas. Euh, j'ai laissé une question, Nina, la voici. Vous pensez que Shanks a délibérément préparé le terrain à Luffy sans penser. Attends. Sans penser que lui-même Shanks serait le fameux Joy Boy euh, Attends, j'ai pas très bien compris. Je laissais Nina. Hein? Vous pensez que Shanks a délibérément préparé le terrain à Luffy sans penser que lui-même serait le fameux Joy Boy bah, Je pense que au contraire, quand, quand euh, Luffy a mangé le fruit de Nika et que, euh, à la toute fin, Shanks lui a remis le chapeau, je pense que Shanks a totalement compris qu'il était nickel aussi, qu'il était Joy Boy. Je pense qu'il l'a lu dans ses yeux, et c'est pour ça qu'il disait à Barbe Blanche, j'ai fait un pari en fait. Son pari, il est là, misé sur le fait que ce garçon va sauver le monde. Ce garçon est l'élu. Ce garçon est Joy Boy. Et je pense que dès lors où il lui a donné son chapeau, c'était le symbole qui, qui, qui voulait tout dire en fait. Il est l'élu, je crois en lui, et je sais que... C'est le bon. Et il s'est pas trompé puisque ça paraît évident que la fille, euh, c'est bien les Oui, oh, il a... C'est bon, il n'a pas sacrifié son bras pour rien. C'est ça. Et je te remercie du coup pour ton redon. <laughs> merci beaucoup Thomas, t'es es vraiment adorable. Bon quand même, fais attention à ton porte-monnaie parce que je ne veux pas que tu lui hein. Mais merci beaucoup, t'es vraiment un amour. Voilà, donc je reprends du coup sur Baggy, roi des pirates. J'aime beaucoup le fait qu'ils disent euh, je peux obtenir le, euh, Je veux obtenir euh, le roi des... Attends. Je veux devenir le roi des pirates. J'aime beaucoup la rêve du fait qu'ils disent le pouvoir, la richesse, vous aurez tout ça. C'est exactement les termes précis qu'on avait entendus euh, au premier chapitre, qu'on avait lu au premier chapitre, euh, dès lors euh, à la mort de Roger, quand il disait euh, euh, ce que ce monde pouvait offrir richesse, renommée et pouvoir. C'est exactement ces bon, mêmes bon. termes. Ouais, et, et j'ai ad adoré ce petit parallèle, ce petit clin d'œil. Euh, d'autant qu'il avait fait le flashback, son, enfin son flashback avec euh, Shanks il était tourné sur le fait, que, sur la mort de Roger. Donc elle avait, pour moi, cette case a d'autant plus de signification et je la trouve hyper belle, hyper bien dessinée, hyper badass. Il tient tête quand même à, à Crocodile et Mio que c'est pas rien et il me fait vraiment penser à, à encore à, à Usopp, tu sais quand euh, je sais plus c'était quoi la scène, je sais plus si à adresse Rosa, tu sais quand il remotive les troupes. Oh. Alors là, euh, j'avoue que j'ai pas, pas les scènes sop en tête, euh, les scènes marquantes. Mais c'est pas bien grave, mais en tout cas, là vraiment, cette scène elle était super belle parce que il a vraiment. En fait, chez Baggy dans ce chapitre, j'ai ressenti exactement le pouvoir qu'avait Luffy quand il parle aux gens. Tu vois ce là, pouvoir ouais, ouais. de rassembler les gens. Je sais plus qui disait ça, euh, je crois que oui, c'était okay. Kobe. Non, c'était Kobe avait ah oui t'as raison Mio qui l'avait dit aussi mais Kobe l'avait dit au sujet de il l'avait dit à Drake comme quoi euh, la fille avait le pouvoir de rassembler les gens et ben là pour moi Baggy c'est exactement ah, oui, oui. la même situation t'as la sensation qu'il arrive à, rapprocher, à, à, à rassembler toute une communauté et euh, et c'est ce qui va se passer juste après parce que là du coup il lance le One Piece le mec il a fait une Roger là avec son équipage et, euh, et j'ai trouvé ça terriblement badass et c'est là où je me suis reposer la question, parce que c'est vraiment une théorie que j'avais euh, depuis, je pense, euh, ma, mon début de, de One Piece, quand j'ai vraiment commencé One Piece. Et je me suis demandé si Baggy était pas un dit. Euh, la théorie, je, je l'ai pas postée et euh, je ne peux pas vous la poster, mais c'était... Il euh, y avait un indice qui m'avait poussé à penser ça. Et ça concernait son logo. J'avais toute une théorie sur Baggy par rapport à son à, son, à son Jolly Roger et surtout à son visage quand même il a la... je sais pas si vous avez remarqué mais ce mec a la carte de Grand Line sur la tête c'est à dire qu'on a ça on a la croix on a le truc de Red Line on a enfin, il a vraiment la carte a le, le, le reverse mountain avec, euh... oui c'est ça et tu vois les oh, cheveux ouais. avec les deux bandes de Campbell enfin, c'est vraiment t'as la carte du One Piece je sais pas si vous avez remarqué mais ça m'a toujours intrigué. Et quand j'avais étudié son Jolly Roger, je me suis aperçue qu'il avait un point commun avec les dits. Et c'est pour ça que j'avais pensé à l'époque qu'il pouvait être un dit. Et là, avec cette scène, je me demande d'autant plus euh, s'il n'en est pas un. Parce que là, ça voudrait dire que Luffy est un dit. Euh, Barbe Noire est un dit. Shanks, peut-être, maybe, mais on ne pas. Mais en tout cas, si c'était le cas, ça voudrait dire qu'en fait, il y a quatre dit qui vont s'affronter pour la course du One Piece. Et ça, je trouverais ça fou. Là, vraiment, je trouverais ça fou. De voir que les quatre empereurs sont des quatre dits qui vont finalement euh, euh, vouloir la, la place du roi du, des pirates et que ce roi des pirates était aussi un dit, je me dirais vraiment le destin des dits est lié, en fait, au One Piece. Il y a pas de doute, tu vois. Ils ont un lien avec ce trésor et cette histoire. Et comme le One Piece, pour moi, euh, est lié à l'histoire des dix, par par, euh, par extension, je trouverais ça vraiment intéressant... Euh, de, de savoir que c'est ce serait la guerre d'Eddie pour, pour le one piece mais bon c'est juste une théorie bien évidemment voilà évidemment évidemment et donc a-t-il le Haki des rois parce que euh, quand tu vois cette scène euh, de baggy qui, euh, qui qui motive les troupes comme ça qui, pour moi c'est vraiment un Haki des rois tu vois il est il en impose il est je sais pas il a tout d'un roi en fait et je me dis si Hancock est là si chinjao là bah, Baggy, euh, franchement, je serais pas étonné hein, qu'il l'ait. Bah, en tout cas, il, a... il fait partie de ceux qui ont la. Ce, ce... Enfin, il donne cette impression, en tout cas, de l'avoir. Mm. Et euh... c'est marrant parce que. En fait, par exemple, tu vois, as... t'as des mecs comme, comme Zoro qui donnaient cette impression de l'avoir, mais pas par la motivation, comment il pouvait être en tant que leader, tu vois, mm. mais par... davantage par. Leur propre ambition, euh, jusqu'où ils veulent s'élever, etc. Où tu dis dis, bah, forcément, un mec comme ça, il est obligé d'avoir clé des rois. Tandis que. Ouais, Baggy, lui, c'est vraiment. Tain, il a un leadership de fou, quoi, à la Luffy, en fait. C'est ça. Donc, ouais, ouais. Je trouve, même, je trouve vraiment que c'est. C'est le le, le. le parfait parallèle de Luffy et Baggy. Ils ont vraiment ce. Cette personnalité qui se ressemble sur, sur certains traits. Alors pas du côté de la méchanceté, parce que Paggy c'est un taré quand même. Hein. Ça, ça reste un, un pirate pour le coup. Il est beaucoup plus pirate que la fille qui est, qui est totalement utopiste. Hein. Mais, euh, mais je trouve qu'ils ont vraiment des traits de ressemblance sur le la manière de parler aux gens et la manière d'attirer les gens. C'est ça. Voilà. Donc Lui, il pour moi, c'est le, le, le plein cœur des C'est ça, des gens. Et donc pour toi, est-ce que. Je vais te poser ces deux questions et après je les poserai dans le chat. Est-ce que pour toi, Baggy, 1 aurait le aurait des rois et de 2 serait-il un des Un euh... dit. Ouais, un dit, pardon. Euh, attends, tant des rois, ouais, franchement, moi, je serais, ne serais pas étonné. Hein. En fait, c'est un contraste. Alors d'un côté, je ne le vois pas d'utiliser, tu vois, par exemple. On ne pas être là en mode... <laughs> qui <a> un <laughs> d'un coup, genre, il y a 50 000 personnes qui tombent et tout. Euh... Je ne vois pas un truc comme ça, mais pourtant, je le vois avoir le Haki des rois, tu sais, cette... Ouais. cette aura euh, de leader royal, tu vois, genre... Ouais, je sais pas si on peut appeler ça du coup Haki des rois ou si c'est vraiment le... le truc un peu à la... Bah, ce qu'avait le et ce qu'on disait tout à l'heure avec... Euh... Cette capacité de, 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 de rassembler, rassembler les, les gens. Les gens. De lui. Bah, attends, euh... attends, je te coupe là-dessus. C'est très intéressant ce que tu dis, de rassembler les gens. Ce terme, il est très important. Parce que quand, quand euh, Baggy prononce euh, le nom du One Piece, euh, quand il dit on... Je veux devenir roi des pirates, on part en quête du One Piece mm -hmm. le, 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 le japonais utilisé euh, pour le mot du One Piece, c'est justement la, le trésor de la combinaison humaine. Itotsu Nagi no, Ito no dahiho. Exactement. Et donc c'est très intéressant que tu parles de rassembler les gens, le pouvoir de Bagi de rassembler les gens, quand tu sais que le la traduction du One Piece, qu'il le, le la, la, la façon d'avoir prononcé ouais, le, One le, Piece, c'est le ressens du One Piece. Ouais, mais... c'est ça. Donc très très intéressant de, c'était une petite note à, à noter quoi. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Non, non. Donc, je, bref, ouais, et... donc, ouais, toi, tu es pour ouais. le haki des rois, tu penses qu'il est possible? Qu bah, est... Euh, ouais, tu... voilà. Après, comme je t'ai dit, le haki des rois en tant que, en tant que puissance de combat, c'est chaud de l'imaginer parce que, ben bah, ouais, bah, c'est un mec qui a, pas de... qui a pas vraiment de compétences au, au combat, hein. pas... Mm. Pas, 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 pas pour un mec qui a le haki des rois, par exemple, mm. mais en termes d'aura de... et tout, qui... ce qu'il émane autour de lui, là, c est, c est, ça reste du haki des rois, mine de rien. Ça, en tout cas, c'est il, il a tout avoir de façon, de base, et c'est quand même dites le dire, c'est un empereur aussi. Hein. Oui, Est-ce que ça est... serait le seul empereur à ne pas avoir de haki des rois Ce serait Sachant que le. Non, mais sachant que le haki des rois, c'est quand même parisien, tu vois. Mm. Genre, euh, peu importe ton niveau de puissance, c'est tous ceux qui sont capables de s'élever au-dessus d'un rang, au-dessus de, au-dessus des autres qu'ils possèdent, tu vois. Mm. Donc, sans pa... Parce qu'en fait, nous, on est là, on est beaucoup peut-être euh, aussi euh, matrixé par le haki des rois enduit, le haki des rois avancé, wa paf vas-y les deux qui s'entrechoquent, ça fait les yeux qui se fendent en deux, incroyable quoi, les éclairs et tout. Mais en réalité, le acquis de roi de base, c'est c'est vraiment un pouvoir intérieur inné, plus ou moins, qui fait que t'as le, le comment on appelle ça, t'as le comment on appelle ça, t'as le, le truc d'un grand dirigeant en tout cas. Tu vois, t as, t as, un ah, sorte de monarque. Euh, oui, non, mais tu le... Tu le... Tu le... Oh, des rois. Attends. Non mais, non, mais comment on appelle ça Tu as le... Euh, je crois qu'on voit, ton... voit ton écran, hein. tu n'oublieras pas. Ah bon Ah oui Non, non, c'est bon, je suis sur l'autre truc. Ah ok. <laughs> euh, oui, bon bref. En tout cas, il y, y a ce truc qui fait que... voilà, con... Tu as l'étoffe. Merci, merde. non, c'est ça. Il a l'étoffe, voilà, de, de s'élever au-dessus des autres. Et... Il a vraiment l'étoffe du Aki des rois. Donc voilà. Qu'il est, ça, c'est une chose. Et après qu'il soit un moi je pense que je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais s'il doit être un dit, l'argument principal qu'on a, c'est quand même que c'est vraiment le mec qui rigole tant. Et vous savez, même que euh, Odin n'a jamais fait, il a fait qu'une seule fois, je crois que c'était sur Marineford, il a fait une seule fois, une seule case où Baggy a la bouche fermée. Sinon, il a toujours le la sourire, babache ouverte. C'est vrai. Bah, sourire ou non, pas forcément, mais il a toujours le. le en fait, ça, en fait quand je un... te dis sourire, ah, c'est par le fait que. Euh, il, oui, est il dessiné un sourire de clown. Ah oui, Tu, oui, tu oui. sais, le, le, comme le Joker. Ah, ouais. C'est ah, pour ouais. ça que forcément, pour moi, il sourit tout le temps, même quand il sourit pas. quoi. À part quand il fait la bouille, bien évidemment. Ah, ouais, ouais. Mais oui, je suis d'accord. Pour moi, il a toute tout l'étoffe c'est le mot parfait euh, pour, être, euh, pour être un dit et, et avoir le requin des rois. Je, je kifferais voir Baggy en dit et je kifferais le voir euh, avoir un Aki des Rois sorti de nulle part. Le mec il dépoppe, euh, bim Il sera sort un Aki des Rois, ce serait trop marrant. Ça. Mais oui, 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 tout à fait. Et du coup, si vraiment c'est un dit, je le remets dans ma dans ma, dans ma ma case de dit de trèfle. Hein. Je te l'annonce. Hein. Parce que là, il a tout du dit trèfle. Hein. C'est un, un mec ultra chanceux, euh, comme je le disais, mais Neto m'avait dit qu'il n'était pas chanceux du coup. Mais je pense du coup qu'il est encore plus chanceux quand on voit comment il a fini. Donc, euh, ça voudrait dire que c'est le dit trèfle par excellence. Ce serait, ce serait ouf. Donc, euh, faudrait vérifier juste. Ah non, mais je crois qu'il vient de Grand Line. Donc, ça ne tient pas. Parce qu'il me faut de West Blue. Non. Il... Ohara, c'est où West Blue Non. L'île de. Ouais, c'est West Blue, c'est ça. Il me faut quelqu'un de West Blue et je crois pas que Baggy vienne de West Blue. Donc, je crois que c'est mort pour le trèfle. Mais bon, bref. Oh, tu t'es fait un monologue. Il était ouais, je suis désolée. désolée. C'est pour le dit trèfle. En fait, si chaque dit vient d'une de, des quatre mers, j'ai South Blue avec Ace, j'ai euh, East Blue avec Dragon et j'ai avec non, North Blue avec l'eau. Donc, il ne me reste qu'une mer pour le dernier dit, c'est euh, West Blue. Et si Baggy vient pas de West Blue, donc c'est pas, pas le dit que je veux, c'est pas le dit de trèfle. <laughs> ouais, ça. Euh, alors attends, juste je reprends sur euh, Sniper Strick qui a dit euh, tellement pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, le rire n'est pas un aspect des porteurs du dit, la preuve avec l'eau. Alors oui, mais étonnamment, c'est marrant parce que l'eau est l'un des, euh, des rares personnages à vouloir cacher. Sont. Son le... allait être dit. Euh, euh... En tout cas, il voulait pas donner son nom en entier et tout de, de base. Et, euh, et même si Loo lui ne veut pas, n'est pas très expressif comme les autres. Ben justement, tous les mmh. autres le sont. En fait, tu prends Ace. Euh, il était totalement très expressif, euh, etc. Mmh. Soro l'est également. Le n'en parlons pas. Roger n'en parlons pas. Il y a qui d'autre en Barbe tant petit? Noir. Barbe noire. Ben bah, n'en parlons pas. Excusez-moi. Dis hein, euh... One Piece. Attends, je vais juste me Porte regarder Gaëlle's la liste. Euh, rouge, je euh, pas rouge. trop parce que <laughs> rouge du coup on l'a pas assez vu voilà mais garde alors il est totalement c'est vrai que pour le coup il y a allez on va dire il y a dragon et l'eau qui font euh, qui font un peu tâche parce que vous vous rendez compte que même Chebek le mec je le rappelle on n'a quand même rien vu de lui hein on a vu la sourire. seule représentation qu'on a qu'on a de lui il est en train de sourire C'est vrai. les seuls et euh, donc euh... donc ouais ok alors du coup, est-ce qu'on peut vraiment se dire Ouais, mais les dix, ils sont pas comme ça, ils sont pas comme ça, alors que quand même, euh, on va dire 80 ou 70% des dix sont euh, avec un big smile Ouais, je sais pas. Oh, wow. mais, euh, en fait, ouais. je dirais que pour moi, personnellement, le sourire, c'est quelque chose que je mets de côté avec les dix. Malgré qu'on mm -hmm. dit, même malgré que Smoker, quand il a vu euh, euh, Luffy sur le sur Lockdown et que ça lui rappelle Roger qui est mort avec le sourire. Pour moi, cette particularité, je la mets de côté. Parce que quand tu vois que. Euh, euh, comment il s'appelle Corazon est mort avec le sourire. Euh, mm -hmm. euh, comment il s'appelle euh, Maître Ils de Chopper. Bons. Ah oui, Ilulu. Iluluque ou Belmer. Ah ouais, tu, tu parles de. Que ça... oh, oui, ouais, ça, tu vois, vois c'est des personnages qui ça ne ça être sont être pas euh, dédits ouais. et qui pourtant sont pourtant associés au sourire à leur mort. Et c'est pour ça que je me dis il y a un truc que Oda fait qu'on qu qu comprend pas encore bien et qui va l'expliquer plus tard. C'est pour ça que je me méfie toujours quand je vois quelqu'un sourire. Mais euh, c'est vrai que ce que tu dis quand même, la majorité des dits sont quand même beaucoup plus associés au sourire qu'un personnage lambda. Sourire, ouais. Ça, je suis ouais. parfaitement d'accord avec toi. Et ensuite, je vais juste prendre deux secondes parce que il y a Thomas qui m'a fait des dons de partout. <laughs> je te remercie encore une fois, merci mille fois. Je vais essayer de retrouver tes questions comme tu peux pas les poser sur le truc. Alors attends. Je sais que tes théories sont très fournies et recherchées, mais je me pose quand même la question. Il faut juste que je la retrouve. <laughs> que comptait faire Shanks du fruit de Nika si Luffy n'avait pas mangé C'est là la grande question. Je pense que personnellement, euh, c'est ce que j'avais expliqué dans, dans ma vidéo sur la mort de Shanks, je pensais au départ que euh, le fruit de, de Nika, il l'avait réservé pour Ace. Parce que quand Roger avait, euh, avait été rentré de la FTEL, il avait dit à Rayleigh, euh, qui va devenir du coup Qui serait... Euh, qui va devenir euh, Joy Boy, je crois, c'est ça qu'il lui avait posé. Non, je sais plus. Non, qui va euh... obtenir le One Piece, ou je sais plus quoi. Ouais, qui qui qui. Euh, qui va faire. Trop tôt, voilà, on qui, arrive. Qui qui, qui nous, euh, en gros, qui. qui nous succédera. Oui, qui nous succédera, mais façon façon plus, en plus. En gros, qui, voilà. Qu'il fera, ce que nous, on n'a pas pu faire en gros, Exactement. peut plus exactement, mais oui. Et Roger avait dit, bah mon fils. Et donc je pense que. Euh... Quand, le, le, quand ace est né et qu'il a été euh, sur, euh, sur euh, east blue je pense que Chance se rendait là-bas pour ace, bon, mais, ace. Que, mais que du coup bah le <laughs> fil a devancé et a bouffé le fruit et c'est là où il s'est aperçu qu'en fait sa destination était la bonne east blue mais qu'en réalité, celui auquel il avait pensé qui était Ace n'était pas la bonne personne. Et que la bonne personne, c'était Luffy. Et que le destin a fait que le fruit, comme, comme disait le gouvernement, euh, le fruit de Nika. S'échappe en fait, tu peux jamais l'attraper. Donc ça veut dire que Nika a choisi son vrai détenteur, qui n'était pas Ace mais bien Luffy. Sans le vouloir, Luffy l'a mangé inconsciemment, mais comme il y a toute une part de destinée là-dessous, etc., je pense véritablement que le fruit était destiné à Luffy. Et je pense que Shanks, du coup, n'avait ne, ne, pas prévu que, je, que, que Luffy le mange, et qu'il était peut-être destiné plus à Ace ou, ou quelqu'un d'autre qui se trouve à Ace Blue, je pense quand même Ace pour le coup. Et que finalement, ouais. c'est bien, c'est bien le fille qui l'a mangé, parce qu'il l'avait dit. Il nous reste encore deux trois allers-retours à faire sur East Blue. Tu, je sais pas Chevas, si tu te souviens au premier ah, chapitre ouais, ouais. Et donc, oui, ils, avaient, ils, il, avaient, ils avaient plus ou moins terminé. Ouais. Ils avaient un plan. Euh, euh, ils avaient un plan sur Isbou. Il y avait une véritable raison qui se cachait sur le fait que Shanks se trouve sur cette île. Et pour moi, ça peut être. Je vois que ça pour l'instant. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ta question Thomas et encore merci pour euh, tes, tes, tes plusieurs dons là que je vois. Fais attention quand même, je, je le répète, hein, je veux pas trop que tu dépenses trop d'argent. Et j'avais aussi... Oui, il y a... Attends, je voulais juste répondre à ça parce que j'ai vu que... Euh... Je vais y arriver. R1 qui m'avait dit sondage terminé et je suis dégoûtée Pourquoi vous avez changé Il y a presque 700 votes à trois votes près, il y a Garp. Va-t-il mourir sur la rue Je vous avais mis oui. Oui On était, on était, on était dans les noms. <laughs> mais non Mais pourquoi vous me trahissez à trois votes près J'ai même pas voté, moi. T'as pas voté non plus Non Bon. Alors, euh, moi, moi, voté non. à presque 700 votes euh, en quelques heures, bah, vous avez même pas, quelques minutes, je pense, 30 minutes, 40 minutes, je sais pas. Vous avez voté que mon cher Garp mon, mon petit Garp va mourir sur, sur la ruche. Franchement, c'est dégueulasse. Je trouve que franchement, là, euh, je, vous êtes anti-vieux. Je, je suis sûre que c'est de l'anti-vieux. Vous voulez plus de vieux et vous voulez que des jeunes. Et moi, je suis pas d'accord. Je, je milite pour que Garp ne meure pas sur la ruche. Je prie. Et je suis très déçue de vos votes. Je pensais que vous alliez mettre non. Je suis dégoûtée. <laughs> je pensais vraiment qu'ils allaient mettre non. Oh mon dieu. Vous êtes horrible. Vous êtes pire que moi avec mon Death Note. Vraiment, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il crève, hein. Ah oh là là. Après, là, après, concrètement, là, il est pas mort. Ça, hein. c'est un sondage. Vous savez quoi <laughs> Je vais retenir. Aussi un peu, quoi. Je vais, je vais retenir les noms de chacun. <laughs> Et on se retrouvera s'il ne meurt pas. Je vous dirai. Vous voyez, il n'est pas mort. Il faut pas croire en ça. Non, ne croyez pas ça. Je pense vraiment qu'il va pas mourir. Je l'espère. Oh, J'espère ne pas me tromper sur. C'est bien une théorie. Je ne veux pas me tromper. C'est bien la mort de Garpin. Hein. Ah non, tu je suis trop deg. Ouais, mais toi, avec ton karma de vouloir ouais. tous les, ouais. les morts, bah, ça, ça, ça m'apprendra. Voilà. J'ai formaté mes abonnés à vouloir des morts dans One Piece. <laughs> Sauf qu'en fait, ils ont voulu me buter le personnage que je kiffe le plus. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg, je suis choquée. Jamais j'aurais pensé que vous auriez voté ça. Mais bon, bref, passons. Donc, Baggy, roi des pirates, a-t-il le haki des rois Est-il un dit Je vous laisse euh, me dire en, euh, dans le chat. Euh, D'un, si vous pensez que c'est un dit, et de deux, si vous pensez qu'il a le acquis des rois. Euh, j'ai hâte de vous lire, vraiment. Et on peut aussi, j'ai pas demandé de toute la soirée, si vous pouvez mettre des petits likes si vous passez une bonne soirée, si vous appréciez vrai. le live, si vous vous sentez bien, si, euh, si vous kiffez le travail qui est fait, euh, si vous avez kiffé le chapitre aussi, vous pouvez liker. Euh, si Juste si vous êtes bien, tout simplement, et que vous voulez soutenir la chaîne, euh, c'est gratuit, ça mange pas de pain, euh, vous n'avez pas à dépenser des sous. Vous avez juste à prendre un clic, ça prend deux secondes. Et moi, ça me permet vraiment de mettre en avant mon travail euh, et toutes les recherches que j'ai faites. Donc, c'est super important de, de me soutenir avec les likes. Vraiment. Allez, les refs, les 400 likes. Allez, let's go. 400 likes. Let's go. Allez. Let's hey, merci, Aaron. Rien de boue tout à l'heure, Bichette, il fait... Mettez des likes, mettez des likes Il <laughs> est trop mignon <laughs> C'est trop non, il a mignon Il fait mon taf, c'est vrai que je l'ai pas fait là aujourd'hui, oh là là, c'est pas normal. Ouais, T'es fatigué, ça se voit. Merci, ouais. déjà on a dépassé les 300, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est super important les likes, j'aime pas trop le demander, généralement. Euh, mais je tu sais que c'est malheureusement la loi de YouTube de, de... Plus on like, plus votre vidéo, du coup, elle sera mieux récompensée, mieux recommandée. Référencée, ouais. Ouais, référencée, voilà, c'était le mot. J'ai pas à dire récompensée, c'était référencée. Je suis pas le seul à être fatigué. Voilà. Je <laughs> suis à l'ouest ce soir, je te jure. Merci beaucoup On a presque 350 Bravo Merci, merci. Bravo. Et donc, du coup, et... on va pas attendre quand même les 350, je vous rassure. On va tout de suite enchaîner parce que ça fait déjà deux ça heures de live tôt, et on a, on a toujours pas fini la... Le, le, la review elle est encore très longue. Comme d'habitude, je parle beaucoup trop. Donc j'abrège le plus possible. Pensez quand même à liker tout le long, c'est génial. Merci Thomas encore pour ton don. Thomas, je, vous, je te promets, essaye de pas te ruiner s'il te plaît. Mais merci encore pour ce joli don. Merci. Et j'ai pas ta question. J'arrive pas, j'arrive pas à la retrouver. Si vous voyez la question de Thomas, n'hésitez pas à la remettre dessous pour que je puisse plus facilement la voir. Et dès que je la verrai, je, je te répondrai. Michel, Evan, ta voix a changé comparé à il y a deux ans, non Oui, je suis un revenant. Bah, rebienvenue déjà. Et euh, oui, elle a un peu changé. Euh, déjà, j'ai des problèmes de diction. <laughs> Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bah à l'époque, quand même, j'étais pas du tout à l'aise. Euh, à l'aise dans... Dans, dans, dans les vidéos. J'étais une peureuse. Je, je savais pas parler. Je sais toujours pas parler, mais je, on va dire que je suis un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc. Euh... Ouais, Et puis... Euh... Aussi un meilleur micro. J'ai un meilleur micro ça, grâce ça. à Goji parce que c'est lui qui me l'a offert, faut le savoir. Il oh, m'a fait un enfin, studio. Mais non, mais moi je sais ça, que tu mais... disais <laughs> pas pour ça, mais moi je le dis. C'est un beau, je sais à quel il point. Il m'a dit t'as un micro de te merde, je te t'en rachète un. Allez, hop, il me l'a offert. Donc bref, bah voilà. Et j'en étais où Le rêve de roi des pirates. Donc ce qui est intéressant dans la cross-guild, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont quasi tous. Euh, le, le, le rêve de devenir roi des pirates et euh, et, c est, c est, et je trouve ça très très intéressant pour la guerre du One Piece parce que euh, je, pour moi en fait l'équipage de la Cross Guild je les vois véritablement limite comme les rocks parce que les rocks c'était tous des goths qui sont regroupés dans un équipage et qui tout à coup ont fait des mutineries où on a captain john je vous le rappelle qui a été tué par son propre équipage captain john qui est totalement lié à baggy donc je me demande s'ils vont pas vouloir buter Baggy à un moment donné, comme le Captain, quand il va récupérer le trésor. Tu vois, genre Captain John a récupéré ouais, un ouais. trésor qu'il a caché. Baggy va faire de même, peut-être sur le, le, le fameux trésor. Tu sais que que mm -hmm. Chance lui a, lui a fait perdre. Oui, qui, a, qui aura forcément un, un, centre, un qui lien avec tout aussi, ça, ouais. Il... Mm. Il ou même, même deux fois qu'il revient. Peut-être même récupérer le trésor du Captain John. Tu vois, peut-être que Baggy va vraiment mettre la main dessus et que du coup les autres vont vouloir le buter comme Captain John a été bouté par les Rocks. Mmh, ouais, et ouais, j'adore ouais. ce parallèle. Je trouve, je trouve, vraiment que, en tout cas, si Do Flamingo, Mio, etc. rejoignent eux, Mio, euh, Moria, etc. rejoignent la Cross Guide pour la compléter, j'adorerais parce que du coup, ça rappellerait vraiment l'équipage des Rocks. en un petit peu moins puissant quand même, beaucoup moins puissant, on va pas se cacher, <laughs> sur mmh, vraiment pu moins, vraiment puissant. moins en puissant, vraiment 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 moins puissant, même si. Franchement, parmi eux, je les kiffe euh, pratiquement tous. Hein. Ah, attends, ils vont tous se coucher. Bonne nuit de la part de Thomas. Bonne nuit Thomas, je te souhaite une très très belle nuit. Merci à toi, surtout, pour tous tes dons, pour tout son tout soutien et pour tes jolis messages. Ça m'a fait très très plaisir et je te remercie beaucoup, beaucoup et surtout fais de beaux rêves. C'est surtout ça qui compte. Pas de cauchemars, parce que je peux te dire, hein, les cauchemars, hein, merci. Donc voilà, on arrive à la partie sur Miox et Chance. Alors que dire sur Mio et Chance euh, C'est une partie que j'ai ajoutée, que je voulais ajouter dans ma review, mais que j'ai du mal à théoriser là-dessus, dans le sens où euh, j'arrive pas à bien comprendre euh, le lien qui unit euh, qui unit Mio à Chance. Déjà d'une, ils étaient rivaux, les plus grands rivaux, et j'ai l'impression que Mio il a un certain respect pour Chance, tu vois. Du fait qu'il ait perdu un bras, il veut plus combattre, etc. Mais comme on l'a vu à Marineford, il avait dit :« J'ai accepté de participer à cette guerre contre Blanche, mais en aucun cas le roux ne faisait partie de notre arrangement. » C'est-à-dire qu'il il veut même plus me toucher, tu vois Il est genre euh, réfractaire à tout, à tout contact possible en tant qu'ennemi avec le roux. On dirait vraiment des, des des gigabros mais ennemis en même temps. Je ne sais pas comment dire. Euh... Je ne sais pas si c'est je sais pas c'est trop compliqué de savoir exactement. Ouais. Euh... Euh, Déjà, leur relation elle est bizarre, on sait pas d'où elle vient, d'où elle sort, à part le fait qu'ils se foutent sur la gueule ouais. avant. Euh... On sait pas grand chose, euh... et pourtant il y a quelque chose qui les unit, tu vois. Donc, mm -hmm. ce passage, j'aimerais bien que Oda le développe pour connaître en fait leur passif. De la même manière, en fait, on connaît plus le passif de Baggy et Shanks que de miok et Shanks, alors qu'ils sont pour, ah, pour plus... le coup euh, des, des rivaux euh, de, de l'ancien temps, quoi. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment. Euh, voir ça. Attends, c'est écrit Nina, regarde. Euh, oui, bien, oui, j'ai raté quoi? Encore un don de Thomas. <laughs> oui, je l'ai raté lui. <laughs> merci beaucoup. Allez, va te coucher s'il te plaît. Je veux pas que tu te ruines vraiment. Merci, merci, merci et encore merci. Il a dit j'envoie un dernier don pour ce soir. Merci à tous. Merci à Arin d'avoir euh, euh, remis le message. Je l'avais pas du tout vu. Merci beaucoup à toi. Je te souhaite encore une belle nuit et, euh, et j'espère que vraiment tu as passé une bonne soirée avec nous. Même si on était un peu à l'ouest ce soir, euh, j'espère quand même que vous passez une bonne soirée parce que avec Goji on a on est éclatax, je pense que ça s'entend à nos voix. Mais parce qu'on vous a préparé une belle surprise aussi que Goji va vous faire découvrir bientôt. Oui. Et j'espère vraiment tôt. que ça va vous plaire parce que on y a travaillé de 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 fou. Ça a pris euh, ça a pris plusieurs jours de travail et tout. C'est euh, j'ai trop hâte que vous voyez ce, ouais, ce, ce ouais. que va vous montrer Goji sur sa chaîne. C'est euh, c'est génial. J'ai trop hâte. C'est pas pour vous teaser, mais. Euh... Je vous disais un peu quand même. Vous, <laughs> ah ouais. vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer. Je l'espère, en tout cas. Oh, j'en doute pas, perso. Je l'espère. Donc, du coup, on revient à Mio et Shanks. Donc, c'est le, le côté, en fait, que j'ai quand, quand même hâte de découvrir entre eux. Euh, et, que, et que ça reste quand même, euh, je sais pas, c'est énigmatique entre eux. Leur, leur relation, elle est trop énigmatique à Mio et Shanks. Ouais, je suis bien d'accord. Et sinon, la seule chose que j'avais notée d'intéressant aussi, c'était le roux barbe noire chapeau de paille. Tu voudrais qu'on aille tous les affronter. Alors attention, euh, là, quand Mio qui dit ça, c'est pas du tout en mode j'ai peur d'eux. C'est plus dans le sens où. Euh, tu crois vraiment qu'on va aller affronter le roubarbe noir chapeau de paille pour ta gueule, Baggy Mais tu planes. On a, dit tu t'es trop cru pour je sais pas quoi. Je pense que moi en tout cas je l'ai compris dans ce sens et je crois que Shump avait confirmé la, la, la... le sens de cette traduction en japonais. C'est euh, c'est dans ce sens qu'il faut le prendre. C'est pas du tout euh, le fait que Mio a peur de les affronter, mais davantage du fait que euh, il va pas les affronter. ils vont pas aller les affronter pour que Monsieur Baggy devienne euh, roi des pirates. C'est bah, comme ça. Oui, sachant que ça a pas l'air d'être leur motivation à eux d'être des pirates pour le coup. Euh, en ouais. fait, ils ont ils ont pas l'air d'avoir enfin moi pour moi, Miyoki Kokoda, ils ont pas l'air d'avoir vraiment d'intérêt vis-à-vis des autres pirates quoi. Simon, il dit oui, bah donc c'est parce qu'ils ont peur. Non, je pense vraiment pas qu'il a peur. C'est pas une question de peur en fait, c'est une question d'organisation et euh... Après de toute façon, <laughs> soyons... soyons sérieux, quand deux équipages se combattent, c'est vraiment justement deux équipages. Là, s'il y a juste euh, Crocodile et les Mio qui tiennent un peu la baraque de la Cross Guild, euh, évidemment que face à Luffy, Barbe Noire ou même Shanks, euh, la Cross Guild va se faire poutrer en long et en large et en travers. Quand t'as quand as des, des, des équipages à côté comme ça, euh, voilà. Et comme on en parlait tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de, de grands noms dans la Cross Guild pour peut-être oui, vraiment. Euh... c'est En fait, ils sont que trois réellement, même pas. Euh... En clair, Baggy, là, on peut, on peut clairement l'enlever. C'est, Il n'est même pas comptable dans la liste. Et Crocodile, faut pas oublier quand même qu'il a été le premier ennemi de la fille. Et qu'il a réussi à le vaincre, je le rappelle, sans gear, sans acquis, oui. <laughs> sans, ouais, sans rien clairement. du tout. Bon, ça, ça reste un débat parce que malheureusement, Crocodile, n'a pas eu de chance, ça a été le premier antagoniste de la fille. Et il n'y a rien de pire pour un shonen. Donc euh, Crocodile, ça reste quand même un homme hyper puissant. Il hein. ne faut pas se pleurer, hein. ça reste un goth. Hein. Mais je dirais que... Euh, pour moi, la Cross guide si elle reste avec que ces deux personnages, enfin ces deux personnages forts entre guillemets, d'autant plus Mioc, euh, affronter quand même l'équipage de Luffy, affronter l'équipage de Barbe Noire, tout en sachant qu'en plus ils ont tous des alliés, ils ont des flottes. Malgré tout, les flottes, elles sont puissantes. Ah bah, C'est vrai que pour ça, Barbe, la Cross guide ils ont énormément de pirates et de, de sbires, mais euh... En tant que grand monde, je pense pas qu'il soit vraiment. Euh... Excuse-moi, mais c'est pas Alvidia qui va pouvoir gérer Ben Beckman. Tu oui, c'est ça. Attends, je te, laisse, je te laisse meubler parce que je suis en train de vas m'étouffer. <laughs> vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, ouais, non, moi, je. Je pense pas vraiment que. De ah, toute façon, là, là Baggy l'a bien prouvé dans ce chapitre. Il n'y a que lui qui est vraiment intéressé dans la course au One Piece, dans la course euh, à être au roi des pirates. C'est lui qui a, qui a, qui a déclaré. Mioke et Crocodile, eux, ils ont l'air de s'en foutre un peu. Donc, oui, je pense pas que Biok déplore vraiment une peur d'affronter si ou ça. C'est juste que, de bah, toute façon, en vrai, là, actuellement, la cross-guide essaie d'attaquer n'importe quel équipage un peu euh, impérial. <laughs> ils, se font, ils se font fumer, je pense. Ouais. Donc, euh, oui, après, individuellement, ils doivent avoir quand même de la puissance. Moi, bon, après, je ne je saurais pas, je pas euh, euh, classer la puissance de Biok vis-à-vis de ci ou de ça, les, les fameux rapports de puissance et les débats. Et débat qu'il y a autour de ça. Juste, je me dis que. Faut pas non plus trop le sous-estimer, le ref. Hein ça reste quand même l'épéiste ultime. Euh... Parce qu'il est appelé euh... le plus grand épéiste au monde. C'est le numéro 1, euh, Mihawk. Ah oui, C'est-à-dire que quand on voit Zoro, euh, à quel point il est fort, je vous rappelle ce qu'il a fait à, à Kaido. Hein C'est pas rien. Hein C'est pas, pas non plus le fils Zoro. Mais Mihawk, ça reste quand même le personnage ultra puissant. De, de le sous-estimer, je, je trouve que c'est totalement une erreur. Et de toute manière, dans One Piece, n'oubliez jamais qu'à partir du moment où Oda vous fait pas véritablement combattre les gens, on peut pas les jauger. À ce sorti, Mihawk, le seul véritable combat qu'on avait vu, c'était contre. Même pas, contre. Même pas, Même pas il a jamais fait, fait de véritable combat. Quand tu vois comment il avait Peta en plus Zoro à l'époque, qui n'avait pas de grand niveau, je veux dire, on, est... on peut pas encore jauger de sa puissance. Euh, et, et jauger ce qui vaut véritablement. Moi, je suis pas d'accord sur ça. Et d'autant à Marineford. Marineford, Marine Ford, faut jamais oublier, au passage, que euh, je rappelle que Barbe Blanche était dit l'homme le plus fort du monde, et que quand vous voyez ce qu'il a fait à Marineford, je le sais parce que j'ai quand même étudié tous les chapitres euh, où Barbe Blanche avait une interaction dans Marineford, et euh, bah, il n'a pas éclaté grand monde. Hein. Pour euh, le mec dit l'homme le, le plus fort du monde. Alors on me dire il était malade etc etc. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi quand t'as une réputation comme ça, y a au moins un mort qui passe. Hein. Je suis désolée, hein. y a au moins un mort. Hein. Donc bref. De toute façon les rapports de force moi c'est c'est pas du tout mon délire. <laughs> je les étudie pas du tout. Donc euh, moi tant que, si Oda demain il a envie de faire gagner un personnage, il le fera gagner quoi qu'il en coûte. Et on l'a très bien vu avec Crocodile face à Luffy. Donc euh, pour moi, je pourrais jamais jauger un perso enfin, les rapports de force dans One Piece. Je pourrais jamais véritablement jauger comme euh, je pourrais le faire par exemple dans Bleach. C'est pour moi trop différent dans, dans One Piece. <coughs> oui, il a enterré Akainu, bah, mais après, je veux dire, et a il a fait quoi d'autre Qui est mort Moi, c'est ça qui me dérange. Qui est mort Je veux savoir qui est mort. Ce... Non, mais après c'est pas une après, pas une question qu'il soit mort. Euh... Enfin je veux dire Barbe Blanche avait pas besoin de vaincre un personne afin de tuer un personnage pour le vaincre. Non mais exemple. pas que je veux pas... je veux pas dire que ça mais ce que je veux dire c'est que quand tu analyses et comme je te jure je les ai analysé les chaque page de chapitre de Barbe Blanche ses interactions et j'ai trouvé oui, non, que mais je vois qu'en tant qu'homme le plus puissant du monde et le plus proche du One Piece il n'était pas en... en termes de puissance il était dans... il était entre guillemets pas à la hauteur de son de sa, de, sa, de, son, de, sa, de sa réputation parce que bah, il, a, il, a, il a concrètement vaincu à part des, des randoms comme des vis-amiraux qui sont quand même des randoms on va pas se le cacher hein, vis-à-vis d'un empereur comme lui euh, voilà il a pas il a pas il n'a pas vaincu un amiral par exemple' il a pas euh, il a pas en fait c'est après c'est le scénario qui a voulu ça il aurait très bien pu le faire c'est juste que odal a été en mode bah, non, il il ne vaincra personne d'aussi de, de, important. Pourquoi ben, Je ne sais pas. Oui, c'est pour pas ça fait. que je te dis vraiment, pour moi, Oda, s'il décide euh, de, de, qu'un personnage gagne ou perde, il ne le fera pas forcément en fonction de sa réputation comme on peut le croire. Pour ouais. moi, c'est véritablement ça. Et Mio pour l'instant, moi, je ne l'ai pas vu véritablement à l'œuvre. Tout comme je pas vu, euh, là, par exemple, Shanks. Là, je l'ai véritablement vu à l'œuvre. Face à Kid. Il y a pas eu... En fait, il... ça s'est passé comme ça. Hop, en one shot, tu vois Là, je l'ai vu à l'œuvre, merci, au revoir. Et, et Kaido, on l'a vu à l'œuvre avec Luffy, combien de fois il l'a péta. Alors que pour moi, la guerre de Marineford, c'est en réalité pas tout à fait une guerre. C'est, C'était... Je sais pas comment dire, C'est, je sais pas comment l'exprimer, cette guerre de Marineford, comment elle s'est passée. Quand t'as autant de têtes d'affiches euh, qu'il a eu à Marineford, pour moi, il n'y a pas eu assez de, de... Je vais revenir sur les morts, mais... Quand à une guerre pareille, faut bien se rendre compte de qui y avait à Marineford. Ouais, ouais mais ouais, mais ça après, c'est ça c'est. Enfin, tu sais que là, tu vas revenir sur un truc où c'est c'est entre guillemets stérile dans le sens où euh, il avait pas, il était pas. Enfin, à part Ace et Barbe Blanche, il voulait tuer personne dans ce truc. Oui, c'est pour ça que je te vrai... dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. Pour moi, la guerre de Marineford, n'était pas une vraie guerre comme on pourrait l'imaginer en, en tant que que guerre actuelle. Tu vois la guerre, actuelle, la guerre qui, que Coda prépare aujourd'hui, quand il disait la guerre que je vais faire à côté Marineford ce sera du pipi de c'est bah exactement le sentiment que j'ai moi par rapport à la guerre de Marineford. Parce que la guerre de Marineford c'était pas une guerre qui se voulait destructrice comme une guerre mortelle qu'on voit aujourd'hui euh, avec tous les événements cataclysmiques qui se passent. C'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je ne pourrais jamais jauger les personnages, leur force, leur puissance par rapport à la guerre de Marineford. Ah ouais, non, c'est ça. C'est ça en fait que j'essaie d'expliquer. Oui, tu aurais mieux fait de commencer par là et puis finir là-dessus. C'est Très explicite là. Là, j'ai su mieux m'exprimer. Mais c'est en tout cas ce que j'en ressors de la guerre de Marineford. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai réussi à dire. Ah bah R1, il est totalement d'accord avec moi. Merci, je suis bien contente. <laughs> donc bref, c'était la partie Mihawk. De toute façon, Mihawk fait toujours débat, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, en tout cas, euh, moi c'est un personnage que j'apprécie bien et j'ai vraiment vraiment hâte de le voir, euh, de le voir combattre euh, comme il se doit. Bref, la guerre pour le One Piece est donc ouverte, ça y est. Qui des quatre, Qui des quatre empereurs atteindra l'Aftel en premier On a donc Baggy avec la Cross Guide, Shanks barbe noire et donc Luffy avec les Mugiwara. Et là, c'est la grande question que je me pose parce que pour moi, c'est évident que ce sera toujours Luffy puisqu'il est censé être le roi des pirates. Mais là, je me demande si finalement Oda nous ferait pas un brain et que Luffy n'atteigne pas la en premier. Et là, ça m'inquiète. Genre quelqu'un arrive avant lui. Et si c'était le cas, qui ce serait Imagine. Est-ce que c'est possible pour toi que Barbe noire pour toi Bah. Ouais, quand même. C est... C est pour... Après, vu que pour moi après pour moi, c'est l'antagoniste ultime de One Piece, je le verrais trop être là-bas, attendre le film, puis en mode Ah C'est toi la clé C'est toi le mec qui rigole tout en blanc, là <laughs> Tu peux m'ouvrir <laughs> le coffre Tu peux, tu peux faire tes <laughs> trucs de cartoon, là, pour ouvrir le. La... Mais ouais, c'est. Euh... Je me demande vraiment si finalement, ce sera tout premier après Roger à atteindre l'Aftel. Je sais pas. J'arriverais pas à savoir. Pour vous dans le chat, est-ce que Luffy va être le premier à atteindre la après Roger, donc le, le, le prochain qui atteindra la tête enfin, ouais. Qui ce sera parmi les quatre empereurs Qui va réussir à atteindre la en premier Alors snipe il dit BN. Johan, 100% que Luffy. hum. Mm -hmm. Il en fait, y, y a tellement de scénarios aussi qui pourraient coller. Genre, une guerre sur Laftel, c'est totalement possible. Ou alors que Oda, il garde bien Laftel intacte, Genre, pour que ce, le prochain qui pose l'épée, ce soit Luffy et juste Luffy, tu vois. je euh, ah, Il y a tellement hein. de... Ouais, 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 ça... Tu vois, c'est pas normal qu'on arrive à avoir autant de, de, de discours différents. Il y en a qui disent mm -hmm. Stitch, il y en a qui disent Baggy, il y en a qui disent Shanks, tu vois. Il y en a qui disent Luffy. Mm -hmm. Et on n'est pas censé normalement, se poser la question. Je veux dire... Si vous aviez pas eu l'arc actuel de, de, de Egghead, j'appelle ça l'arc Egghead parce que c'est plus simple à résumer, si on n'avait pas eu cet arc, pour vous, dans la, en toute logique, ça aurait été Luffy qui, qui atteindrait la stèle. On ne se poserait même pas la question que ce soit Baggy, Shanks ou Barbe Noire, enfin peut-être Barbe Noire à la rigueur, mais pour les autres jamais. On se dirait forcément que c'est Luffy. Or, avec ce chapitre, j'ai l'impression que les cartes ont, ont été redistribuées, qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir si oui ou non... Ce serait bien le qui atteindra euh, Rastel avant eux. Et ça, ça grave. Je me dis waouh, ça craint qu'on se pose cette question quoi. Ouais, c'est ça qui est cool. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui est vraiment cool. Attends, je vais essayer. Je vais re... Attention, je vais refaire un sondage. Si j'y arrive. Waouh. Alors. Ah ouais. tout pété ce soir. Ah mais bah attends. Hop. Et là, comment on ajoute Mais moi, je veux pas ça, moi. Je veux pas oui ou non. Comment on efface ce truc <rire> Merde, <rire> attendez, j'ai ah, voulu, bah... voulu faire la grande, mais en fait, je sais pas faire. <laughs> Dans le sondage, il y a que moi, oui ça. ou non. non mais... Ah, c'est ça, peut-être. Démarrer la session question-réponse. Non, pas du tout. Enfin, je suis vraiment une qui, je suis désolée. En fait, c'est que tu. Voilà, ah, tu cliques trop vite. Voilà, et je veux pas ce oui ou non. Ah, on peut changer Mais oui Ah, je savais pas <laughs> Désolée T'as vraiment. Vous avez une youtubeuse, elle est vraiment en carton. C'est terrible. Hein. C'est vrai. Hein. Je sais pas comment vous faites pour être abonné. <laughs> Mais je me donne du mal. Je le fais avec amour, toujours. Hop Voilà Loufou. <laughs> Et là, je pose la question. Tac. C'est bon, normalement ça devrait marcher. J'ai pas fait trop de conneries. Je crois. Merde, ça a normalement. On Je crois que ça va pas ah, marcher. J'ai pété, je, le, dire, pété si, le truc. Bon. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Eh merci Nitram. Merci CCB. Ouais, je bosse pour l'INSEE. <laughs> Exactement. Pour l'instant, c'est Luffy en tête. Direct, instant. Ah, c'est serré en tête. Ah, serré bon, Non, à part Shanks, mais c'est ouais. euh... je vois bien Shanks aux portes de la ftèle. Tu sais qu'il l'attend. Genre, il l'attend devant la Vtel. Et. Euh... Oh, et Luffy. C'est le moment qu'on se retrouve. Allez, maintenant, tu vas devoir me dégommer si tu veux atteindre cette. Si tu veux ouvrir la porte. Vas-y, on va se battre. Et comme ça, après, lui, rend son chapeau. Non, mais il faut quand même que sur la il ait son chapeau. Non, non, ça va pas. Le scénario que je viens de donner, ça va pas. Parce qu'il faut forcément que sur la il ait son chapeau et qu'il lui rende après la Il faut qu'il soit rodé pirate. Attends, il lui avait dit quoi à Shanks exactement il Devient plus fort ou. Quand est-ce qu'il devra lui rendre son chapeau mmh, La prochaine fois qu'on se verra Non. Non, 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 il lui a dit un truc précis. Je vais rechercher. Attendez parce que ma co elle déconne totale. Dès que je suis en stream, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il faut oui, quand pas se passer... un grand pirate, ouais, ça. Quand tu oh, en soi, Il, est il déjà a juste dit... Pirate, bah oui, c'est pour ça. Je veux dire après Wano, ouais, non il pouvait... Là, il était au summum, hein, déjà. Il a éveillé le il avait éveillé Nika. Euh... Attendez, je vous retrouve la page. Ça va être plus simple j'y arrive et lui dit désolé pour les clics -clic. tac 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 alors je te confie mon chapeau j'y tiens beaucoup je compte sur toi pour me le rendre un jour voilà <laughs> un pirate voilà. ah, de ce Ah, quand tu seras devenu un pirate digne de pardon, j'ai oublié la Parce qu'en fait, j'ai mon micro, il est pile dans l'angle de la deuxième boule. Et du coup, j'ai que la première, mais pas celle de gauche. Est dans <laughs> il est dans l'angle mort. Il est dans l'angle mort, exactement. Donc, du coup, il lui dit juste quand tu seras devenu un pirate digne de ce Donc, même pas roi des pirates en fin fait, de compte. Donc, mon scénario de je me tiens aux portes de la j'y vais pas, je t'attends, c'est pas une vanne, hein. Il peut, tout à fait, il peut tout à fait avoir ce scénario, du coup. Mmh, exact. Aux portes de Laftel, il lui rend son chapeau. Ah, oh, ce serait fou. Ce serait fou. J'imaginais, c'est ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, sur 120 votes, c'est Luffy, pour vous, qui atteindra le premier Laftel. Pour toi, c'est qui Tu m'as dit Barbe Noire. Ouais, bon, on va dire pour... Euh... aller pour le, le beau jeu, on dirait Barbe Noire. Ouais. Barbe Noire qui est là ils Arrivent plus ou moins en même temps. Bah, moi, je... par contre, si vraiment si c'est un truc comme ça qui se passe, ça va me saouler. Genre qu'ils a... se mettent à arriver en même temps sur la FTL. Alors que la truc a été euh, est, est poussiéreuse depuis 25 ans et encore 800 ans auparavant. Ah, euh, moi, je pense qu quand même, même, moi j'ai adoré la bataille navale, vraiment. Cette idée ouais, de après, bataille. J'avoue qu que je sais pas comment ça pourrait être introduit vraiment en termes de cohérence, mais après, j'avoue que j'aime trop le concept d'une bataille navale pour la mm. dernière île entre tous les empereurs. Euh... Ouais, j'aime beaucoup. Pour le coup, franchement, ça m'a mis le doute. Moi, j'ai toujours pensé que le fille allait être le premier. Mais là, ouais. j'avoue que ça me ça me surprend, je sais, je sais pas. Je, je, me... je me suis surpris moi-même. Ouais, je pourrais pas je pourrais pas être sûr de cette réponse, du coup. Mm. Je dirais la fille, mais barbe noire, quand même, ça me tend. Hein. Ça me tend beaucoup. Enfin, bref. De toute façon, je laisse le sondage jusqu'à la fin du live. Comme ça, vous aurez le temps de décider. Parce que ça fait quand même 2h32 et il faut vraiment qu'on finisse cette review. On est sur la dernière partie puisqu'on atteint les révolutionnaires. T'as qui t'a fait un don. Mais... Ah bah alors j'ai... Tu l'as déjà lu En fait ah, non, j'ai bugué. J'ai bugué. J'ai plus de... J'ai plus rien. Il y a tout qui a buggé. Alors je vous laisse patienter deux petites secondes s'il vous plaît. Parce que mon PC a crash. Tout va bien. Et tu peux peut-être essayer d'enchaîner un... Essaye sur les révolutionnaires en, en freestyle. Ouais, révolutionnaires. J'ai tout qui a bugué là, j'ai plus Alors. rien. Ça marche plus. Alors, les révolutionnaires. Alors... Euh. Toi, je sais pas encore ce que t'as dit dessus. Bon, moi. J'aimerais commencer à vous spoil le, le, la suite de la review, mais. j'essaie de me retenir. Mais quand même. Qu'est-ce qu'il y ça marche plus. Non, mais ça marche plus du tout. Non. Qu'est-ce qu'il y a buggé, concrètement à concrètement concrètement Tout mon maudit là. que tu peux pas faire. C'est rien, je gère, je gère. Tu peux me balayer en attendant. Désolé, mes petits abos. Je gère, je suis informaticienne à un temps perdu. Bon, alors ouais, alors là, petit doute. J'ai fait alors, des sondages, mec, ok ah, Excuse-moi, c'est vrai, vrai que là... <laughs> on n'oublie jamais. Moi, je ne moi, pas en faire un sur Twitch. On est d'accord. Euh, oui, alors. Est-ce que... Alors, est, on ne va pas parler du, du plat principal parce que... Bon, quand même, euh, on va laisser à Nina, mais... Vous en avez pensé quoi, vous, des vice-capitaines des, euh, des révolutionnaires Parce que... Ah, moi, je suis, je suis un peu mitigé. Je suis mitigé parce que d'un côté, je trouve euh, la vice-capitaine de Belo Betty euh, qui pète le flot un peu à bah, la façon de Belo Betty, justement. Et euh, ouais, ils sont un peu quand même aussi un peu OZEF. Enfin, sur, surtout les, les trois autres, ils étaient là en mode. Bah, ils, avaient, ils avaient le design un peu typique du vice-capitaine que tu veux faire un petit peu plus stylé, mais pas, pas ouf. Donc. Euh... Ouais, ouais, Bello Betty, après, c'est la God, j'avoue qu'en termes de mentalité et tout, même en termes de design, elle est vraiment trop stylée. Mais, euh... Mais, euh... ouais, vraiment, moi, je, 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 ai trouvée, euh, je les ai trouvés assez random. C'est une Morlaix à faire rire, Ouais, j'avoue, c'était les... une vache, non D'ailleurs, ça doit être un mix. Je sais même pas. Peut-être c'est un fruit du démon. On a déjà eu du mal à situer euh, l'utilité de décapitaine. C'est pas totalement faux. Parce que. Comment dire. En fait, les, 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 que les quatre capitaines aient, 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 aient débarqué sur Lulusia à l'époque pour libérer l'île, alors que limite, de ils auraient pu le faire. Il y en a un seul qui aurait pu le faire, je pense. Hein. Bon, juste Bello Betty, déjà, aurait été suffisant, mais bon. Euh, J'avoue que c'était un peu. C'est ouais, un peu chaud encore pour l'instant de les, les situer. C'est ce que je me disais aussi pendant la lecture du chapitre. Je me disais, mais attends, parce que ces mecs-là, avec leur vice-capitaine, chacun va devoir avoir un petit peu un truc à faire. Mais ils vont servir à quoi concrètement Ça va être. Euh, parce que, en, bon, en termes de puissance, euh, juste là, bah, la, la vice-capitaine Pélo elle avait l'air d'être quand même capable de péter un navire, apparemment, avec son arme, avec son bras, pardon. C'est assez étonnant. Euh, alors attendez, Nina me fait des appels de phare. Euh... Non mais il y a tout cassé Non, fais, ch fais changer de compte. Il y a tout qui a cassé Il vous fallait ma validation par téléphone et tout. Non et mais c'est fais... non, 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 parce que tu faisais pas les bonnes choses, je pense. Vas-y, fais, ouais. Je yo. suis désolée. Hein. C'est les aléas du direct. <laughs> et après euh, tu descends Attends, là. Euh, Ouah diffusion direct. Non, je crois même si pas. Si si c'est ça c'est ça, ça là. Ah ok. Attends, je sais mieux que toi c'est fou. Mais ouais, non vraiment, en fait. Je stream pas, là. pas sur un machin. Non non c'est oui, pas mais là. Oui c'est pour ça. En fait c'est que t'as trop ce truc et Nina ça n'en fait un elle clique trop vite partout où elle veut. Désolée. Voilà là c'est ici. Tu voilà. laisses pas le temps de checker les trucs. Ah là c'est bon je vous ai récupéré. Ah. Oh je suis soulagée. C'est bon je suis là. Voilà. Eh oui ils sont là pour meubler pour le coup euh. Voilà vas-y tu peux reprendre ton petit euh, ta petite review. Oups, j'ai failli signaler R1, bichette. Merci pour ton don R1, t'es adorable. Je serai pas au niveau de Thomas, mais j'ai fait un petit don à ma hauteur pour vous remercier tous les deux et vos équipes de m'avoir accompagné avec vos vidéos pendant mes partiels. Merci. Ça, c'est un trop, ah, trop merci. beau message. Et t'inquiète pas, t'as même pas besoin de faire de dons, vraiment. C'est euh, à ta hauteur, déjà, rien que de nous laisser des messages et, euh, et tout votre soutien, c'est déjà énorme. Donc euh, d'un, je te remercie pour ça. Et de deux, je te remercie... Euh, en plus de ton petit don, c'est trop adorable. Et c'est un énorme don, ne crois pas. C'est vraiment adorable de ta part. Merci beaucoup. Et d'autant plus pour ton joli message. Merci. Et donc, euh, j'en étais où Désolée, je t'ai coupé en pleine... En pleine... Continuez Ok. Alors, est-ce que ça a marché C'est bon, ça fonctionne normalement. Et on en était là. Voilà, sur euh, les, euh, les subordonnés des quatre commandants révolutionnaires. T'avais dit quoi du coup Tu les trouvais un peu random Ouais, on disait qu'on les trouvait un peu random. C'était pas forcément. Euh... Voilà, ils n'étaient pas non plus. Euh... fous. Enfin voilà, ils sont, ils sont... Ils sont atypiques. Mais mmh. euh, pour l'instant, euh, rien de spécial à part. Euh... Ouais, j'ai kiffé par contre la meuf, euh, la subordonnée de Bélo Betty. De ouais. Betty. Oh, vraiment, Bélo Betty, elle a un flot de fou mais alors sa subordonnée elle est elle a autant enfin pas autant mais elle a aussi du flow, tu vois vraiment l'équipage de Billy est trop stylé vraiment trop stylé moi de toute façon les subordonnés des enfin les... les quatre commandants révolutionnaires je les trouve hyper badass perso les quatre hein. même bon peut-être un peu moins Morlet mais les trois autres vraiment Lindbergh et tout c'est mais... moi j'adore ah, moi j'aime bien l'attitude de Morlet il, il est marrant ouais euh, il est pipou. ouais je trouve qu'il est euh... il est dans son dans son truc il est Là, en fait, il est, justement, il est totalement décalé. Je trouve ça, mm. il va bien avec le reste des révolutionnaires qui sont tous. dans euh, tous une. Un, un, un design, une psychologie, ouais. tiens, un caractère différent et décalé. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Et ça va. Moi, je trouve. En tout cas, dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont très stylés, les, les, les ouais, commandants ouais. et tout. Et il y a juste. Ouais. Bon, les têtes, elles me paraissent bizarres, mais un, ils sont peut-être intéressants. Il y a juste la vache. Moi, j'aime pas. Franchement, je vous dis la vérité, quand on dessine des humains en animaux, ça me fait peur. Je sais pas, et je vous assure, quand, quand, à part peut-être les, les, quand c'est des zoans, euh, tu vois, avec les fruits du démon ah ouais, quand ils ont leur quoi, faim. Mais du coup, t'as Mais tu sais pas 3 pour... 3 Zou, alors Mais oui, parce que je sais pas pourquoi, ça me terrifie. Je sais pas comment exprimer ça. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai l'impression que c'est trop bizarre quand un animal comme ça se. Tu vois, à part les minx, peut-être, parce que j'ai moins... c'est plus des, des mammifères, tu vois, ils sont plus. Euh, je sais pas comment dire. Mais là, la vache, genre, elle, elle ressemble trop à une vache. Ouais, J'avoue que, que la vache, elle est un peu flippante. C'est pour ça que je me suis dit, je me demande, même si c'est pas, pas un zoan, parce que le, son, son design est, est, est pas habituel. pour. Ouais, euh... c'est. Je sais pas, c'est bizarre. Parce que même, même quand il y avait un taureau en termes de, de Mings, bah, ils étaient euh, pour le coup, il était vraiment stylé. Il euh, ressemblait à la fois bien à un taureau et à un humain, tandis que la vache, là. Finalement. Ouais, la, là, franchement, la vache, ça, ça me fait flipper. Je sais pas pourquoi elle me fait peur comme ça. Mais, euh, je sais pas, c'est peut-être moi, hein, Mais euh, non, Bepo, par exemple, il est trop mignon. Il est trop pipou. C'est un ours. Je vois pas la différence, c'est vraiment un ours pour moi. Il juste, il parle, il, il est un peu plus humain. Mais, mais le, le, je sais pas, la vache, vous trouvez pas ça bizarre de de, de l'avoir comme ça, je sais pas Moi, ouais, elle me fait ouais, peur. Non, un petit peu peur. Je suis furifo, bi. Je sais même pas ce que c'est. <laughs> pas... Ah oui, les fourris, là, les trucs qui se déguisent en... Je crois que c'est gens qui se déguisent en animaux, ou je sais plus. J'ai peur de oui. dire une bêtise, donc je préfère pas en parler. Oui, c'est pour ça, je dis rien. Voilà, je dis rien oui. parce que moi je suis sans filtre et j'ai pas envie de froisser qui que ce soit, donc je préfère me taire quand je connais pas les sujets. <laughs> voilà, mais Bepo il, il est trop pipou, comme Chopper, c'est trop pipou. C'est trop trop pipou. Mais bon, en tout cas, j'aime quand même bien cet équipage. J'aime vraiment, j'aime. Enfin, équipage, on se comprend, hein, ce, cette unité plutôt. Mais ouais j'aime beaucoup. Je sais pas, j'aimerais bien connaître la, surtout la meuf là. Elle est trop intéressante. Elle s'appelle... J'ai pas... Pour une fois, d'habitude, j'étudie je, je, les noms de chacun et tout en japonais. Mais euh, là je me suis dit je vais pas trop le faire parce que comme vous avez vu, on a 30 pages à étudier. Donc j'évite Nexté, parce que sinon on y sera encore jusqu'à 4 heures du mat. Donc voilà. Enfin bref, passer les révolutionnaires, euh, les commandants révolutionnaires et leur, euh, leur unité. Sabot et donc envie, c'est officiel Donc euh, pas de surprise, hein, vraiment moi personnellement je voulais dire Rodi, je, je, je l'ai répété 15 milliards de fois dans mes reviews. Il n'y avait pas de doute qu'il soit en vie. Euh, je voyais pas l'intérêt. Le seul peut-être truc que je me demandais c'était est-ce que c'était bien Sabo qui a passé le coup de fil euh, parce que je m'étais demandé euh, le truc bizarre c'était le Den Den blanc qu'il n'avait pas utilisé. Mais là dans ce chapitre il nous l'explique justement il n'en avait pas trouvé et j'avais aussi dit dans ma review euh, que c'était bizarre que les révolutionnaires n'avaient pas un code entre eux et justement dans ce chapitre il est précise euh, qu'il avait donné le code à trois temps donc euh... Sabo est en vie, je... J'ai pas grand-chose à dire, parce que... Bah, ça paraissait trop évident, en fait. Je, je, suis... je suis pas surprise. Je sais pas comment dire. Est-ce que vous êtes surpris, vous, de savoir que Sabo était en vie non, parce... Je pense vraiment qu'ils vont te dire non, parce que... Enfin, Et pourtant, il y en a beaucoup, à l'époque, qui me disaient... Non, non, Sabo est mort, hein. Non, moi, moi, tu vois, pour le coup, j'en ai pas vu tant que ça. Je pense que c'est... Peut-être parce que t'as dû en voir quelques-uns qui... Qui, euh, qui... Du coup, ça t'a choqué qui pensent ça, mais... Globalement, je pense vraiment ouais, pas que les gens pas. étaient surpris de. Mm. Euh... Moi, je suis. Non, mais j'en avais vu à l'époque qui... qui pensaient vraiment que le sabot était mort. Hein. On avait eu des débats, je t'assure, et il y a vraiment beaucoup de gens qui ah, pensaient ouais. quand même qu'il était mort. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, beaucoup, oui, tout le monde dit non. Et il y a Luca qui dit Je n'aime vraiment pas la survie de sabot. La marine n'est pas capable de localiser normalement quelqu'un, c'est grave pour eux. Et pour le coup, je le rejoins totalement. Parce que c'est un débat que j'ai eu avec. Euh... Avec Gogi avant la review, où je lui disais justement qu'encore une fois, la marine elle brille vraiment pas. C'est une catastrophe. Je veux dire, euh, ils ont localisé Sabo près de, enfin, sur l'île de Lillusia, alors que tenaient sur un navire à côté. D'autant que quand on voit quand même le périmètre d'attaque de de, de him, enfin I'm supposément him, euh, on peut se dire que le navire, déjà, il était quand même bien plus loin. Parce qu'il y a quand même un grand périmètre qui entoure l'île. Donc tu sais que Sabo s'y trouvait pas. Il était vraiment à côté, euh, bien, bien plus loin. Donc ça veut dire qu'ils n'arrivaient même pas à localiser une, une, une truc précise, quoi. Donc ça, ça m'a dérangé Et d'autant plus, c'est ce que je disais à Goji. Ce qui m'a gêné c'est que ce pays, Loulousia, était censé être euh, affilié à la rêverie. De 1. De deux, le fait d'être un pays qui est affilié à la rêverie, c'est un pays qui bénéficie aussi de la protection de la marine. Or, à ce moment-là, le royaume de Lulusia, il était attaqué par son peuple. Ils étaient en, en phase de révolution. Et techniquement, la marine aurait dû déjà intervenir à ce moment-là. Il y a même le roi de Lulusia qui avait dit euh, euh, quand la, le QG de la marine va débarquer, vous allez rien comprendre, machin. Donc, c'est-à-dire que la marine, à ce moment-là, avant que l'attaque de Him soit faite, d'un, il s'était toujours pas déplacé, et de deux, même après que Him ait envoyé son attaque, il n'y a eu aucun marine aux alentours. C'est-à-dire qu'il n'y en a même pas qu'ils allaient sur la route, quoi. Et du coup, Sabot, il a pris, il était dans un navire de Lulusia. Et personne n'a intercepté, personne n'a capté son navire, rien du tout quoi. Et, et comme d'habitude, la marine, elle passe vraiment pour des bleus. Je vous jure, je voulais même, et pour tout vous dire, je voulais même faire une vidéo sur la marine. Pour, pour résumer leurs actions et leur utilité dans One Piece. Je vous promets. Je me suis dit, encore une fois, ils ont, ils ont chié dans la colle. C'est désolé pour le terme, maman, je suis désolée. Mais je me dis à chaque fois, la marine, je sais pas ce qu'elle fout. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, euh, ils ont même pas capté qu'il était pas sur l'île de je C'est terrible. Voilà, c'était ma petite. Euh, petit coup de mon petit coup de gueule sur la marine parce que ça fait depuis un moment qu'il m'énerve dans les, dans les dans One Piece. Euh, et je me dis, vous faites des bêtises, quoi. Faut, faut travailler, les gars, là. Allez, hein. Vous n'êtes pas payer à rien foutre, hein. Donc, voilà. Le Denden VPN Muchi. <laughs> C'est vrai. Je crois qu'en plus, tu rigoles, mais quand j'ai fait euh, un placement de produit sur un VPN, je crois que j'avais utilisé le Denden Muchi euh, VPN. Je crois que j'avais fait cette, euh, cette vanne. ouais. ouais je crois qu'on avait fait cette connerie. Enfin, voilà. Donc, euh, c'était le mon petit coup de gueule. Je vais pas trop en dire plus. Euh, je vais passer à donc euh, avec les nouveaux révolutionnaires. Euh, on peut compter d'ores et déjà, donc maintenant, comment elle s'appelle Moda. Elle s'appelle Moda. Oui. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous souviennent de Moda, mais ce personnage est très récurrent dans One Piece, puisque la première fois qu'on l'a découverte, c'était dans les mini-aventures de Ace. C'est elle qui l'avait sauvée, et, euh, et c'était grâce, enfin, grâce à Sabo, du, euh, de Sabo pardon, euh, pour remercier Moda. Ace, du coup, avait transmis la lettre euh, au QG, à un mec du, du QG de la marine parce qu'il adorait le lait dans son café, euh, le lait qu'elle produisait et tout ça. Et du coup, ça lui avait permis de retrouver ses parents que vous voyez ici. <laughs> ça, c'est la première fois qu'on l'avait vu. La seconde fois, c'était euh, deux ans après, donc pendant l'ellipse, quand Barbe Blanche est morte, euh, Lille... Qui était sous sa protection donc euh, c'était pas l'illusia c'était le truc à côté de l'illusia parce que je crois pas qu'elle elle, elle est à l'illusia en elle-même je crois qu'elle est à côté de l'illusia ouais c'est peut-être euh... c'est peut-être là où était sa c'est peut-être la ville et... ouais je sais pas ouais euh, c'est un petit un petit un petit truc à côté comme un peu Fuchsia avec euh, euh, ouais, alors, mais la même île, avec quoi. goya c'est l'île de Dawn et voilà c'est ça il ya le royaume de goa c'est ça bah là Lama je crois qu'il y, y a le, le royaume ben, je crois que c'est ça, c'est le royaume de Luluzia. Et je crois que c'est juste à côté, en fait, euh, elle où elle était, Moda. Et c'est peut-être là où était Sabo, ce qui lui a permis de ne pas être sur Luluzia elle-même. Wow, ouais, ouais, ouais. ouais c'est pas impossible. En tout cas, on l'avait revu là-bas avec euh, l'attaque de Barbe Rose, qui était affiliée à, à Barbe Noire, et qui avait attaqué euh, l'île, euh, vu que... Barbe blanche étant mort, elle était plus sous sa protection et Barbe, blanc, barbe noire en a profité pour attaquer en envoyant Barbe rose. Je ne sais pas si c'est clair avec toutes ces barbes, mais il y a rose, blanche, noire. Essayez de trier. Mais en et clair. Brune aussi. Et brune, exact. Donc, euh, c'est là où on l'avait revue pour la seconde fois. La troisième fois, euh, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand il y a eu le truc de Leluzia, euh, l'explosion avec Im. On voit beau et ici, je pense selon moi, je ne suis pas sûre, c'est mon interprétation, je crois bien que c'est Moda, parce que je reconnais son petit foulard là. Ce qui est bizarre par contre, c'est que elle dit j'ai peur papa. Sauf que là, <laughs> je ne sais pas si c'est moi, mais on est d'accord que cet homme <laughs> n'a rien à voir avec cet homme. Ou alors, durant l'ellipse, il s'est coupé la moustache et il s'est coupé les cheveux et il a changé de style. Mais on est d'accord que cet homme... <laughs> ne ressemble pas à cet homme. <laughs> voilà, c'était c'était ma petite vanne du soir. Ça m'a ça m'a fait rire quand j'avais revu ça. Et, euh, et voilà, c'était c'était mon, mon petit euh, ma petite note. Mais par contre, est-ce que du coup ses parents sont bien vivants Donc si ça c'est bien son père ici, bah ça veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Que sa mère, on va peut-être la revoir là-dedans. Mais en tout cas, ses parents semblent eux aussi euh, eux aussi en vie. Peut-être deux papas. Je crois pas. À part si sa mère s'est remariée et qu'elle a appelé son papa papa, son beau-père papa, c'est une possibilité. Hein. J'ai pas la trad en japonais, donc euh, faudrait vérifier. Mais en tout cas, je trouve pas que cet homme ressemble à cet homme si ce n'est s'il s'est rasé la, la, la stache mou, quoi. Donc, bref, en tout cas, Moda, ça semble un personnage très intéressant et important pour Oda, vu le nombre de fois où on, on l'a vu. Et euh, c'est ce que je sais à Goji, j'ai l'impression qu'elle euh, qu me rappelle beaucoup Koala. Koala, c'était un peu le même style, c'est-à-dire que c'était un peu un personnage random, et pourtant, quand on a appris son passif avec euh, l'histoire de Fisher Tiger, euh, ce qu'elle est devenue maintenant chez les Révolutionnaires, j'ai l'impression que Moda, ça va suivre un peu le même fil euh, avec le même fil euh, que Koala. Donc voilà, est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Goji Ou est-ce que tu t'endors Est-ce que tu es toujours là Eh ben non, il est plus là. Sachez que je suis seule sur ce live et je n'avais même pas remarqué. Mais ce n'est pas grave. Je vais meubler. <laughs> Goji <laughs> S'il te plaît, apparaît. Oh. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit son grand-père, parce qu'elle aurait dit euh, papi ou, euh, ou grand-père. Là, elle l'appelle vraiment papa, quoi. Faudrait... Cham, si tu peux, euh, le chapitre, c'est... Je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis. Mais en tout cas, c'est celui avec Luluzia. Si un de ces quatre t'as le temps, Shump, euh, je veux bien que tu vérifies euh, la traite du J'ai peur papa. Bonsoir, euh, Saïd, Saïd qui nous dit, bonsoir, j'adore votre duo. Nina, tu fais un taf de fou, continue comme ça. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Ouais, peut-être. <laughs> Yumi, peut-être. Johan, Nina, euh, Nina penses-tu que le clan Oda... Et la réunification du Japon est liée à One Piece par rapport au nom de l'auteur Foreshadowing. Euh, alors, je l'ai un peu étudié. Euh, J'avoue que c'est intéressant, mais je pense que s'il avait choisi ça, il aurait. Enfin, si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait fait davantage avec Wano. Peut-être qu'il le fera avec la suite de Wano, c'est-à-dire que euh, sachant qu'à Wano il s'est basé sur l'histoire de l'ère Edo, l'époque Edo, et que après l'époque Edo, je crois que l'ère d'oda c'est après l'époque Edo, hein, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que c'est la transition qui va faire l'ère dont il s'inspirera, ce sera peut-être celle-ci euh, quand Momonosuke ouvrira les portes de Wano et libérera Pluton. C'est une possibilité en tout cas. Aurélien, je viens seulement d'arriver, je savais pas qu'il y avait un live ce soir. C'est pas grave, t'inquiète pas, on, on, on va le rediffuser, il hein, n'y a pas de souci. Donc voilà pour le truc de Moda, euh, qui est un personnage, je pense, qui va être récurrent plus tard et, et qui sera très très intéressant. Et on arrive donc à euh, la partie où Sabo donc, retrouve, euh, retrouve Sabo et va parler de Kuma. Ouh. Alors. Sabo qui retrouve Sabo. Sabot qui retrouve Mark euh, Dragon, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Dragon qui retrouve Sabot et qui discute au sujet de Kuma euh, par rapport au fait qu'il s'est évadé. Donc il, il avait réussi à s'évader de, de Marie Joise. Ils avaient réussi à le faire évader de Marie pour que finalement il retourne à, Ma à Marie -Joise. Et c'était intéressant. J'ai mis cette partie euh, parce que... Euh, Dragon disait... Peut-être qu'il était programmé pour retourner à Marie-Joise, quelle que soit la situation. Et cette phrase m'a interpellée interpellé parce que, à l'époque de, de, ma, de ma théorie sur euh, les clones dans One Piece, alors il y en a peut-être qui s'en souviennent pas, euh, c'est la vidéo où euh, j'avais dessiné Tchébec, vous savez, la guerre des clones, je l'avais appelée, avec Tchébec qu'on voit en couverture et qui tient le globe de, de One Piece. Dans cette théorie, euh, j'avais écrit une partie, c'était donc le 1er mars que je l'avais écrite, et dedans je disais, euh, j'expliquais pourquoi selon moi, euh, Kuma pouvait être retourné à, à Marie-Joise. Sauf que j'avais retiré cette partie volontairement, parce que d'un, la vidéo c'était trop long, et de deux, parce que je me suis dit, j'aurai forcément une occasion de le redire quand on reparlera de Kuma, du pourquoi il est retourné à marie -Joise. Sauf qu'en fait, je pensais pas du tout. Que Dragon aurait eu la même idée que j'ai eue dans ma review, enfin dans, dans, dans cette vidéo. Donc je vais vous lire le texte euh, que j'avais écrit à l'époque. Et vous allez voir que c'est exactement ce que, ce que dit Dragon. En clair, je disais, si elle venait à retrouver ses souvenirs, en parlant de Bonnie, cela l'anéantirait car elle comprendrait le grand sacrifice qu'aurait fait Kuma pour la protéger. Un sacrifice qui l'amenait à passer un pacte avec le gouvernement et se transformer en une machine sans âme. En s'assurant de la protection de Bonnie, il a offert en contrepartie son corps à la science au service du gouvernement. C'est pourquoi la raison de Kouma à revenir sur la terre sainte de Marie-Joise pourrait s'expliquer par le gage de son pacte envers le gouvernement. Comme aimanté à sa promesse et à un ordre implanté de ne jamais trahir l'objectif qui s'était fixé, dès lors où les révolutionnaires lui ont permis de s'échapper, le pacte ne tenait plus. Reste à comprendre quel pouvoir détient... Quel pouvoir détient elle détient pour que le gouvernement tente par tous les moyens de, le, de la retenir pour que Kuma veuille tant la protéger. Voilà. En clair, dans mon idée, c'était bien que si Kuma est retourné euh, à Marie c'est parce qu'il euh, avait, il avait fait ce pacte euh, avec le gouvernement et comme il avait offert son corps à la science et que, et que c'était le pacte qu'il avait fait en, pro en protégeant Bonnie, si vous ne touchez plus Bonnie, alors... Euh, vous ne... alors je resterai à votre service, je deviendrai votre esclave. Et donc c'est exactement ce que disait Dragon dans le chapitre. Donc ça m'a fait sourire que cette idée, se, se... elle ne se valide pas pour autant, attention, mais elle se valide du fait que j'ai eu la même pensée que Dragon sur ce coup. Voilà, c'était juste la petite parenthèse euh, que je voulais vous dire. Et enfin, on va clore la review. Live, parce que c'est même plus une review, c'est plutôt live, les plus grands secrets de la rêverie qui s'apprêtent à être révélés par Sabot, puisque ça y est, on le sait, cet homme avait, euh, savait que le trône vacant n'était pas vacant et qu'une personne s'y trouvait. Donc il s'apprête à révéler toutes les dingueries de la rêverie, ce qui comprend la disparition de Vivi, du pourquoi elle a disparu, l'assassinat de Cobra, qui est son assassin. La tentative d'assassinat de San carlos car oui, il y en a peut-être parmi vous qui l'auraient oublié. Euh, car Saint carlos a, euh, a été. Euh, comment, on est, comment on dit A eu une tentative d'assassinat envers lui. Ouais, une, une voilà. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, avait est censé avoir protégé son, son assassin. Je crois qu'il l'avait aidé à s'enfuir. Et c'est Apparem pour. Maman. Apparemment, ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont mis les, les quatre chevaliers. Euh, les quatre chevaliers de, des Draconcès, je sais plus, les 4 chevaliers de Dieu. Les quatre chevaliers mmh. de Dieu sur l'affaire. Donc là, le mec, il sait tout ça, hein, faut pas l'oublier. Et enfin, Bonnie aussi, qui était à l'époque, euh, qui était à la rêverie, et qui s'est enfouie, et qui était au courant que Sabo. Euh, elle avait dit un truc sur Sabo, et elle a dit non, mais je lui dirai plus tard. Je sais plus si c'était sur Sabo ou Vivi. Je crois que c'est sur Sabo. Tu sais, Bonnie, quand elle dit. Ah, mais je lui ai pas dit, ouais, machin. sur Sabo Ouais, sur Sabo. Donc, ils sont liés aussi. Donc, là, le mec, il a juste tous les secrets de la rêverie entre ses mains, entre sa bouche. Et il va bientôt les révéler à Dragon. Vous savez, le mec Dragon, le boss, le goth, qui s'apprête à faire des dingueries à la rêverie. Enfin, à Marie Joise, Et qui veut détruire les dragons célestes. Et là, je me dis, Dragon versus him, ma mamacita. C'est un truc de fou, je veux voir ça, je suis hypée. Je, je sais même pas comment vous dire. Que de base, euh, Dragon, euh, son, son leitmotiv, c'était de détruire les dragons célestes, enfin de, de destituer les dragons célestes, tout en sachant qu'il avait bien dit par Koala que les révolutionnaires, leur but, ce n'était pas de, 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 de s'attaquer à la marine ou etc., mais bien de destituer les dragons célestes. C'était eux leur target, pas la marine. Mais là, du coup, si Dragon apprend la vérité sur le trône vacant, sur le fait qu'en réalité, il y siège... Ah, je me dis, un petit dragon versus him. Oh, la dinguerie que ça va être. Et là, je vous conseille tous, vous savez quoi Je vais même vous envoyer la vidéo parce que Goji a fait une review là-dessus. Et, euh, et sa cover, au passage, est magnifique. Je tiens à féliciter ton artiste. <laughs> Elle est exceptionnelle. Et donc, je fais ta pub. Oh. Ah oui, parce que là, je vous ça, conseille d'aller voir parce qu'en plus, la, la, la cover est magnifique. Et justement, il en parle. Je ne vais pas développer plus que ça le Dragon Him parce que Goji l'a parfaitement fait, donc je n'ai même pas besoin de le faire. Mais euh... oh. oh là là, Him versus Dragon, imagine, ça va être fou. J'ai ah bah moué de la voix. <rire> <rire> ça va être fou. <laughs> euh, ouais, bah là, vraiment, c'est un peu, c'est un peu tout ce qui, tout ce qui nous attend. Ouais. Sans forcément qu'il y ait, euh, sans forcément qu'il y ait cet affrontement, là, les prochains chapitres vont être... Ils vont être dingues. De... Ils vont vraiment ah, être fous. En fait, de savoir ce que, ce que Dragon sait, ça va être fou. Hein. Mm. Ça va être vraiment fou. Là, j'ai trop hâte de savoir. Je pense pas qu'on va avoir... Vous pensez qu'on les aura, les révélations sur Sabo dans les prochains chapitres Moi, je pense pas là, dans le prochain. Je pense qu'il va nous faire languir. Parce que là, t'imagines Là, il va nous dire de, de, de tout là, ce qui s'est passé à la rêverie. Je me de te, te, te couper vite fait avant que tu continues. Euh, je sais qu'il y a déjà des spoils du prochain chapitre qui sont sortis. Ne spoilez pas. Ne parlez rien si... Vaut mieux rien dire que vouloir euh, participer à la conversation à la rigueur, l'éditorial, parce que la plupart ne regardent pas les spoils. Euh, donc euh, voilà, juste, euh, je sais que vu que Ninal vous demande ça, etc. Je veux oui, pas parce que moi je savais que pas qu'ils bon étaient déjà sortis, je oui, pensais pas du pour, tout. C'est pour, pour ça que je préfère pré-shot uh, avant, histoire que ça fasse pas le malaise et que la plupart se fasse spoil, euh, voilà. Ok. C'est bon. Bon, ben bah moi je miserais, euh, je sais pas sur quoi je miserais, parce que là on a eu Cross Guild, bah, je pense que il reste. Là je pense pas qu'on retourne à Egghead. Hein. vraiment. Hein. Parce que là si tu vois bien, on a fait chaque partie, euh, on fait chaque protagoniste et antagoniste. Tu vois, après avec mm -hmm. on est parti sur Barbe Noire et l'eau. il y a eu qui des Shanks. il euh, y a eu les Révolutionnaires et il y a eu euh, Yuki Bah, il y a eu la Cross Guild. Donc, je, 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 je suis pas sûre qu'ils reviennent euh, sur tous ces sujets encore. Je pense qu'il va y en avoir un nouveau. Il y a Webel, dont on sait rien encore. Webel qui a été arrêté par Rokugu et on sait pas ce qu'il est devenu, nous. <laughs> Donc, c'est possible qu'on puisse euh, aller là-dessus. Amazon Lily, c'est possible aussi. Peut-être le reste des, des il serait bien. Le reste des Shibukei, savoir ce qu'ils sont devenus, moi en tout cas ça m'intéresse. Après j'aimerais bien savoir aussi pour Moria, tu vois. Est-ce mm -hmm. que, est que Perona réussit à le libérer Et bien sûr le GOT, je, je parle même pas de Doflamingo qui est mon personnage adoré. Lui quand il va revenir, mes yeux vont saigner. Il va dire Bon alors vous voulez savoir euh, les trésors de Marie Joise Attendez, je vous explique tout <laughs> Oui, il est à Impel Down. Et justement, Dof Doflamingo se trouve à Impel Down. Et moi, ce, ce, selon ma théorie, c'était que, que justement, si la Cross Guide veut, euh, veut rassembler les, les ex-chichibukai, Weber est un ex-chichibukai et Doflamingo est un ex-chichibukai. Et ce serait très intéressant qu'ils se réunissent à nouveau. Et j'ai oublié Bakine aussi avec Marco. On pourrait revenir dessus. Parce que c'est elle qui veut sauver son fils avec l'aide de Marco. Mm -hmm. Et on pourrait du coup apprendre comment Webel est, 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 est né. Tu vois, par rapport à l'histoire de Vegapunk. Tu sais qu'il y a tellement d'intrigues en fait dans, dans, dans Stark que du coup, il y a trop de choses qu'on oublie. Mais c'est vrai que, que, ah, que oui, Bakin, oui. elle, elle allait euh, expliquer euh, que c'était bien. Vegapunk pouvait prouver que Weibull était bien le fils ah, de Vegapunk. Là, 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 en fait, c'est en fait, on... marrant parce qu'on est dans une partie de One Piece où il y a trop même. <laughs> oui, a... ça part dans, a tous, les sens, dans a tous les sens. Autant il y a des moments où il n'y a pas assez, autant là il y a trop. Ouais. Et je pense que ce trop là, quand il va y avoir des chapitres, ça va un peu baisser en, en termes de hype. Ouais. Ça va être violent. Là, ça va être. Euh... Parce que là, y a, en fait, il y a trop et c'est pas bon qu'on s'habitue à du trop dedans. Ouais, il y a trop de choses. Parce qu'à chaque fois, après, il y a toujours un truc où on s'y habitue. Il faut qu'il y ait le. Il faut que Oda s'adapte. Il faut que les chapitres soient enfin, à la hauteur. C'est. C'est assez ah, compliqué. Mais ouais. euh... bon, après, on va pas non plus s'en plaindre. Mais... Là, Oda il y va à fond. Là. Ouais, là, c'est. Là, c'est vraiment banger. Là, on, on, là on, de toute façon, dans, dans One Piece, depuis la fin de Wano, on mange Gucci, hein, je vous le dis. Hein. Vraiment, on mange Chanel, on mange tout ce que vous voulez, vraiment, c'est exceptionnel. Moi, je vis ma meilleure vie là dans One Piece, c'est trop beau ce qui se passe. Il y a trop d'intrigues, il ouais, ouais, y a ouais, trop ouais. de choses. Mais de l'autre côté, je suis frustrée parce qu'en fait, il y a tellement à parler que vous vous rendez compte, là, le live, il a duré 3 heures sur tous les sujets qu'on a traités. Mais dites-vous que c'est même pas un, un, un chapitre. Euh, genre euh, banger de ouf genre les plus gros secrets révélés donc si demain on fait euh, des reviews là-dessus mais déjà qu'elle dure 30 minutes généralement oh mais là ça va être un enfer c'est c'est il y a trop trop d'informations c'est génial en tout cas moi j'ai adoré ce chapitre je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi bien du côté de la cross guild euh, que du côté de la marine avec les primes ou ou du côté de, des révolutionnaires avec le retour de Sabo qui va faire des révélations euh, fracassantes. Euh, J'ai tout aimé, vraiment. R1 qui dit « Il y a 40 likes de plus que de viewers en ce moment sur ton live. T'es trop fort, tu <laughs> fais de likes. » Hey, merci à, à tous bientôt. Merci beaucoup. sur les 500 d'ailleurs. Les... Ouais, les bientôt trucs. les 500, c'est génial. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Vraiment, ça, ça aide énormément les likes. Vous imaginez même pas. C'est un truc tout bête, gratos. Et des fois, on a la flemme. Et moi-même, hein, quand, je, quand je regarde des youtubeurs ou des youtubeuses, des fois, je, je like pas. Hein, parce que j'oublie. Mais quand on me le rappelle, je dis Ah oui, merde, le like. Ça, ça aide, en fait. Ça, ça aide les gens, c'est gratuit. Et, et c'est vraiment bien, quoi. Donc merci à vous. Et merci, à 1 du rappel. <laughs> c'est trop adorable. Et chat qui nous fait un petit don. Merci. Coucou, petit soutien pour la fin du live. T'es un amour. Merci beaucoup. Gros cœur sur toi. Aussi, une abonnée que je kiffe. Je de toute façon vous verrez tous ces noms apparaître prochainement dans une vidéo parce que je c'est vraiment des abonnés de cœur et Didi ça fait longtemps moi perso je like tout le temps <laughs> merci Didi t'as un amour Im la maman d'Orophie j'y ai pensé beaucoup de fois je vais pas vous cacher j'ai même commencé une théorie là-dessus il y a très 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 longtemps mais je dois admettre que je n'ai pas envie que cette théorie se réalise et c'est pour ça que je n'ai pas fait cette théorie parce que même si j'avais énormément d'indices, je considérais que ces indices n'étaient pas assez gros. il faut savoir que quand je fais une théorie, c'est pas, parce... pas des théories que j'aime forcément faire, hein. faut pas croire, il hein. euh, y a peut-être des gens qui font une théorie parce qu'ils ont une idée qui leur plaît et après ils la développent. Faut savoir que la moitié de mes théories que je fais, généralement c'est pas parce qu'elles me plaisent, c'est vraiment parce que je trouve ça, et même si ça me plaît pas, je vais quand même développer cette idée parce que c'est ce que j'ai trouvé. Et je dois admettre que pour la théorie sur him c'est spécifiquement ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé énormément d'indices qui peuvent mener à cette idée, mais je trouvais que j'avais pas encore assez de gros indices pour ça. Et malgré tout, de l'autre côté, c'est pas une théorie que j'apprécie des masses. J'aimerais pas parce que ça ferait trop. Ça ferait trop histoire. Euh, trop pas prévoyante, mais. Euh... Pas un truc qui me plairait en fait. J'aimerais bien qu'elle soit détachée de ça. Ah, Surtout ah, la mère ah, de Lézine. L'homme à la cicatrice de feu. Oh non, recommence pas avec ça. <laughs> <laughs> recommence pas. Et merci ah ouais. ma petite show. Super live comme toujours Nina. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi, suivie. T'es un amour. Merci beaucoup. Bah, je suis bien contente que ça te plaise. Ce sera la belle fille de Garp. Oh ouais, c'est vrai. <laughs> T'imagines T'imagines C'est la, la brue de, de Garp. Ah, c'est horrible. Non, 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 non. J'aimerais pas du tout que Him soit soit sa mère. Mais j'avoue que, par contre, avec le dernier épisode de One Piece qui est sorti, il y a un truc que vraiment. Il euh, y a vraiment un truc bizarre avec euh, Sora. Sora la mère, c'est Sora, hein, la mère de. Ouais, ouais, ouais. De, de Sanji. Je vous jure, il y a un truc qu'on a remarqué qui est trop bizarre. Vraiment trop bizarre. Ça m'a intrigué depuis toujours. Le papillon qui est associé à him est étrangement associé à Sora Sora qui est d'ailleurs le, le nom du, du truc des héros là du comment il s'appelle du héros de la marine euh, oui bah, hein, c'est le... Oui, le même nom le gars, et je bien me bien dis c'est hein. trop bizarre ce papillon relie him à Sora et je trouve ça trop 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 bizarre je sous-entends pas que c'est attention hein. faites attention à ce que je dis je vous dis juste cet indice du papillon qui revient et qui est récurrent entre ces deux personnages me, me, me paraît très étrange. Oden égale la mère de Luffy et Im égale l'homme à la cicatrice de feu. Source ouais. de point, t'inquiète. <laughs> Moi j'adore le. Source de point, t'inquiète. <laughs> Excellent. Je ne lis pas Kingdom. Je pourrais pas te dire Sora c'est qui. Mais oui, c'est... Alors, c'est pas... <laughs> c'est mignon, mais... C'est pas, pas Kingdom, c'est pas le manga, c'est um, Kingdom Earth, c'est... Euh... C'est ah, un jeu vidéo. D'accord. Et, euh... et le perso principal, si je dis pas de conneries, euh, il s'appelle Sora. Mmh, D'accord. J'avais pas la rêve, je suis désolée. Oh, non, non, c'est pour ça. Et Johan dit, Sora veut dire ciel, papillon, ciel. C'est la philosophie de Confucius. Exactement. J'avais étudié et j'en avais parlé quand j'avais fait la théorie de Hymn. Et, euh, et je trouve ça vraiment... Je trouve ça très, très bizarre, le truc de Sora. Vraiment, vraiment. <laughs> oui, je lis pas Royaume, Gigi. <laughs> Alors, pour, pour le contexte, c'est Kichi. Stop te <laughs> plaît, je fais là, parce qu'elle est trop bien. Elle est trop bien, cette scène, elle est extraordinaire. Kichi, c'est notre modérateur, d'accord Il est dans le staff, et c'est un ami. Et... Euh, on était avec un, grou un autre groupe d'amis, dont Gigi. Et, euh, et on lui dit, euh, il avait dit, ouais, je lis, lis Kingdom et tout machin, c'est trop bien. Et un autre pote, Dencha, lui dit, ah, tu lis Royaume. Et, et Kichi <laughs> répond, non, 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 non Kingdom. <laughs> voilà, c'est Kichi et, et l'anglais. Et je trouve cette vanne extraordinaire et c'est pour ça que maintenant quand on dit Tu Tuli Royaume c'est la ref. Vous l'aurez désormais. C'est Kitty euh, et... Si vous avez un pote aussi qui est pas trop chaud en anglais, vous pouvez lui faire des petites, euh, ouais. des, des petites vannes comme ça. Il ne <laughs> <Ça, ça rire> va pas comprendre, ça voilà. vous met très bien. Tuli royaumes, Non, non, je lis Kingdom. <laughs> c'est <laughs> ce qu'on a... Voilà, on a appelé ça Another Kitty Moment parce qu'il tape des, des trucs comme ça qui sont hilarants. Voilà, c'était petites vannes de la soirée. Enfin bref, ça fait 3h10 de live quand même. Donc euh, on est pas mal. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. On va encore répondre à une question. Et puis je pense qu'on va tous aller se coucher parce que c'est presque minuit. J'espère en tout cas, euh, les bro, que vous aurez kiffé. T'as vu, j'ai utilisé ton truc de bro. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, ça me va pas du tout. Euh, je préfère. Euh, J'espère le que les Nina euh, vous avez apprécié. Ça aussi, non Eh, les Muggy Gogo. <laughs> <laughs> <rire> 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 Comment ça va les Mugigoshi <laughs> Comment ça va Nina Ça va, merci Keis. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ah ouais, là c'est chelou. nous maître du Sword Non, je pense pas du tout. Si tu, quand tu regardes les Swords, les membres du Sword, c'est tous des gens pacifistes hein, qui, qui sont plutôt de la politique de, de Kuzan à la rigueur. Akainu, il a la, la, la justice absolue. C'est la justice qui, qui tue tout, quoi. Il en a rien à foutre, lui, il est pour la justice absolue, point. Et, euh, et le Sword, c'est même plutôt des, des pacifistes à preuve. L'arme qu'elle a utilisée... Euh, comment elle s'appelait Ah, oh, j'ai plus... Barry. Comment Ibarri. Ibarri, voilà. L'arme qu'elle a utilisée, c'était l'arme euh, confection... enfin, qui rappelait les tanks à fleurs de Vegapunk. Et, euh, et justement, Vegapunk Punk était lui-même un scientifique euh, pacifiste. Donc, on est vraiment dans le côté pacifiste avec les les, euh, les Swords qui se veulent vraiment euh, du bon côté des civils. Euh, qui Thibon, par exemple, tu vois, j'aurais bien vu dans le Sword pour le coup parfaitement ouais, dans vrai. le Sword. Je pense même qu'il qu peut-être même il fait partie du Sword. Je serais pas étonnée. C'est peut-être pour ça qu'il est atterri dans le royaume de Pépé. Tu vois, qu'il s'est rendu parce que euh, il disait que le Sword c'était des gens qui euh, étaient à la fois marines, mais de l'autre côté ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et donc c'est peut-être la raison qui a poussé Tibonne à se rendre euh, à se rendre là-bas. Donc moi je serais même pas étonné pour le coup que Tibonne fasse partie du Sword beaucoup. En voilà. Hein. Mmh. S'il est pas mort, ce serait... serait cool. Ce serait sympa, ouais. Les Ninabro. Ah, j'aime bien. Non 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 non. Non Ninabro, j'aime bien. Yo les Ninabro. Ouais. Ce soir, je vous fais une réaction live du chapitre One Piece 1082. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour Goody. à tous. J'espère que vous allez bien. Non, tu fais comme ça, toi. Yo les bro, c'est Goji. Ce soir, on se retrouve machin. Tu vois, tu fais comme ça. Yo les bro, c'est Goji. Moi Ouais. Bah, si, tu fais totalement Yo les bro, c'est Goji. Mais pas du tout. Mais si. Mais moi, je fais Yo les bro, c'est Goji. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre. 1083, les refs, oh, c'était incroyable, le striptease de Dragon. Non, tu vois, c'est. Attends. Yo les bros, c'est Goji. Oh, non, j'arrive okay, pas. Ok, Tibonchette, <laughs> <shape>. d'accord. <laughs> Yo les bros, c'est Goji. Ouais, d'accord. Ouais, mais bon comment sûr. tu fais Yo les <laughs> bros, j'arrive pas. Quoi, comment ça, es... exactement le même Non, mais arrêtez. Merci. Euh, euh, bah, bah, arrêtez, non, mais arrêtez. Allez, Merci. Parfaite imitation mais Non, Merci. Mais non, Non, mais ça. Ça c'est vraiment Merci. parce que je suis sur ta chaîne. Ça, mais pas du tout. Vieille. Mais je te jure, tu fais Yo les Bro, c'est Goti. Je te promets que je t'imite super bien. Mais c'est même pas la même... <laughs> mamine. Mais... Mo... mais si. non. non, non, non. Yo les bro, c'est Goti. Non. <laughs> <laughs> c'est bon. <laughs> tu m'as <laughs> euh... Ah là là. Euh... Allez, bonne soirée David. Nous on va se quitter. J'espère en tout cas vraiment, vraiment, vraiment que vous avez passé une bonne soirée. On essaye d'atteindre les 500 oh. likes avant Déco. Ce serait génial, mais je pense qu'on ouais, va peut 25, pas quoi. les atteindre. Ça Et me paraît chaud. Aussi. Comme ça, on va tous dodo. Oui, Et euh... contre, comme ça, on va dodo. <laughs> Et attends, parce que je vais, je vais mettre fin au sondage au passage. Il y a 544 votes. Je vous le dis, vous avez encore 5 secondes pour voter dans le sondage. Qui des 4 rampers atteindra la FETEL en premier Pour l'instant, le fille est donc en tête. Euh, suivi de très peu avec Baggy. Donc, j'arrête les votes dans 5, 4, 3, 2, 1. Zéro. J'arrive même pas à mettre. 549 oh, votes. <laughs> Et c'est donc le fille qui atteindra en premier la 550. Ah oh, Dommage. Franchement, t'aurais rajouté un, un, 5. un 6. Ouais, ouais c'est vrai, ça aurait fait 556. Ouais, 556. Merde. Ça aurait fait merde. Ah, je suis deg, ah, deg Ah, je suis deg. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave, t'inquiète. Pour que ce soit le fille qui atteigne la telle, Ouais. Ouf. Ah non, vraiment. Ah, ouais. Ah là t'as loupé un truc. Ah ça, tu vois, je Ah j'ai le SAM un peu là. Ça aurait fait trop symbolique avec One Piece et tout là Ah j'ai le SAM Allez, on refait oui. le vote. Vous revotez tous. Que, surtout que 2 et 8... C'est bon, c'est bon, allez. En, donc, oise, ça veut dire baggy Ouais bon. c'est bon, allez c'est trop le somme bon allez c'est pas, pas grave quoi. je vous souhaite à tous une bonne nuit essayez d'atteindre les, 500K, euh, 500K. <laughs> les 500 k euh 500 k les 500 likes avant de dodo et moi je vous souhaite une très bonne nuit j'espère vraiment que vous avez passé une bonne bah, moi soirée aussi, du coup mais bon après apparemment euh, oui bah problème, je suis moi je suis tout pareil voilà, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne soirée et euh, merci pour tous les dons, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci pour les messages de Moumoun et aussi merci pour les bons anniversaires de mon papounet. Ça me fait trop plaisir, j'ai une communauté extraordinaire. Merci également euh, à mes modérateurs qui ont pu modérer le, tout le chat Neto, Didi, il y était d'ailleurs, je sais pas si Bovino était présent, Kitchi, bref, tous ceux qui étaient présents et merci bien évidemment aux gottes, au BOSS. Et notre goji national oh, qui me soutient ouais. toujours dans les lives, et, euh, et voilà. Je vous remercie très, 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 très fort. Je vous dis bonne nuit à tous, et euh, on se retrouve euh, bah, très vite pour euh, la prochaine review, sûrement, je pense. Ben, merci à toi, Ninette. Des bisous à tous. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit et à puis, tous. Euh, et puis à la chaîne pro. Des bisous. Et euh, je finis sur le Discord, comme ça vous pourrez le partager si vous voulez suivre d'autres choses. Passez sur le Discord, ça fera plaisir, et, euh, et vous trouverez des gens cool qui aiment One Piece, qui sont surtout euh, très polis. Ça, j'ai besoin d'un Discord très poli chez moi. Parce que ma mère, elle me bute sinon. Et euh, surtout, qui, mmh. qui sont bienveillants avec vous. Donc, euh... <laughs> star qui je vais te défoncer. Donc euh, voilà, c'est bon. Je quitte. Et je vous dis tous bonne nuit. Des bisous, merci pour tout. Tchou tchou. Des bisous, bonne nuit.